Et salut à tous! Est-ce qu'on m'entend? Est-ce que mon micro est coupé? Je ne crois pas. Bonjour à tous, c'est Mediavore. J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau live. Dans ce nouveau live exceptionnel réservé au DC Extended Universe. Ça y est, on fait enfin un live pour en parler ce soir. On va parler, enfin, cet après-midi plutôt. S'il est 15h, c'est la première fois que je fais ça l'après-midi. On va parler de Man of Steel, de Batman vs Superman. On va parler de Justice League, de Suicide Squad, de Shazam, de Wonder Woman, de Bird of Prey et Aquaman. J'avais oublié Aquaman. Donc, on va parler de tous les films du DCU. Je vois que vous êtes pas mal dans le chat, donc bonsoir au chat. Je vais malheureusement pas tous pouvoir vous citer, mais il y a Elias, il y a Manga Comics, il y a Mélanie, il y a Jérém, il y a du monde. Je crois qu'il y a même Anto une deuxième fois dans le chat. Il y a Cinédi, il y a Christophe. Vraiment, vraiment, vous êtes beaucoup. Rocco Lewis et tout, la culture geek. Bon, vous êtes vraiment beaucoup, beaucoup. Du coup, je vais pas pouvoir tous vous citer, mais en tout cas, salut à tous. J'espère que vous allez bien. Ce soir, enfin plutôt cet après-midi, encore une fois, on est accompagné de beaucoup de gens très intéressants. Et c'est là où c'est kiffant, c'est que c'est des amateurs de films, mais aussi des amateurs de comics. Du coup, il y aura ce petit truc où bah, ils connaissent les comics, ils connaissent les films. Certains détestent ces films, d'autres aiment beaucoup certains de ces films. Moi, je suis assez modéré, je le dirai après, mais voilà, il y a certains des films que je trouve extrêmement cool et d'autres que je trouve un peu moins bien, même beaucoup moins bien, genre presque nul, mais il y en a certains que je vois les gens en bas, ça me fait rire. Et donc voilà, je vais les accueillir. Alors, tout le monde m'a demandé cette semaine, est-ce que Mr. Prince sera là? Je vais laisser les intervenants se présenter et vous allez voir si Mr. Prince est là. Salut à tous. Je comprends pas. Salut. Yo. Yo. Yo Minasam, ça va? Yo Minasam, Nakama. Ah, tu vas le laisser faire la présentation à notre place, c'est ça? Présentons-nous. La Ligue des Nakama, c'est ça. Donc, Insike, Mr. Prince est là. J'ai vu que beaucoup de gens demandaient. Donc, voilà, il est là, il est là. Il est là. Je suis ni là avec ma femme, ni avec mes enfants. Voilà. Donc, petite chaîne de comics, séries en tout genre, manga. Et évidemment, fan invétéré de Superman et Batman. Surtout Superman. Ça va être sympa. Juste prendre la couleur vite fait, la température plutôt que la couleur. Juste vite fait là comme ça, c'est quoi le film pour vous où ça va être compliqué de discuter? Il y en a pas bon. Oui. Le film où ça va être où vous sentez qu'il va y avoir un petit truc, un peu de d'échauffourée quoi. Sérieusement, je dirais peut-être Aquaman. Alors, on sait très bien lequel quoi. Hein. Voilà. Non, bah, la vérité c'est que c'est toujours le même film qui crée le plus de zizanie. Est-ce que vous êtes d'accord déjà sur les mêmes films les gars ou pas? Je pense plus ou moins. Vous avez vraiment les mêmes avis à chaque fois? Parce que moi j'ai l'impression toi NCK t'es un peu plus posé en mode genre ouais mais il y a du bon, il y a des bons trucs, il y a des mauvais tu vois, et toi Mr. Prince t'es plus genre c'est de la merde, c'est vraiment de la merde en fait. Non, vraiment, c'est une question. C'est nul à chier. C'est une question de phrasé, tu vois. Je me suis calmé un petit peu depuis. Voilà, quand j'aime moins un truc, je le fais moins ressentir. Mais ouais, c'est mon côté un peu cash. Quoi. Un peu cash, tu vas enlever la casquette, l'acheter en mode genre vas-y, c'est bon, ça me. C'est pour ça que j'en ai pas pris aujourd'hui. Comme ça, tu les jettes pas quoi. On va ajouter quelqu'un d'autre. Alors il s'agit de. Bien le bonjour. On ajoute Os Comics, c'est la première fois sur ma chaîne que je le reçois. Ça fait un petit moment que je le connais maintenant. Et ça fait un petit moment qu'on se dit que ce serait cool de faire des trucs. Et il est enfin là pour parler du DCEU. Alors, j'arrive pas à dire DCEU. DCU. Ouais, DCU. De toute façon, c'est un terme qui n'existe pas à la base. Donc. Je crois que voilà, ça existe pas depuis maintenant. Ça existe toujours maintenant. Ah, ça existe pas de base. C'est Worlds of DC. Il n'y a rien de bien concret en fait en réalité. Hein. D'accord, ok. Du coup, salut Oz. Salut au chat et tout le monde qui dit salut Oz et salut Nakama. Est-ce que tu peux nous présenter vite fait ta chaîne? Je reviens vite fait parce que j'ai oublié de mettre mon câble Ethernet et donc ça va cracher parce que j'ai une connexion de merde. Mais du coup, je vous écoute. Hein. Mais vas-y. Ok, présente-toi. Ça marche. Oz Comics, petite chaîne DC centrée uniquement sur l'univers DC. Non pas que j'ai quoi que ce soit contre Marvel ou les autres éditeurs, c'est juste que j'ai pas forcément le temps ni l'argent de m'investir sur deux univers à fond, donc je préfère le faire que sur l'univers de Batman et Superman, les deux super-héros de mon enfance. Voilà, voilà.
Ça représente de l'argent, c'est vrai. Ouais, ouais, c'est pour ça. Et donc, toi, le film que, enfin, où tu penses que ça va clasher, c'est quoi? Bah, clasher, moi, je suis les Nakama depuis une longue date quand même. Je regarde depuis 2017 et je suis d'accord avec eux sur beaucoup, beaucoup de points. Donc, je pense pas que ça risque de clasher outre mesure en réalité. Hein. Okay. Donc, on verra bien. D'accord. Ok, bah ça. Et donc bah voilà. Et la dernière personne, il s'agit de l'homme qui est le plus sur le live de tout le monde. Vous l'avez vu sur la chaîne de Landry, vous l'avez vu sur la chaîne de Comics Guardian, sur la chaîne de Beauparleur, sur ma chaîne. Il est sur la chaîne de tout le monde. Bientôt sur le live peut-être de Zack Snyder et de Kevin Feige en même temps. Il s'agit de Anto. Bonjour à tous. On va l'appeler le voyageur. Ah, attends, mais Anto, je viens de voir un truc. T'as rasé ta barbe? Ouais. Ah bah, t'as rasé ta barbe. T'avais un petit air à la Captain America, tu vois, avec la barbe. On parle de Superman, il faut être propre, tu vois, comme quand il sort du vaisseau, voilà, c'est nickel. Vas-y, présente-toi pour les gens qui. Bah, je pense que tout le monde te connaît pour le coup ici maintenant, quoi. Mais... Oh, bah, moi, tu sais, je suis squatter de live de profession, donc j'ai pas forcément de parcours prédéfini. Moi, je sais juste que c'est un véritable honneur d'être là aujourd'hui. Je te remercie beaucoup pour l'invitation. Donc, retrouver mon camarade Os Comics avec qui on vit des aventures incroyables sur YouTube depuis plusieurs mois maintenant. Et puis de rencontrer les Nakama presque face à face, c'est un vrai honneur aussi, parce que c'est des gens que je suis depuis plusieurs années maintenant. Donc j'ai très très hâte de parler de tout ça, et voilà, ça va être génial, je le sens. Ah, c'est vrai qu'en vrai, les gars, les Nakama, vous êtes des légendes, hein, les gars. Moi, j'ai commencé YouTube. Des légendes, Johnny, mais... Non, mais j'ai commencé YouTube, les gars, je regardais déjà vos vidéos, tu vois, et genre, je faisais pas de vidéos ni quoi que ce soit dans mon coin, je faisais rien. Et je regardais vos lives, et franchement, je kiffais de ouf, tu vois, donc, enfin, vos lives, pardon, je regardais vos vidéos, et j'aimais beaucoup les news de la semaine. Dommage qu'il y en ait beaucoup moins maintenant, mais ouais, j'aimais beaucoup, beaucoup ça. Ça va revenir? Ah bah on en a vu une déjà la semaine dernière. Là, ouais, la semaine dernière. Vraiment, le truc, c'est avec le Covid, tous les retards, on ne peut plus en faire toutes les semaines. Quoi. Donc, j'en profite parce que je vois que Valentin a écrit, Valentin Alexandre, qui lâche 5 euros. Merci beaucoup, mec, c'est hyper gentil, pour financer un nouveau Suicide Squad. Ça taille déjà. D'accord, ok, je vois que ça taille. Bah, si vous voulez financer d'autres films dans le chat, allez-y, n'hésitez pas. Si vous voulez financer peut-être un Bird of Prey 2, Si tu veux de l'argent, demande-leur de financer un film Green Lantern, comme ça tu verras. Voilà. Financer un Green Lantern, les gars. Ce serait mieux investi. D'accord. Et alors toi, vite fait, Anto, parce que j'ai posé la question à tout le monde, c'est quoi le film pour toi qui est... J'ai pas demandé quel était votre préféré ou le plus nul, hein, d'abord, mais c'est plus pour savoir lequel pour toi va être... tu vois, enfin, t'as quelque chose à dire, tu vois, et les gens sont sûrement pas d'accord avec toi, tu vois. Si c'est personnellement, je dirais peut-être Aquaman, parce que c'est vrai que j'ai un avis très très enthousiaste sur le film. Donc je sais que c'est plus mesuré chez les Nakama, donc peut-être qu'il y aura un petit décalage là-dessus. Autrement, si c'est de manière générale, je dirais, enfin Insiké l'a dit tout à l'heure, hein, mais c'est le film entre guillemets qui fait polémique depuis sa sortie, c'est BVS. Hein, et que quoi qu'on en dise, quoi qu'on en pense, il y a toujours un fossé entre les gens. Et mais la version naturellement, la version longue ou la version ciné? Bah, dès que tu parles de ça, regarde la preuve, t'es obligé de dire version longue ou version ciné, donc ça crée déjà le tournis. Donc moi, je pense que les deux. Moi, peu importe. C'est, voilà, les deux films. Ok, d'accord, cool. Bah écoutez, ça va être sympa. On va, je vais vous poser une petite question comme ça, répondez comme vous voulez. C'est quoi pour vous déjà? On va voir, on va faire un petit tour de table. C'est quoi le pire film du DCU? Birds of Prey. Ouais. C'est sans aucune mesure. Bird of Prey, je l'ai vu hier, je dois être totalement honnête avec vous, je l'ai regardé hier, j'ai pas passé un mauvais moment, mais par contre j'ai pas terminé le film, j'ai pas eu besoin de le terminer en fait, en mode genre, oh mince, voilà. Et du coup, bah, je l'ai pas terminé, du coup je connais pas la fin du film, mais j'imagine que ça doit être intéressant. Mais du coup je peux pas avoir un gros avis dessus, mais j'ai regardé 1h15, tu vois, sur 1h40, tu vois. On a compris, quoi. Voilà, du coup, j'ai compris le concept. Non, c'est pas nul. C'était juste, ça m'a suffi. Voilà. Moi, je dirais franchement, pas le pire film, mais franchement, Justice League pour moi, quoi. Vraiment, il est très dur à regarder quand même. Je suis désolé, les gars, mais pour moi, on va pas être d'accord, mais il est insoutenable, ce film, tu vois. Genre, je suis d'accord, c'est un peu un Frankenstein. Mais il y a des bons côtés, tu vois, t'as des bonnes scènes, t'as des bons délires, tu vois, il y a des bons personnages, mais il est charcuté. Je pense pas que Justice League soit
je pense pas que Justice League soit le plus mauvais cinématographiquement parlant, mais en tout cas, c'est celui forcément qui nous a le plus déçus, ouais, j'imagine, ouais, tout ce temps, ouais, qu'on est, quoi. En fait, c'est ça, tu vois. Parce que le plus mauvais, toi, honnêtement, pour moi, c'est Suicide Squad. Bah, moi, c'est Suicide Squad, honnêtement, c'est irregardable. Je peux pas, quoi. Je peux pas. Honnêtement. Hein. Et celui que vous aimez bien, honnêtement, Man of Steel. Que je préfère, du coup. C'est ça, que je préfère. Ouais, Man of Steel. Man of Steel. Mmh. Ouais, Man of Steel. Eux aussi. Prince, Man of Steel aussi. Ouais. Ouais. Moi, j'aime bien. Je le dis comme ça, c'est évacué direct. J'ai pas détesté Suicide Squad pendant au moins 45 minutes. Voilà. T'as changé un peu. J'ai bien aimé 45 minutes de Suicide Squad, en fait. Il y a certains trucs dans Suicide Squad que je trouve très cool et d'autres que je trouve vraiment nul à chier. Donc voilà, je préfère le dire comme ça, on en parlera. Bon, bah écoutez, on va partir. Après, sur. Ça ouais, du temps, de la merde. En fait. Ouais, ouais, ça prend bien 45 minutes, tu vois. Après, c'est. D'accord, ouais. Je trouvais que ça mettait du temps à devenir à chier. Quoi. Et c'est pas tout de suite à chier, tu vois. La meilleure scène, c'est la scène d'intro, tu vois, limite. Avec tous les personnages et tout, tu vois. Ouais, elle est cool, cette scène. Ou la scène, tu sais, où il y a marqué le titre au début, Suicide Squad, et puis après, c'est nul. Non, je... ouais, 45 minutes, donc. Alors, on me dit, Aquaman ne fait pas partie du DCU. Bah, en fait, alors, c'est la question que je voulais vous demander, les gars. Qu'est-ce qui fait partie du DCU et qu'est-ce qui en fait pas partie? Parce que j'ai cru qu'en fait, c'était de base tous les films de Snyder qui étaient le DCU. Mais en fait, maintenant, on dit que ça en fait partie, mais vu que certains films commencent à marcher et qu'ils ont envie que ça recommence et que ça, là, il y a la Snyder Cut, tout ce qui est revenu. Et ils ont l'air de dire que les DCU reviennent et tout, ce genre de choses. On reparle de Black Adam, ce genre de choses. Donc, je demande, bah, qu'est-ce que c'est le DCU, en fait? Ou le World of DC? Ils le savent pas eux-mêmes. Ils le savent pas eux-mêmes. Ouais, c'est vachement. C'est difficile à définir. Hein, parce que pour moi, c'est tout sauf Joker, en fait. Ouais, exactement. C'est ce que t'as mis dans ta bonne annonce, en fait, Mediabor. Ouais, bah Joker, pour moi, c'est pas DCU, quoi. Non, non, clairement pas. Il y a que ça qui est pas dedans, quoi. Le reste, oui, c'est dedans, même s'ils veulent faire croire qu'il y a un pseudo... enfin, il y a une certaine déconnexion, mais pour moi, ça reste quand même dedans. Il y a des références au film, donc... On va pas trop donner notre avis là-dessus non plus. Apparemment, Wonder Woman 84. J'allais parler de ça, j'allais dire, je l'ai pas mis dedans, mais... parce que moi, je l'ai pas vu, perso. Mais, on l'a pas vu non plus. On va pas en parler, ouais. Mais ce que j'ai entendu, il n'y a aucune référence non plus. Tu l'as vu, toi? Non, je l'ai pas vu. Non, mais Wonder Woman 84 fait référence au premier. Donc, le premier faisait référence au DCU, donc on peut inclure, du coup, Wonder Woman 84 dans le DCU. Quoi. Mais après, effectivement, logiquement, il n'est pas censé être sorti en France, donc on n'est pas censé en parler aujourd'hui. Voilà. Dans le chat, ils ont l'air de dire... Dites-moi dans le chat, vite fait, on va faire un petit truc là, comme ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un, je ne sais pas, un modérateur, peut-être Steph ou n'importe qui, ou Sénédi ou n'importe qui, ou Wendy, qui peut faire un stropol et qui mettent tous les films du DCU et on fait un petit truc pour savoir ce que les gens ont détesté le plus. Voilà, pour savoir. Ce serait cool si on peut faire ça, s'il y a quelqu'un qui peut gérer ça dans le chat. Ok, bah les gars, on va partir sur ça. Ah oui, mince, je vous ai demandé les films que vous aimiez le plus. Pardon, vous aimiez le moins, c'est ça donc ouais. C'est quoi le film que vous aimiez... Non, le film que vous aimiez le plus, m'avait dit Man of Steel. C'est quoi le film que vous aimiez le moins, m'avait dit Suicide Squad. Bird of Prey. Et Bird of Prey et quoi d'autre? Et toi, t'as dit quoi? Bah, Justice League, allez, hop, histoire de pas faire comme tout le monde. Ok, bah, je serais d'accord avec toi, Justice League aussi. Bah, c'est la douche froide. Okay. Bon, bah les gars, on va parler maintenant de Man of Steel. Est-ce que quelqu'un veut se lancer, raconter peut-être Man of Steel, ce que c'est que Man of Steel, vraiment pour ceux qui auraient peut-être jamais vu Man of Steel? Et un petit peu, après on va partir dedans, on parlait de plein de choses et je sens qu'on va y rester une demi-heure, donc du coup, on va bien se mettre en jambes. Qui veut, tu veux parler de Man of Steel, Anto? Bah, si vous êtes d'accord, ouais, je vais bien. Allez, vas-y, on te laisse cet honneur. Man of Steel, c'est toute une histoire. C'est un film que je voulais pas voir à la base, en plus. C'est ça qui est assez marrant. C'est-à-dire que, en 2012, quand la bande-annonce est sortie, j'ai regardé ça d'un œil assez lointain parce que, moi, je sortais un peu de l'école Richard Donner. Je lisais pas de comics à l'époque, donc je voyais ça avec un regard assez agressif presque, en mode mais qu'est-ce qu'ils font à Superman? Moi, je regardais la série animée, voilà, j'avais quelques références sur le fait qu'il y avait autre chose quand même derrière les films, mais j'avais pas encore touché à tout ça. Et du coup, je me demandais un peu ce qui se passait avec ça. Et quand le film est sorti, je suis allé le voir parce que bah, j'étais en famille et puis c'était le film un peu choisi par tout le monde. Et je crois que je me suis pris une bonne grosse claquasse quand même.
parce que j'ai découvert un univers de SF que je connaissais pas sur Superman, et j'ai découvert un Henry Cavill magistral, quoi. Le rôle, enfin, ce qui aurait pu être le rôle de sa vie, je pense, et avec une consécration dans la manière d'iconiser un héros, enfin, tout ça, on en parle beaucoup avec Oz, mais c'est quelque chose qui me tient à cœur, cette manière de représenter vraiment héroïquement Superman. Même si c'est un début, et même si on sent que le film est pas encore, est plus dans un proto-Superman, où il est encore en train de se chercher, il découvre ses origines, il part en quête de lui-même et de ce qu'il va devenir, de ce qu'il va représenter pour l'humanité, avec un casting, j'en parlais un petit peu avec Henry Cavill, mais presque 5 étoiles aussi sur tout le reste. Ah ouais. Hein, on a quand même Amy Adams, Laurence Fishburne, Kevin Costner, et j'oublie tout le dernier. Russell Crowe, merci. Russell Crowe, ouais. Jor-El, voilà, donc quand même pas rien. Il y a aussi, comment il s'appelle, Zod, l'acteur. Michael Shannon. Michael Shannon. Ouais, Michael Shannon, qui pour moi à ce jour reste Zod reste le meilleur méchant de cet univers à ce jour, avec un ennemi qui n'hésite pas à faire du sale et à montrer que. Mais non, le pire, c'est Harley Quinn. Ouais, on en reparlera après, mais pas sur les mêmes points, quoi. Mais un combat entre kryptoniens, ça fait mal, quoi. Et ça fait des victimes, ça met de l'enjeu, et ça montre qu'un héros est nécessaire dans cet univers. Et j'adore Superman, enfin Man of Steel, j'adore tout ça. Et pour moi, c'est vraiment, au-delà d'être mon film préféré du DCU, je pense que c'est mon film sur le personnage. Enfin, c'est le film sur le personnage que je préfère, je dirais, même si j'aime beaucoup Return, si j'aime beaucoup le Superman de Donner. Et je pense que ça fait partie de mes films de super-héros préférés avec Spider-Man 2 et puis Batman Begins, qui sont, voilà, pour moi un peu la trinité de ce qui se fait le mieux, je pense, dans le genre, à mon sens. Ouais. Moi, j'ai vu, personnellement, je me rappelle avoir vu Man of Steel au cinéma. Et je pense que, en fait, je pense que j'ai été un petit peu. Comme tous les gens qui ont vu Man of Steel au début, qui n'ont pas aimé le film, en fait. Moi, j'étais habitué à... C'est sorti en 2014, c'est ça ? 2015 ? C'est ça ? 2014 ? 2013. 2013, on a déjà eu Avengers, on a déjà eu ce genre de film. Et donc, forcément, les gens, quand ils sont partis voir Man of Steel, ils se sont dit, bah, en fait, ça va être soit un Superman comme on a déjà eu, donc un Superman un petit peu plus family-friendly, tu vois, ou tu sais, un petit peu plus comme Superman Returns, par exemple, qui était sorti presque 10 ans plus tôt. Et à peu près, tu vois. Ouais, avec Brendan Rouse, je sais pas comment il s'appelle. En fait, j'ai été déçu du film parce que je pense que je m'attendais à un film Marvel, tu vois. Je m'attendais vraiment à ce genre de choses. Et en fait, bah c'est pas du Marvel du tout. C'est même assez violent. Il y a des scènes assez violentes. Il y a des scènes d'action plutôt dures, tu vois. Et même la façon de filmer, ce genre de choses, c'est Zack Snyder, c'est pas Joss Whedon ou ce qu'a fait, par exemple, comment il s'appelle, Happy, là, dans les Marvel, le réalisateur d'Iron Man, John Favreau. Et donc, moi, personnellement, j'avais pas aimé. Je l'ai revu il y a pas très longtemps. Ça fait presque 10 ans que je me dis, j'aime pas le film. Je l'ai revu il y a pas très longtemps pour ça. Et j'ai kiffé. J'ai vraiment kiffé, que ce soit la musique, que ce soit les scènes d'action, que ce soit le méchant, que ce soit le truc, parce que quand tu prends. Alors, je sais pas si c'est parce que je l'ai kiffé par rapport aux autres films, tu vois, mais je trouve qu'il est épique, il est dantesque, ouais, il est épique, ouais. Le méchant est dingue, c'est hyper bien joué, les scènes d'action sont incroyables, et c'est encore, même niveau effets spéciaux, hyper bien fait, tu vois. Genre, il y a certains trucs, on va pas se mentir, le combat entre Zod, moi je trouve que entre Zod et Superman, quand ils se battent au niveau des champs, pas loin de Smallville, c'est pas ouf. Enfin, je trouve que c'est pas ouf pour certains plans serrés où on voit bien que c'est de la CGI. C'est pas un film parfait non plus, hein. J'ai quand même des trucs à dire dessus, hein. C'est pas non plus, voilà. Pas parfait. Mais il est quand même, c'est une claque quand même, le film. Enfin, genre, t'en ressors pas indemne, ouais, en fait. Ouais, quand même. Voilà. C'était mon avis. Je parle plus. non, mais je suis d'accord avec ce que t'as dit, hein, perso. Mais je pense qu'il y a plein de gens comme moi qui s'attendaient à un Marvel, en fait. Et je pense que c'est pour ça que les gens n'ont pas aimé Man of Steel, ou en tout cas, les premiers retours. Et après, je crois que les gens n'aiment pas Zack Snyder aussi, pour plein d'autres raisons. Je sais pas. Pas sûr. Ouais, je sais pas si c'est vraiment ça. Tu vois, même quand tu dis les gens s'attendaient à Marvel, peut-être certains, tu vois, je vais pas dire c'est une généralité, mais je sais pas si c'est vraiment ça. Je pense que c'est plus dû à une certaine approche du film, en c'est fait. Ça. Je pense que comment Man of Steel il est présenté, ça peut... Parce que par exemple, alors ça c'est un problème qu'on reproche souvent au Superman Henry Cavill, hein, mais autant il est charismatique, il est lumineux, il y a des plans magnifiques. Hein.
encore une fois, moi, le plan dans Man of Steel où il se présente devant les militaires, là. Ah, ouais. Parce que, ce moment-là, avec le soleil derrière, je suis, oh là là. À ce moment-là, j'adore. Mais en même temps, soit autant il y a des plans comme ça, autant le personnage, j'ai l'impression qu'on le connaît pas. Ah voilà, parce que là, tu dis charismatique, ouais. Mais c'est une question de présence physique. Voilà, on sait très peu de choses sur lui. Tu vois, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il veut déjà vraiment. Tu vois, c'est encore une fois une question que je me pose toujours. Ces six autres s'étaient pas présentés, qu'est-ce qu'il aurait fait? Rien. Ah, bah, ça, c'est une question que je me pose. Il y aurait même pas eu en plus Lex Luthor par exemple à ce moment-là, quoi. Donc ouais, non, mais c'est, tu vois, on sait pas, parce qu'en fait il est tellement, c'est tellement un Superman. Snyder a tellement voulu nous dire qu'il est en quête de lui-même, tout ça, qu'au final il en a fait un personnage qui sait pas, qui sait rien, qui est complètement indécis. Et il est tellement indécis qu'au final tu le connais pas, tu sais pas ce qu'il veut, tu sais pas ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il aime dans la vie, pourquoi, bien sûr, qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qu'il aime pas. Tu sais pas grand chose sur lui, à part ce qu'on savait déjà avant le film, l'origin story. Il se sent seul parce qu'il est alien. On le savait, ça, déjà, on n'avait pas besoin de Man of Steel en soi. Donc, et moi, pour moi, c'est ça qui fait que les gens n'ont pas accroché vraiment. C'est que tu dis les films Marvel, mais c'est même pas une question de films Marvel. Dans les films Marvel, ce que les gens aiment bien, je pense, c'est la fidélisation aux personnages, justement. On les connaît. On apprend à connaître les personnages. Après, on pense ce qu'on veut, mais on les connaît. Là, bien Superman, c'est, tu sais pas qui il est. Voilà, c'est mais à côté de ça, physiquement, ah oui, il est impeccable. Ah oui, et il y a vraiment des plans magnifiques, ça, il n'y a rien à dire. Mais il y a un côté, il y a un truc où il manque un peu de... que Superman, c'est quand même le super-héros le plus iconique de tous les temps. Quoi. Mais tu connais le personnage par cœur. Là, on réécrit le personnage, mais il manque le truc le plus important, c'est l'héroïsme. De... Mais le truc, c'était... Ouais, vas-y, continue, excuse-moi. Ouais, vas-y. Le truc, c'est pas de faire comme Spider-Man, tu sais, en mode genre, bah écoutez les gars, Spider-Man, on le connaît par cœur. Maintenant, bah je prends par exemple celui de Tom Holland, on aime, on n'aime pas, mais ils se sont pas fait chier à réécrire l'histoire. En fait, ils ont juste skippé toute la partie qui faisait chier parce qu'on l'a déjà vu avec Amazing Spider-Man et on l'a déjà vu avec les Spider-Man de Sam Raimi. Exactement. Ils ont fait ça avec Superman. Au final. Bah tu vas pas, après avec Spider-Man c'est différent. Bon, si tu vas pas voir trois fois la même origin story en moins de 20 ans, quoi. C'est ça. Ouais, mais là Superman au final c'est pas la même origin. Superman c'est la même origin story. Mais avec des trucs, enfin des moments où Zack Snyder veut montrer un peu plus le côté SF de Krypton, parce que Krypton à l'époque, on savait rien de Krypton quand on voyait les films, c'était genre leur monde de glace bizarre avec leurs cristaux, et puis voilà, c'est la fin du monde, la planète explose. D'accord. Le paradis. C'est ça, ouais, mais super, on peut voir plus que ça. Quoi. Après, l'origine de Superman, tout le monde la connaît, beaucoup de gens ont vu. Smallville, donc il a voulu nous montrer quelque chose en dehors de Smallville, je suis d'accord, mais ton personnage a pas l'air de prendre beaucoup d'expérience par rapport à son voyage hors de Smallville, en fait, c'est ça le truc. Ouais, en fait, et après tu te retrouves avec un Superman, je sais pas, qui a l'air froid, qui sait pas ce qu'il fait, c'est là où je pense que les gens ont un problème avec le fait que genre, ce Superman là, il est pas aussi héroïque que le Superman de base, en fait. La destruction à la fin, c'est bien sur le papier, mais tu veux qu'il sauve quelques passants, quoi. Il est focus sur Zod, tu dis non, mais regarde la destruction que tu fais autour. Sauve, ouais, mais justement, c'est là où c'est bien mis en contexte dans Batman vs Superman au début, tu vois. Ouais, tu mets vraiment à l'échelle des mecs en mode. Je suis d'accord. Parce qu'à l'époque, j'avais pas de problème avec la destruction, parce que je me disais que dans BVS, ça allait rebondir là-dessus, parce que bon. T'es un terrien, tu vois un alien débarquer de nulle part, au bout de deux jours il rase la moitié de Métropolis, tu dis oui, bon, c'est pas tout le monde qui va être fan du mec, quoi. Logiquement, il va y avoir des débats, il va y avoir des discussions, ceux qui l'aiment ou ceux qui l'aiment pas, ça, j'étais pas prêt pour ça, mais je pensais que Superman allait prendre la parole et dire que oui, bon, bah, j'aurais pu faire on va pas se déborder sur BVS, mais c'est juste qu'il manque quelque chose dans Superman pour moi, en fait. Il manque le côté héroïque où le personnage sauve des gens, c'est ça que je voulais voir dans BVS aussi pendant cette destruction finale. Je vous coupe juste une seconde parce que j'ai vu quelqu'un m'a fait un don tout à l'heure. Merci beaucoup, hein, Romain, un habitué des Nakama, très présent dans les questions aussi et sur Tipeee, qui a dit c'est vrai, non, je me trompe pas, les gars, Romain, bien habitué, hein. Ouais, exactement. Ouais, ouais, voilà.
qui a posé une question tout à l'heure. J'ai vu ta question, j'ai même fait une photo de ta question. Je la poserai tout à l'heure parce que tu parlais de BVS et comme là on était sur Man of Steel, je la poserai après, mais ouais, voilà. Alors, je vais poser sa question parce que pour le coup, je pense que ça peut rejoindre pas mal de choses. Je pose la question qui énerve. Ça commence bien. Est-ce que BVS c'est Man of Steel 2 et que le DCU a toujours été qu'une trilogie avec Justice League? Non, avec JLA. C'est quoi JLA? Justice League. Pardon, Justice League. Je suis con. Et des spin-offs. Cool de voir les Nakama. Je sais pas si vous avez compris la question, mais ouais. Moi j'ai compris. Est-ce que BVS c'est Man of Steel 2 déjà, quoi? Voilà. Ah oui. Bah, dans la tête de Zack Snyder, ça l'était, oui. Ouais. En fait, il y a jamais eu de Man of Steel 2 de prévu, en fait. Ouais. Il voulait faire une saga en 5 films, et voilà. Ouais, c'est comme Justice League, c'est presque un Man of Steel 3, un peu. C'est plus un Avenger. Il voyait ça un peu comme ça. Il voyait une saga en 5 films. 3 ou 4 films, ouais. Man of Steel 3. Bah, si BVS en soi, c'est un Man of Steel 2. Parce que BVS, techniquement, c'est un espèce de spin-off avec Batman, mais c'est censé être la suite de Man of Steel. Et Justice League, c'est aussi la suite de Man of Steel. Ouais, bah, c'est comme ça que lui, il voyait les choses. Hein. Il n'y a jamais eu de Man of Steel 2 de prévu. Hein. C'était pas ça le plan initial. Hein. Je pense pas qu'il voulait étendre son univers plus que ça, en fait. Hein, tu vois, il avait sa vision en 4 ou 5 films. Alors là, une news qui est tombée, comme quoi, en fait, il y aurait eu 6 films. Enfin, voilà, ça change tous les 4 matins. Lui, je pense qu'il avait une vision qui était limitée à 4 ou 5 films, une mini-saga en réalité, ce qu'on appelle le Snyderverse aujourd'hui, qu'il faut séparer du reste, qu'il faut séparer de Wonder Woman, de Wonder Woman 84, d'Aquaman. Et en fait, Snyder, il voulait pas, je pense pas que lui voulait s'étendre plus que ça. Il voulait faire son truc, proposer son histoire. Et c'est pour ça que du coup, ben, c'est rentré en conflit avec la vision de la Warner Bros. Qui, eux, voulaient faire du MCU avec les persos d'ici. Et du coup, ça a explosé à Justice League. Justice League, ça a été le point de mon retour. Et en fait, voilà, c'est ça. Il y a deux visions qui sont parties complètement dans des sens opposés, quoi. Bref, retournons sur Man of Steel. Tu veux dire quelque chose sur Man of Steel ou pas? Ouais, Man of Steel. Alors moi, j'ai exactement le même parcours que toi sur le film. C'est-à-dire que la première fois que je suis allé voir au cinéma en 2013, je suis ressorti, j'étais complètement paumé et j'ai pas aimé ce film. J'ai pas aimé parce que moi, je suis un fan de Superman Returns pour la représentation de Superman, du Superman de Donner, voilà, le Superman souriant et bienveillant. Et là, j'ai pas eu ça. Et comme disait Prince, eh ben, on a un film Superman où tu le vois pas faire du Superman, c'est-à-dire que tu le vois pas empêcher un barrage d'exploser ou voilà, soulever des trucs pour empêcher des gens de se faire écraser. Tu le vois pas suffisamment faire son boulot de Superman. C'est du fight pendant les trois quarts du film. Et moi, j'ai eu un peu de problème avec ça. Et en fait, j'ai mis 4 ans à essayer d'oublier ce film, à passer à autre chose. Et puis, je l'ai revu. Et là, ça a été la claque, mais dans le sens inverse. C'est-à-dire que là, j'ai adoré Man of Steel parce que j'ai enfin accepté la vision de Snyder, tu vois. Et sur Man of Steel, si je prends la première demi-heure du film, c'est un truc de malade. La première demi-heure du film, je le dis aux gens du chat pour qui ça ferait longtemps qu'ils n'ont pas vu le film, regardez juste la première demi-heure, donc toute la partie sur Krypton. Partie Krypton. Ouais, elle est dinguissime, cette première demi-heure. Elle est folle d'intensité. Et en fait, c'est un mini-film à elle toute seule. C'est-à-dire qu'en fait, tu peux couper à la destruction de Krypton parce qu'il se passe absolument tout. Tu as la trahison de Zod vis-à-vis de Jor-El qu'on imaginait comme étant très proche. Donc, il y a quand même un rapport un peu à l'amitié qui vole en éclats. T'as la destruction d'une planète, la fin d'une civilisation, la naissance d'un héros, la naissance d'un super vilain, l'adieu déchirant d'une mère à son bébé, que je trouve d'autant plus déchirant maintenant que je suis papa depuis 5 mois, et quand tu vois la naissance de ton gamin et que tu regardes le film après, tu prends une double gifle en fait, tu vois, enfin c'est encore plus intense, quoi. Et enfin voilà, il se passe tout ça dans cette film, le tout rythmé par la musique de Hans Zimmer qui est un sans faute. Et non, la première demi-heure du film, elle est dingue et tu prends une gifle. Et je me suis demandé, tu vois, enfin, quand je l'ai revu la deuxième fois en Blu-ray, quoi, je me suis dit, mais comment j'ai fait pour passer à côté de ça au cinéma? Comment j'ai fait? Parce que c'est incroyable ce qui se passe. On est d'accord. La musique sublime tout, hein, déjà. La musique, en fait, c'est une musique, c'est une OST à l'ancienne où tu as un thème pour Zod, un thème pour Lois, un thème pour Clark, un thème pour Superman, un thème pour Krypton. Il y a un thème pour Krypton, un thème pour la mère de Kal-El aussi, hein, Lara. Enfin, c'est d'ailleurs une OST qui mélange plein de trucs, tu vois. T'as un côté un peu science-fiction qui rappelle d'ailleurs ce qu'il a fait sur Interstellar avec le thème de Krypton. T'as des chœurs féminins très éthérés pour le thème de la mère de Kal-El. T'as le thème à la guitare électrique pour quand Superman s'envole. Enfin voilà, c'est vraiment une OST qui mélange plein d'ambiances et c'est en cela qu'elle est complètement dingue. Elle a l'image du film en réalité. Mais toi, Antoine?
Sur la musique, je suis complètement d'accord. Moi, l'OST d'un film de super-héros qui plus est, pour moi, comme j'ai toujours dit, c'est 50% du résultat final. C'est-à-dire que dans l'ambiance, il faut qu'il y ait une musique qui te transporte. Et il faut que le héros il ait son identité qui soit dévoilée dès les premières notes du film, pour moi. Et le thème de Superman dans Man of Steel, pour moi, est un des meilleurs thèmes produits dans les films de cette catégorie. Ouais. Je ose à très très bien détailler tout ça. Enfin, c'est vraiment vraiment puissant, vraiment impactant et héroïque. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a des variations vraiment tout au long du film sur ce thème. La scène de l'envol, il y a un thème un peu qui touche les étoiles, quoi, quelque ouais, part. Ouais, bien sûr. Et le vrai thème est dévoilé à la toute fin du film quand Clark arrive au Daily Planet. Et finalement, c'est presque que le générique, le vrai thème du film. Et c'est ça qui est fort, c'est que le héros est vraiment présenté tel qu'il est à la toute fin, quoi. Et je trouve ça très réussi. Pour rebondir sur ce qu'ont dit mes camarades, l'aspect héroïque de Superman, j'entends complètement ses arguments. C'est vrai que c'est pas le film dans lequel on le voit le plus faire son travail quelque part, ou se représenter en tout cas ce qu'il a à faire. Par contre, je trouve malgré tout qu'il y a, pour l'avoir revu récemment, il y a quelques petits passages qui, moi, me font vraiment rappeler ce côté très proche des hommes qu'on peut avoir, notamment lorsqu'il sauve quelques militaires à Smallville, notamment un qui tombe d'un hélicoptère et qui le rattrape in extremis, justement, et qui lui pose la question « Are you okay ?» façon Superman, quoi, en mode « ça va bien se passer, quoi, malgré tout ». On sent la petite patte presque optimiste du personnage derrière tout ça. Et puis toute la scène où il est chez les militaires, j'adore. Ouais. Pour moi, ouais, ce que tu disais, Anto, le fait de nous présenter Clark Kent à la toute fin du film, j'ai trouvé ça très intelligent aussi, parce qu'en fait, ça fait le contre-pied de ce qu'on a déjà vu avant, où t'as Kal-El qui devient Clark Kent, qui devient Superman. Et en fait, là, la chute du film, c'est qu'en fait, Superman est devenu Clark Kent, en fait, tu vois. C'est-à-dire qu'il a adopté son identité secrète et tout. Et ça, je trouvais ça vachement, vachement malin, en fait. Ça permet de faire un petit peu de nouveau avec du vieux, quoi. Je suis d'accord avec ça. J'avais beaucoup de parti pris de faire dans ce sens-là, parce qu'on est tous coutumiers du fait que Clark Kent devient Superman, et puis on connaît le truc par cœur, on l'a vu sur toutes les plateformes possibles, et il a choisi le parti pris de faire autrement, et j'ai beaucoup apprécié. Surtout pas lancer le côté identité secrète avec Lois, là, c'est bon. Ça évite de faire C'était interminable dans la saga de Donner, cette relation, et là, justement... Voilà, il n'y a pas de relation dans la saga de Donner. le truc, c'est que, en fait, c'est la différence avec le Superman de Donner, c'est que ce Superman-là, il était censé avoir une évolution, en fait. Là où on lui a pas laissé évoluer. Le Superman de Donner, il n'a pas d'évolution. C'est des films un peu à la Indiana Jones, quoi. C'est qu'il lui balance une aventure, voilà, il arrive, tintin, avec le drapeau américain, et puis c'est fini, puis fin du film, il a gagné, quoi. J'ai une question. Film 2, évolution, sinon il n'y a pas de ça. Est-ce que Superman, c'est pas une licence qui en fait plaît plus aux gens, dans le sens où, enfin, aux puristes, oui, mais pas au grand public, dans le sens où j'ai l'impression que Superman Return, dans mes souvenirs, ça n'a pas marché. Dans mes souvenirs, c'est ça a marché, mais pas autant qu'ils avaient espéré, quoi. Ouais. Pas acclamé par la critique, on va dire, techniquement. Ouais, c'est ça. J'ai l'impression que Man of Steel a un peu cabotiné dès le début, même si ça a été un succès. Voilà, ça n'a pas été spécialement un succès non plus critique. Après, ça a été dès le début un peu compliqué. Est-ce que c'est pas un héros qui en fait était très bien dans les années 50, 60, 70, 80, mais qui en fait maintenant correspond plus au monde actuel et par rapport à ce qu'on veut voir d'un super héros, quoi? Ah là, je suis pas d'accord du tout. Est-ce qu'il est pas trop un peu boy scout? Tu vois, comme les gens, quand ils ont du mal à Captain America, parce que Captain America et Superman, qu'on le veuille ou non, ils ont un peu... Je dis pas que c'est les mêmes personnages du tout, mais c'est un peu le profil du boy scout américain, quoi, en fait. Est-ce que les gens ont du mal avec Captain America? Les gens ont du mal avec Captain America, quoi. Non, je suis pas d'accord avec ça. Oui, mais parce qu'il vient d'être intégré. Il vient d'être intégré techniquement par rapport au MCU. Et avant ça, il n'avait pas vraiment été intégré. Mais Superman, il est intégré depuis très longtemps, quoi. Oui, mais avant le MCU, Captain America, j'en avais strictement rien à carrer. Ça, je peux le dire. Voilà, c'est avec les films du MCU que je me dis, ah ouais, c'est vrai qu'il est pas mal, il est cool. Donc, pour moi, la paire, c'est qu'ils ont quand même réussi à faire d'un personnage qui s'appelle Captain America, Captain fucking America, un personnage intéressant pour le monde entier, quoi. Un personnage derrière lequel tu peux te rallier et qui, justement, défend pas les idéaux américains sur le papier, quoi. Enfin, d'une certaine façon, mais autrement.
Le problème, c'est que ceux qui sont en charge de Superman ces derniers temps, ils n'arrivent pas à comprendre le personnage et l'exploiter comme il devrait l'être. Parce que il y a tellement de choses à dire avec ce personnage, et pourtant, on n'a jamais gratté la surface, en fait. On n'a jamais gratté la surface du potentiel de ce personnage. Pourtant, Man of Steel est celui qui a peut-être le plus gratté, non ? Je suis même pas certain de ça. Sensiblement, mais... C'est... Moi, je trouve qu'en fait, c'est... on passe trop de temps à nous expliquer que c'est un alien rejeté. Il se sent seul, c'est le néo-Christ. Bon, ok, on a compris, tu vois, mais... C'est, au bout d'un moment, c'est, est-ce que c'est vraiment ça qui peut permettre au grand public, aux non-initiés, de s'identifier au personnage et de l'apprécier, tu vois? Bah là, j'ai un doute, tu vois. Parce que c'est, quand les gens, parce qu'en fait, le plus gros truc qui est reproché à Superman, c'est on peut pas s'identifier à lui. Bah, ouais. Le truc, c'est qu'en soi. Bah, c'est un dieu, quoi. Mais le truc, c'est que quand tu regardes les films, bah, tu te dis, bah, c'est vrai que le personnage, ils passent leur temps à dire c'est Néo-Christ et c'est le sauveur et il se sent seul. Non, mais Nostil, on dit carrément il n'a pas d'amis pendant son enfance. Rien. Est-ce que les gens peuvent vraiment s'identifier à ça? Il est là le problème c'est déjà. Ça, c'est parce que dans les films, on dit ouais, voilà, c'est un outcast. Nanana. Alors que sur le papier, Superman, c'est celui auquel n'importe qui peut s'identifier. Le mec, il a une famille, il a des parents, il a un job, il a une copine, contrairement à les trois quarts des super-héros. Tu et il travaille pour avoir son salaire, même s'il n'en a pas 11 ans, mais il travaille pour avoir son salaire. Alors que... Il n'a pas besoin, si, mais d'une certaine façon. Il pourrait très bien vivre sans ça. Alors que d'autres, tu prends Tony Stark, je ne m'identifie pas tellement à Tony Stark, je l'aime bien, mais je ne suis pas milliardaire, je ne suis pas un playboy, je ne suis pas un génie, je ne m'identifie pas à Batman parce que je ne suis pas un milliardaire, je ne suis pas orphelin. Spider-Man, excuse-moi, j'ai eu mes parents, je ne suis pas orphelin non plus, je n'ai pas trop galéré à avoir des amis au lycée. Alors que Superman, je ne sais pas, il y a un truc qui fait que tu peux te retrouver derrière ce personnage, quoi. Je crois que c'est clairement presque le seul personnage qui peut avoir un repas de famille tranquille. Non, mais sérieusement, en tant que super-héros, tu peux rentrer chez lui. Petit repas de Noël, et puis il y a toute sa famille qui est là. Alors que le mec, c'est un alien. Hein. Le contrat, il est là, mais c'est le plus humain des super-héros, au final. Mais tu te dis qu'on n'a jamais eu ça au cinéma. Bah non. Il est limite plus humain que les personnages humains au final, quoi. Bah, il est plus surtout le paradoxe de Snyder, en fait, parce que Snyder il a voulu l'humaniser en quelque sorte plus que ce qu'on avait vu avant, en lui créant des problèmes, voilà, d'identification, tout ça. Mais de l'autre côté, en fait, il lui a enlevé tout ce qui est propre à l'être humain, c'est-à-dire, comme disait Prince NCK, sa famille, ses amis, enfin voilà, le mec il évolue, il n'y a personne autour de lui. Donc en fait, il a voulu l'humaniser, mais de l'autre côté, en fait, il enlève tout ce qui est bon dans une vie. Donc c'est vrai que c'est compliqué de ce fait de s'identifier à lui, quoi. Attends, je vais partager un message, excuse-moi, je ne l'ai pas trop compris, mais du coup, vous pouvez peut-être comprendre. Bah oui, les Américains n'arrivent plus à faire, et la Warner, vous... Voilà, je n'ai pas compris, mais ok. Mais peut-être que vous avez compris. Ils veulent, c'est le tuer, et donc ils flopent, et on s'entend là, ils font All Might, et ça marche. Ouais, d'accord. Un petit commentaire sur My Hero Academia. Excuse-moi, d'accord, on était parti sur My Hero Academia, excuse-moi. D'accord, je comprends ce qu'il veut dire, je comprends ce qu'il veut dire. C'est ce qu'on a déjà dit. Merci Romain, encore une fois. C'est que les Américains ont plus de mal à comprendre Superman, alors que le reste du monde y arrive un peu mieux, apparemment. Parce que c'est ce qu'on disait dans My Hero Academia, il y a le personnage d'All Might qui représente un peu un mix entre Superman et Captain America, et c'est le boy scout par excellence, mais dans le manga et dans la représentation du truc, absolument tout le monde l'adore, parce que c'est le super-héros avec le sourire. Il y a un sens derrière le sourire, quoi. Ouais, parce que ça, c'est pareil, c'est quelque chose qui a été assez caricaturé avec Superman, c'est le côté parce qu'en fait, il y a des gens, je me rappelle, à l'époque de Man of Steel et de BVS, qu'on reprochait à Superman, pourquoi il sourit jamais? Alors en soi, il y a des gens qui disaient, mais quel commentaire débile. Et en soi, si tu le prends comme ça, oui, c'est débile. Mais en même temps, je comprends ce que les gens veulent dire par là, tu vois. Et justement, en fait, dans My Hero Academia avec All Might, il y a ce truc-là, il est traité. Ouais. C'est qu'All Might, en fait, bon, qui s'inspire clairement de Superman, hein, où l'auteur, en fait dire au personnage, quand je souris, c'est pour cacher ma peur. Et c'est pour inspirer l'optimisme, justement, dans le cœur de ceux que je protège. Ouais. Pour dire, c'est bon, tout va bien. Quoi. D'ailleurs, quand il arrive, à chaque fois, il dit, tout va bien aller. Pourquoi? Parce que je suis là. Ouais. Donc, c'est ça qui se cache, en fait, derrière un sourire. Et c'est vrai que quand tu prends le truc dans ce sens-là,
là, ça prend tout son sens. Bah, c'est le meilleur message autour de l'optimisme. Ouais, bah, moi, mais, je crois que oui, ça, quitte à voir Superman venir me secourir de je ne sais quoi, je préfère qu'il ait le sourire plutôt qu'il ait une tête dépressive. Hein. Je te cache pas que ça me... Ah oui. Surtout que c'est le principe de base du personnage, c'est-à-dire qu'il n'a pas de masque, parce que justement, le but, c'est que voilà, qu'il inspire la confiance aux gens, donc à visage découvert. Alors, s'il fait une gueule d'enterrement, ouais, c'est vrai que c'est compliqué. Quoi. Et qu'il parle à personne. Le souci, c'est que Man of Steel, je pense qu'il est arrivé à un moment où DC se posait quand même beaucoup de questions sur Superman et n'avait plus confiance en lui. Et ça s'est ressenti dans les comics à la même époque, hein, quand ils ont commencé à arriver avec leur, voilà, les bullshit New 52, etc. Où la culotte rouge était soudainement plus d'actualité, où le costume était beaucoup trop clair, beaucoup trop propre, beaucoup trop lisse pour l'époque, a priori, dans laquelle on était. Alors qu'en fait, les gens, pour moi, se fourvoient dans la mesure où Superman n'a jamais été aussi pertinent qu'en 2020, quoi. C'est vraiment je pense qu'on est d'accord, hein, tous les cinq là-dessus, mais. C'est exactement ce qu'il faut maintenant. Le monde est super pessimiste, il faut un personnage optimiste, je sais pas. Ouais. C'est vrai que pour le coup, il est plus optimiste que Captain America, pour le coup, en plus. Quoi. Captain America, le problème, c'est que Prince en parlait, mais c'est vrai que c'est écrit sur son... Enfin, c'est écrit sur lui que, voilà, déjà, il y a un petit truc supplémentaire, en tout cas visuellement, qui fait que ça peut rebuter, et je peux comprendre. Mais Superman, il devrait avoir ce côté international, intergalactique, dans les comics. Universel. Il l'a techniquement, quoi. Alors que... Il l'a techniquement, mais dans les faits, quand tu regardes, quand tu vois ce que Warner en fait, et quand tu vois, enfin, moi je pense qu'ils sont en partie, de toute façon, ils sont responsables de Man of Steel dans la mesure où, ayant choisi Zack Snyder, ils savaient très bien ce qu'ils voulaient avoir derrière. Moi j'aime beaucoup le film, mais j'adore le film, j'ai déjà dit, mais c'est vrai que c'est une version particulière du personnage et tous les arguments que vous avez énoncés, je peux pas aller contre parce que il n'y a pas cette humanité qu'on a dans le personnage d'origine. Il y a un côté un peu balbutiant dans la manière dont il est représenté. Tout ça, on l'a, je pense, très bien dit. Et je pense qu'il voulait tout simplement, voilà, essayer de tenter autre chose avec, mais je trouve, dans les comics, en dénaturant le personnage et puis dans les films, en se privant peut-être d'une partie de son héritage qui est charnel, qui est essentiel pour lui. Je pense que c'est un personnage en fait qui demande une certaine philosophie en fait. Contrairement à beaucoup de super-héros, il y a beaucoup de super-héros, c'est tu peux les aborder un peu comme n'importe quel personnage. Enfin, oui et non, parce qu'après ils ont chacun leur personnalité propre et tout ça, hein, donc réglou. Mais je pense que Superman c'est un personnage qui demande vraiment à ce que tu comprennes la philosophie qu'il y a derrière en fait, parce que c'est vraiment ça, c'est philosophique. Tu vois. Et je pense que quand tu t'écartes de cette philosophie, ça se barre en couille. Moi, j'ai pas encore vu la série, mais du coup, j'espère que c'est pas un énorme spoil. Mais apparemment, c'est différent dans Lois et Clark, c'est ça ? Enfin, dans Superman et Lois, déjà. Je crois qu'il parle de Lois et Clark, la série des années 90. Ah non, Superman et Lois. Superman et Lois. Mais Superman et Lois, oui, bah, par exemple, Superman et Lois, oui, ils vont plus dans la direction justement que je disais tout à l'heure. Quoi. C'est enfin même Oz, que Oz disait tout à l'heure, tout ce qui est bon dans l'humanité, justement, tout ce qui est bon dans la vie d'un être humain, c'est-à-dire tu vois le personnage vraiment, il a sa vie de famille. Alors ouais. À côté de ça, il y a des problèmes, hein. Tout est pas voilà, mais bon. C'est déjà je trouve que ils vont dans une direction qui est plus proche de ce qu'on dit depuis tout à l'heure avec Superman, quoi. Bon, malheureusement, ça se limite à quelque chose de très série télé, et du coup, bon, dommage. J'ai envie de lancer une pierre dans la mare, mais c'est juste pour faire du débat là-dessus. Mais est-ce que la volonté de Warner de faire un DC Extended Universe, un World of DC, ce que vous voulez, enfin, de faire Man of Steel de base, c'était pour contrecarrer ce que faisait Marvel, ou ça venait d'une vraie intention créative qui date de plusieurs années auparavant, avant même peut-être le procédé ou ce genre de truc de Marvel ou pas? Enfin, d'où ça vient ce Man of Steel ? Est-ce que c'est vraiment pour contrecarrer Avengers, ce genre de choses, Marvel ? Ou est-ce qu'il y avait vraiment une envie, quoi, de base ? Un peu des deux, je pense. Ouais. Parce que tu vois que Snyder, il a quand même sa vision du truc, et je pense que lui, voilà, il avait son délire artistique de représenter, comme Nolan l'avait fait avec Batman, il voulait faire son Superman à lui, il voulait s'approprier le personnage pour nous faire son film. Donc je pense que d'un côté, il y avait une volonté artistique, mais de l'autre, voilà, Warner Bros. A mis les billets dedans. Pourquoi ? Ben parce qu'effectivement, il fallait concurrencer Marvel, quoi. Donc je pense qu'il y a un peu des deux. Et autre chose, il fallait aussi surfer sur la vague Nolan. Ouais, aussi, ouais.
C'était juste après The Dark Knight Rises. D'ailleurs, je pense que c'est ça qui a aussi un peu. Il était producteur en plus. Carrément influencé. Ouais, il était producteur. Il était producteur, je crois, sur le Man of Steel, donc vraiment producteur pour le coup, donc vraiment des décisions créatives pour le coup, pas seulement donner du fric. Et je crois que par contre, il est passé producteur exécutif, donc il donne juste de l'argent sur BVS. Et Justice League aussi. Et Justice League aussi, ouais. Mais il était producteur. Et je me rappelle que quand on regardait le trailer à l'époque, bon, Zack Snyder, on savait tout ce qui c'était par rapport à 300 ou par rapport à l'Armée des Morts ou Land of the Dead, je sais plus, un des deux. Mais on savait potentiellement qui c'était, mais c'était encore, il n'était pas encore mondialement connu, quoi. C'était pas encore comme maintenant, quoi. Et surtout, ce qui était mis en avant, si je me souviens bien, c'est que dans le trailer, on met en avant quand même Christopher Nolan en mode par le producteur The Dark Knight, Christopher Nolan et Zack Snyder. Ils ont clairement voulu surfer là-dessus, de toute façon, avec Man of Steel. De toute façon, même le côté plus réaliste là, de Superman et tout, clairement, ça vient de là. De toute façon, Christopher Nolan était là pour l'élaboration du script. Hein. Donc, voilà. En soi... Ok, vous avez un dernier truc à dire sur Man of Steel, un truc à changer hein. Vas-y, Oz. En fait, pour moi, Zod, c'est le dernier vrai méchant que j'ai pu voir, en tout cas, dans un film de super-héros. Parce qu'on a un vrai acteur, pour le coup, sans artifice, si ce n'est son armure qui a été rajoutée en CGI. Mais si tu veux, tu as un vrai méchant sans masque, sans maquillage, sans prothèse, sans CGI sur le visage. Et de ce fait, tu as les émotions qui passent beaucoup mieux. Et quand c'est bien joué, comme c'est le cas pour Michael Shannon, eh ben, ce méchant arrive à te faire ressentir vraiment tout le dramatique de certaines situations, la violence d'autres. Enfin, et pour le coup, tu as de réels enjeux qui se dessinent parce que tu as un vrai méchant pour les emmener, en fait. Et Michael Shannon est incroyable. Je sais pas, mais j'ai envie de te dire que Zod, c'est peut-être mon personnage préféré dans le film. J'adore Superman, je suis un grand fan de Superman. Mais Zod, il est tellement bien joué par Michael Shannon qu'il donne toutes ses lettres de noblesse au super vilain dans un film de super-héros. Tu veux dire, c'est très important. Un super sorti depuis? Ouais, par rapport, j'ai pas souvenir. Par rapport à Thanos, par exemple, c'est ça, là, dans le côté Marvel, d'ici. De tout le monde, en fait, parce que c'est soit on a des super vilains qui sont peut-être charismatiques, mais pour le coup, ils sont faits en CGI, enfin, ils sont faits en numérique, et du coup, j'y crois pas. Et c'est d'ailleurs ce qui va me poser problème sur le Justice League quand on va en parler après. Mais là, on a un vrai acteur, et ça, c'est rare, enfin, c'est devenu rare, j'ai l'impression d'avoir des super vilains des vrais acteurs, quoi. Ouais. Sans rajout de maquillage, de machin, quoi. Bah, faut dire aussi que la plupart des super vilains de comics, ils ont des pouvoirs. Ça. Ils ont des physiques génétiques modifiées ou par le, tu vois. C'est ça aussi. Hein. Après Zod, je suis d'accord avec toi pour dire que, pour moi, c'est le meilleur vilain des films DC. Ouais. Enfin du DCU. C'était à la limite, le seul petit bémol que je lui apporterais, peut-être, c'est que comme tu dis, il a des réactions honnêtes et tout ça, mais à côté de ça, comme on touche au truc du comment dire, ils sont prédestinés à être ce qu'ils sont sur Krypton et tout ça. Ouais. Des fois, il peut avoir un côté un peu automatique, un peu robotique. Ouais, mais c'était volontaire. Hein. Ouais. C'était volontaire. C'est pas un défaut. Hein, c'était volontaire. Mais du coup, c'est vrai qu'au niveau de ses émotions et tout, du coup, des fois, il est un peu froid, quoi. Je réagis comme ça parce que je suis fait pour ça, pour ça, pour ça. Mais bon, ça reste un très bon militaire. C'est un militaire, donc il a ce côté très, comme tu dis, très froid, très calculateur, très dans l'organisation. Ouais. Très rigide, très strict. Ouais. Mais du coup, si vous me permettez, peut-être pour revenir aussi sur le... On parlait de Zod, de revenir peut-être sur la fin un peu controversée du film, qui a fait couler beaucoup d'encre à l'époque. Alors que bon, personnellement, je trouve que c'est... Il y a ça, et puis le fait aussi que dans le film, moi je trouve dommage que les gens soient arrêtés juste à l'action qu'il exécute et pas à la douleur que ça lui procure juste après. Ah non, il crie en fait, il crie vraiment. Quoi. Bah, douleur. Tu vois qu'il va pas faire ça par plaisir. Quoi. Donc, c'est ça. Un représentant c'est ça de ça. Ah, oui, mais encore une fois, les gars, vous voyez, ça rejoint ce que je disais au début. C'est qu'en fait, les gens ne connaissent pas ce Superman. Donc, du coup, quand ils tuent, ils se disent « Attends, alors comment ça ? Superman, il tue pas ?» Alors, oui, alors en soi... Je me rappelle la surprise que tu as eue à ce moment-là. Oui, mais moi, je ne suis pas d'accord. Dans la salle de cinéma, je dis... À ce moment-là, je dis « Ouais, mais bon, dans cet univers, faut bien. » Non, parce que j'étais d'accord avec le fait. Mais après, tu vois, en réfléchissant au truc, j'ai compris, du coup, ce que Snyder, il a voulu faire. Mais d'un autre côté, je me suis dit « Mais s'il y a plein de gens qui n'ont pas aimé aussi, c'est parce qu'ils ne connaissent pas ton Superman, encore une fois. »
On connaît pas son logiciel philosophique, idéologique, on sait pas ce qu'il veut, ce qu'il aime, c'est quoi, machin. Donc du coup, il tue quelqu'un, tu dis, alors attends, qu'est-ce qui se passe? Et il crie, oui, bon, d'accord, mais... Ouais, mais à la manière de tuer, là, c'est plus de la légitime défense, pas vis-à-vis de lui, mais vis-à-vis des gens qui sont menacés et qui sont à deux doigts de se faire décapiter par la thermovision. Exactement. Donc, en fait, il n'est pas préparé, ce Superman n'est pas préparé quoi, à ça. Je veux dire, il n'a pas encore vraiment pris son rôle de Superman à bras-le-corps. Donc, il n'est pas tout à fait préparé à ça. Il a face à lui un mec qui a les mêmes pouvoirs et qui, en plus de ça, est entraîné et sait se battre, alors que lui, il a eu son enfance dans une ferme. Donc, c'est un peu de la légitime défense. Il n'a pas grand chose d'autre à faire. Et puis, en plus de ça, la kryptonite n'existe pas encore, je crois, dans Man of Steel. En tout cas, lui, il n'en a pas conscience. Donc, tu ne peux rien en faire de Zod. Tu es obligé de l'exécuter. Quoi. C'est la suite ressenti de comme ça, quoi. La kryptonite. La zone fantôme a été utilisée pour les autres, donc il n'a pas le choix. Mmh. Quand il est détruit, il me dit, oui, bah, il n'a pas le choix. Il n'y a pas de moyen de l'enfermer dans une prison de soleil rouge, tu termines là. Quoi. Voilà. Et puis ça en plus, c'est pour défendre les êtres humains, en plus. Oui, c'est ça. C'est pour défendre. Et puis ça peut permettre, justement, à la suite, mais ce qui n'a pas forcément été fait, mais ça aurait pu permettre, ça aurait pu être un ressort pour, dans la suite, lui dire, bah, ça y est, je l'ai fait une fois, je ne le fais plus, c'est terminé. Quoi. Tu vois, ça aurait pu. Là, je te rejoins complètement. Quoi. Parce qu'en fait, c'est ça. C'est... Selon ce que tu dis dans la suite, ça peut prendre un sens de fou. Ça peut être un déclic. Voilà, tu vois ce que je veux dire. Admettons, il y aurait eu un Man of Steel 2 derrière, un vrai Man of Steel 2 du coup. Et tu fous, admettons, un métallo bien badass. Et Superman, admettons, dirait non, je refuse de le tuer. Tu comprends dire, pourquoi alors qu'il pourrait, tu vois, parce qu'il pourrait dire, ouais, bon, de toute façon, maintenant, c'est plus qu'une machine, je le tue, mais en fin de compte, voir quand même qu'il y a l'homme derrière, l'homme qui était métallo derrière, si tu dis que c'est John Corbin, un ancien militaire brave et tout ça, tu peux dire, il y aurait eu un sens, mais après, quand tu vois la suite, ah, ça perd tout son sens, quoi. Tu dis, ouais, bon, ok, d'accord. Donc, en fait, c'est juste Zack Snyder qui kiffe, quoi, en fait. Je pense qu'il est temps d'attaquer le film en question. Allez, on va parler du film en question, juste, si vous aviez, parce que l'avantage d'avoir invité quatre mecs qui sont fans de comics, Romain qui fait encore un don, merci beaucoup, c'est hyper gentil, c'est vraiment trop sympa. Mais parce que c'est trop tôt pour le premier film Zod, le tuer, c'est comme tu rentres dans une piscine, l'eau est froide, bah tu rentres pas et ça a tué le reste trop tôt, trop fort, trop vite. Je vais le mettre en avant, ça sera plus simple, au cas où j'étais pas très clair. Oui, je pense qu'il veut dire que Superman tue, pourquoi pas, mais plus tard dans la saga, c'est ce qu'il veut dire. Non, pour moi, je ne dis pas forcément. Non, pour moi, c'est en fait, c'est juste qu'il faut qu'on connaisse les positions de Superman. C'est ça. Après, c'est aussi, il faut montrer que Superman, oui, dans ce genre de cas, il est prêt à tuer quelqu'un. Il peut tuer quelqu'un malgré le fait qu'il est... Enfin, c'est ça, il faut aborder ce sujet, en fait. C'est le mec est surpuissant. Et tuer quelqu'un, c'est la solution de facilité pour un mec comme ça, donc il va pas le faire à chaque fois. Mais là, dans ce cas-là, oui, il est obligé de le faire parce que le mec est sensiblement plus fort que lui, donc il a pas le choix. Après, à la limite, une question que je vais vous poser, les gars, c'est est-ce que Zod, c'est pas trop tôt? Pas dans la manière dont c'est fait, je trouve. Parce que ça colle bien. Enfin, ça colle bien avec l'origine story de Superman. Du coup, ils ont une évolution tous les deux similaire. Enfin, ils viennent tous les deux de la même planète. Voilà, on a eu l'origine story qui a introduit les deux personnages. Non, je trouve pas que ce soit un... Certes, en termes de puissance, c'est peut-être un petit peu. Mais ils auraient pu mettre qui, de toute façon? Brainiac, un parasite comme ça, tu fais un parasite, comme ça, tu dis qu'il est sorti des laboratoires de la LexCorp ou de Star Labs. Et puis, comme ça introduit Lex Luthor en même temps. Mais après, Parasite, il n'a pas le même rapport à Clark Kent, enfin à Kal-El, pardon, que Zod n'a le rapport à Kal-El. Donc je pense pas que ce soit trop tôt, en fait. Non, mais je suis d'accord. Après, de toute façon, dans les comics, c'est comme ça aussi. Hein. Même dans le. Enfin, après, j'allais dire le film de Donner, mais même Donner, encore, c'est autre chose. Mais même dans les comics, c'est comme ça. En soi, Zod, il est censé être emprisonné dans la zone fantôme et sortir un de ses quatre. Mmh. Donc en soi, dans l'Origin Story, tu peux toujours traiter Zod, bah, un peu comme l'avait fait Donner, en fait, en vrai. Ouais. Il avait introduit Zod dans le premier film, mais au final, tu voyais que dans le deuxième. Ouais. Donc, en soi, ça, c'est faisable. Mais après, est-ce que pour un premier film, utiliser un ennemi aussi puissant, est-ce que c'est une bonne idée? Pour moi, c'était histoire de ne pas faire Reddit tout direct. Ouais, et puis c'était histoire de donner aussi histoire de donner l'action, justement, aussi, qu'avait pêché dans Superman Returns. Aussi, quoi. Parce que c'est vrai que ça... Je pense que c'était ça. Après, aussi. Ça aurait été vraiment une Reddit de Superman Returns si le méchant avait été Lex Luthor, quoi. C'est ça aussi. Ah non, pas Lex Luthor. Une Reddit de tous les films.
C'est compliqué, les méchants de Superman, parce qu'ils viennent tous d'un. Enfin, je veux dire, c'est pas des super criminels, quoi. C'est au-dessus, donc il faut leur inventer leur background, et là, ça aurait fait. Alors que Zod, il partage le background de Kal-El, donc du coup, tu fais d'une pierre deux coups. Parce que si maintenant tu mets Metallo, ça veut dire qu'il faut mettre Lex Luthor derrière, ou enfin, inventer le délire avec Lex Luthor et les laboratoires, tout ça, donc tu as tout un concept à introduire. Pareil pour. Brainiac, c'est compliqué aussi, tu vois. Enfin, Brainiac, c'est compliqué quand même. Ouais. Brainiac, c'est compliqué. La zone fantôme. Donc, non, Brainiac en premier ennemi, mauvaise idée. Mais je suis d'accord avec le fait de mettre Zod dès le premier film. Tu as eu l'Origin Story, tu boucles direct ce concept-là dans ce film-là, en fait. Tout ce qui concerne. Non, c'était plutôt logique de mettre Zod, en fait. Pour moi, ça allait. Après, c'est juste une question d'exécution à la fin, même si, dans tous les cas, le film, je l'ai adoré. Parce que niveau action, putain de merde, pour un film Superman, c'était exceptionnel. On est d'accord. On n'avait jamais vu ça en termes de combat, tout. C'était incroyable. C'était je vous propose qu'on passe maintenant à. J'ai presque envie. Le problème, c'est que ça fait déjà une heure. On avait beaucoup de choses à dire, je pense. On avait beaucoup de choses à dire. Non, mais il y a peut-être des films où on aura moins de choses à dire, genre Shazam. Ouais, je pense. Mais on va le passer en 3 minutes. Mais non, mais en fait, vite fait, est-ce que, vu que c'est pour ça que je vous ai aussi demandé de venir, parce que vous êtes hyper chaud, que ce soit Oz, que ce soit Anto, et même vous deux, les gars, la Ligue des Nakama, si vous avez des lectures à conseiller, des trucs à conseiller par rapport à Man of Steel, ou par rapport juste à Superman, par rapport à, en mode je vous conseille plutôt de lire ça, c'est plutôt cool. Alors moi, c'est par rapport à Man of Steel, parce que je pense que c'est le récit qui a inspiré Zack Snyder, c'est Superman Earth One. Alors ça, c'est bien pour les gens qui sont pas habitués aux comics, parce qu'en fait, ça se résume à deux bouquins. Donc, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de vous ruiner d'acheter une saga sur 15 livres. Vous achetez deux bouquins, vous avez un récit complet avec un début, un milieu, une fin. Et en très gros, c'est le Superman qui a inspiré Zack Snyder. On se retrouve avec un Clark Kent qui est assez humanisé, qui doit, comme disait Prince ou NCK, je ne sais plus, qui doit se trouver un petit appartement à Metropolis. Et puis, il essaie de. C'est marrant parce que tu as une séquence où il essaie de trouver un boulot, en fait, pour gagner un peu d'argent, mais il voit que ça va être compliqué avec les super pouvoirs qu'il a. Donc, voilà, il est vraiment humanisé. Il y a un traitement un peu à la Peter Parker, d'ailleurs, dans les films de Sam Raimi, je trouve. Après, c'est Straczynski, c'est un scénariste qui a bossé sur Spider-Man, c'est peut-être aussi pour ça. Mais voilà, ça, c'est très frais, c'est très moderne. Il y a pas mal de similitudes avec le film Man of Steel, puisque justement, il y a un combat contre Zod. Enfin, voilà, je ne vais pas trop rentrer dans les détails. Mais vraiment, ça, c'est ce que je conseille, parce que ça se lit vite, bien, et c'est, voilà. C'est ce qu'il y a de mieux, je pense, quand tu as bien aimé Man of Steel. Pardon, je trouvais ça drôle. Un truc à conseiller, les Nakama, ou pas? C'était exactement. Je ne vous ai pas demandé, mais vous, les gars, vous avez, parce que juste 2 minutes vite fait, un petit aparté. Vous êtes fan de Superman, enfin en tout cas tous les deux, non? Plus oui. Tous les deux de Superman. Mais de base, vous êtes fan de plus. Et puis après, vous avez maté les films, le contraire, d'abord les films, puis après les comics. Fan de comics avant de regarder les films, quoi. Pareil. Ouais. Disons que moi, Superman, vraiment, j'ai vraiment commencé à aimer le personnage en vrai depuis tout petit avec la série Lois et Clark et avec la série animée de Bruce Timm. Ouais. Ça a commencé comme ça. Après adolescence, j'ai eu Smallville. Et, Après, ça a suivi, quoi. Après les comics et tout. Et donc, Superman, quoi. Ouais. D'accord. Et Oz et Anto, vite fait. Pareil. Moi, film d'abord. Film d'abord, parce que on a beau dire ce qu'on veut, je pense que c'est une porte d'entrée quand même qui est plutôt accessible. Hein. Moi, j'avais la télé, les films passaient souvent. Concernant Superman plus particulièrement, j'ai été un peu biberonné au premier Superman de Donner. Le 2, je l'ai vu bien après, et qui est pas de Donner d'ailleurs, mais le premier vraiment, c'était une des bases pour moi. Et puis comme les Nakama, la série animée que j'ai là d'ailleurs, que j'ai racheté en DVD parce que Superman, et parce que un nid d'épisodes vraiment incroyable, avec plein de méchants magnifiques. Et c'est une série, je trouve, qui est quand même assez oubliée quand on parle de Bruce Timm et Paul Dini. Je trouve qu'il faut rappeler aussi Superman quand même, qui est une série qui a duré très longtemps et qui est tout aussi ambitieuse, je trouve. Et justement, ça rejoint ce qu'on disait aussi tout à l'heure, c'est vraiment une série qui te donne pas mal d'ennemis à utiliser au cinéma en réalité. Ouais. Quitte à les utiliser différemment, à les booster et tout ça. Mais... Il y avait Superman dans Smallville ? J'ai pas de souvenir. C'était les débuts de. Il est dans la saison 10 dans le dernier épisode, quoi. Enfin, voilà. Ouais, c'est ça. Parce que le résident, c'est Clark Kent, quoi. Et toi aussi,
Alors, c'était quoi la question ? Comment est-ce que j'ai découvert Superman, c'est ça ? Non, c'était plutôt par rapport aux comics DC, au final, même Superman. Mais est-ce que c'était plus film de base, puis après comics, ou comics, puis film ? Bah, moi, je suis rentré avec la série Lois et Clark, donc ouais, plutôt l'univers un peu ciné, télé, quoi, qui m'ont amené aux comics. Quoi. Effectivement. Ouais, bah, ils sortent les dos, ça. Non, mais je l'ai dit, je l'avais déjà dit. Ah oui, mais tu l'avais dit, tu l'avais dit. Toujours et puis bah. C'est vrai que t'adores la série, quoi. Super sur la cassette, puis on s'est retrouvé avec Supergirl à la maison. À l'époque, j'aimais bien. C'est pour ça que t'adores la série, bien sûr. Exactement. Je l'ai regardé de bout en bout. Attends, je fais un épisode, quoi. Attends, faut pas déconner, quoi. Ok, bah écoutez, on va passer maintenant à un roulement de tambour. On va parler, on fait entrer les bêtes. Allez-y, faites entrer la cage. On a d'un côté Batman, d'un côté Superman, et au milieu, on a Lex Luthor et Doomsday. Du coup, il y a du monde. on va parler de Batman versus Superman. Et je vais vous donner vite fait mon avis avant de partager le vôtre, parce que je sens que ça va enchaîner très rapidement sur ce film. J'ai pas vu la version cinéma, moi. J'ai vu que la version Blu-ray, enfin la version Director's Cut. Du coup, j'ai pas été influencé par c'est de la merde. En mode genre, ouais, oh putain, il y a Martha à un moment donné, ça a aucun sens et tout. Parce qu'apparemment, c'était simple dans le cinéma en mode genre, il y a Martha, c'est pour ça qu'ils sont potes maintenant, enfin à peu près comme ça. Qu'il y avait d'autres trucs qui allaient pas, qui manquaient carrément une demi-heure de film et que ça avait été charcuté déjà par Warner à ce moment-là. Donc, moi, j'ai vu la version longue. J'ai plutôt bien aimé. Il est clairement, alors, mais parce que moi je suis pas un fan de comics de base, donc j'ai pas les refs comics que vous avez, et je trouvais que c'était différent du Batman de Nolan, et pour le coup c'était un Batman de Nolan, le Batman de Nolan, il est ultra réaliste, là c'est beaucoup moins réaliste, j'avais pas aimé à l'époque Man of Steel, du coup j'avais préféré BBS, mais j'adore le film pendant une heure et demie peut-être. Et je trouve que la fin, c'est n'importe quoi. Vraiment. Je trouve que ça part en couille, mais totalement. Vraiment. Du coup, c'était mon avis. J'aimerais avoir un petit tour de table de spi. Mais allez-y, lâchez-vous. Tu sais quoi ? Lâchez-vous. Allez, c'est le moment. Prince, vas-y, commence. Tara, tu vois. Vas-y, Prince, ça commence. Je sens qu'il veut nous faire parler. Là. Bizarrement, ça me tombe dessus. Tu vois, là, je voulais faire la technique de l'élève au fond de la classe. Là, pour pas que le prof m'interroge. Reboot. Bon, que dire, PVS, je pense, sans mentir, que c'est le film de super-héros qui était le plus attendu de tous les temps, en fait. La confrontation Superman-Batman, la rencontre, parce qu'à la base, la rencontre Superman-Batman, c'était la chose que tout le monde... Commence pas. Je pense que tout le monde attendait depuis, être fan de comics ou même sans être fan de comics, c'est ce qu'on attendait tous. Et j'avais une anticipation, mais incroyable, une hype incroyable pour ce film. Parce que j'avais adoré Man of Steel. Et je m'attendais à que, justement, Snyder prenne tout ce qu'il avait fait dans Man of Steel et qu'il élabore un peu plus ses propos, c'est-à-dire un Superman qui s'impose, qui parle aux humains, qui communique avec eux, et une montée crescendo du conflit avec Batman pour que ce soit rapidement résolu pour ensuite faire équipe, pour qu'au final, on se retrouve avec une vision à laquelle je ne l'accroche pas, et un film qui a été... Pardon, j'ai pas entendu. Charcuté. Ouais, qui a été aussi charcuté par Warner parce que bon, bah voilà, il fallait faire des entrées en salle et nanani, mais bon, à partir de là, enfin, pour moi, c'est le film qui a révélé tout ce que j'aime pas concernant la Warner et concernant la vision de Snyder, en fait. Que Snyder avait une vision pour laquelle je n'ai pas accroché par la suite, et Warner qui a absolument mis son grain de sel dedans, voulant absolument faire. Allez, direct, il y a Avengers de l'autre côté, nous on a Batman et Superman. Ça fait le milliard. Balance tout ce qu'il y a à balancer dedans parce qu'il y a Justice League après. Mets tout ce qu'il y a à mettre dedans. Et au final, tu te retrouves avec un truc qui, pour moi, n'est pas digérable parce que voilà, il y a trop de trucs qui vont interférer dedans. Il y a une vision des personnages qui ne me convient pas du tout. Et puis, voilà. Je sens que Oz, il a des choses à dire là, tu vois. Je le vois dans ton regard, Oz. Pour ça, moi, je termine.
Non, bah, vas-y, Ozan, let's go. Non, non, allez-y, allez-y, terminez. Allez-y, les gars. Ah, bah oui, je vais terminer. C'est pour ça que je vous laisse parler. Okay. Vas-y, Ozan. BVS, la première fois. La première fois que j'ai vu, c'est pareil, honnêtement, un peu OZEF, quoi, avec cette vision de Batman qui est catastrophique. Là, on va au-delà de la simple vision de réalisateur de Batman, tu vois. Parce que moi, j'ai souvent entendu cet argument sur Internet. Oui, mais c'est une adaptation, il faut laisser libre cours au réalisateur ou au scénariste de nous livrer son Batman. Le problème, c'est que à partir du moment où tu fais un Batman qui tue, ça veut dire que tu remets en cause complètement l'existence du personnage. Je vais t'expliquer pourquoi. Non. Où tu lâches le micro et que tu t'en vas. Si Batman tue, il décide d'outrepasser son code moral, alors à ce moment-là, il se positionne sur le toit d'un building avec un fusil sniper, bam, bam, bam. Donc, plus besoin de connaître tous les arts martiaux possibles du monde, plus besoin de s'infiltrer, donc plus de Batman qui s'infiltre, plus de Batman qui enquête, parce que s'il désigne ses ennemis, plus besoin de devoir rapporter des preuves au commissaire Gordon et donc plus besoin d'investiguer, enfin d'enquêter. Donc, en très gros, tu détruis toute la substance même du personnage Batman. Donc, il faut faire très attention avec cette vision du Batman qui tue, tu vois. Ça, c'est quelque parce que tu remets en cause toute la quiescence même du personnage. Donc déjà, moi, j'ai beaucoup de mal avec ça. On retrouve le Superman d'Henry Cavill qui... On retrouve le Superman d'Henri Cavill qui est morose, voilà, qui, alors que moi j'aurais espéré justement que Man of Steel lui serve de tremplin et que là on retrouve le vrai Superman qui se dévoile au monde. Et en fait, tu as l'impression qu'il agit toujours de manière anonyme, qu'il n'en a rien à foutre. Comme disait NCK et Prince dans leur vidéo, ils ne parlent jamais. Tu as une séquence au congrès où tu t'imagines. Tu vois, pour reprendre le conseil de lecture que je vous ai donné, Superman Terre 1, tu as une séquence où il arrive au Sénat et là il prend le micro et il explique qui il est et pourquoi il agit en tant que tel en fait. C'est ce qu'on s'attendait tous à voir dans le film. On ne l'a pas eu parce que ça a été l'explosion du Sénat a coupé court à la scène. Ouais, c'est le point. Donc tu te retrouves avec deux personnages finalement qui ne correspondent pas aux attentes des fans en termes de caractérisation. Donc là déjà c'est compliqué. Et pour essayer d'accepter ce film, moi, ce que je fais quand je le regarde, c'est que je me dis, voilà, on est dans un délire, dans une quadrilogie qui était censée se terminer après le deuxième Justice League. En fait, on est dans un what if. En fait. Moi, je me dis, c'est une mini-saga what if. Et c'est comme ça que j'arrive à accepter le film. Mais à aucun moment, ce film n'est un bon point de départ pour un univers partagé. Et c'est plutôt un film transitoire entre Man of Steel et Justice League. Et en fait, il faut s'imaginer que le Justice League qui vient après, c'est un film one-shot. C'est une seule aventure de la Justice League terminée, à plus rien, on termine là-dessus. En fait. Et c'est quand tu vois le film de cette manière-là que tu peux l'accepter. Voilà. Donc, je pense que j'ai rien de... Ah, si, un truc sur lequel je vais à tout prix revenir, c'est le putain de Lex Luthor, parce que je ne le supporte pas. Je ne supporte pas cette vision de Lex Luthor. On s'est inspiré de... C'est ça ? Hein, en mode complètement schizophrène ou ce que tu veux. Ouais, il est maniéré. Il est là, tu vois. Au bout d'un moment, je sais pas quoi. Moi, tu m'aurais mis un mec. Alors, franchement, tu es persuadé de Kevin Spacey ? Non, ah bah... j'ai du mal. Mais en fait, j'ai du mal avec cette version de Lex Luthor qui s'inspire du Gene Hackman de Donner. Ouais. Après, il y a celui de Smallville, si tu veux, de Lex Luthor. Quoi. C'est toujours le meilleur. En fait, tu vois, pour moi, Lex Luthor, dans ce film, on aurait dû le voir sur la toute dernière image de BVS, en fait. Je vais t'expliquer comment j'aurais traité Lex Luthor dans BVS. C'est-à-dire que voilà, Batman et Superman se foutent sur la gueule, ils sont manipulés, ils savent pas d'où ça vient et tout. Et à la toute fin du film, tu vois Lex Luthor à son bureau avec son verre de Sky, son costard, un vrai Lex Luthor, hein, quadragénaire, quinquagénaire, le crâne rasé, le regard sombre, son verre de Sky en train de lire un journal. Il referme le journal et en fait, tu comprends que c'est lui qui a tout manipulé, enfin qui a tout créé dans le film. Et en fait, tu vois, c'est la dernière image du film, le film se termine là-dessus. Voilà, Lex Luthor est encore là, il est encore en liberté, il est dans sa tour d'ivoire et le film se termine là-dessus. Tu vois, moi j'aurais traité Lex Luthor de la sorte. 30 secondes d'apparition à l'écran. Pourquoi il pouvait pas faire ça, NCK? Dis-moi un peu ce que tu penses de BVS aussi. Bon, installez-vous. Hein. Oh non. Non mais je pense. Pourquoi il pouvait pas faire ça? Ce que je pense en fait, c'est que tout simplement parce qu'il fallait. On prend les gens pour des cons. Donc en fait, il faut que les gens sachent qu'il y a absolument un méchant. Si tu veux, pendant tout le film, Superman et Batman, ils sont pas du tout héroïques, selon moi. Tu vois, pour moi, c'est clair et net. Je sais pas ce que c'est, mais c'est pas Superman et Batman. Mais pour essayer de contrebalancer cette sensation-là que peuvent avoir les spectateurs, on te balance Lex Luthor.
pour que tu comprennes, pour que tu te dises pendant tout le film, oui, Superman et Batman réagissent comme ça, mais c'est parce qu'il y a l'exécuteur qui manipule. Et tu le sais, parce qu'il est là. Tu sais que l'exécuteur, il est là. Tu sais que c'est lui qui tire les ficelles, tu le sais. Et il est là, c'est pas pour rien, tu vois. Et en plus de ça, à la fin, fallait amener Doomsday. Parce que, parce qu'il faut le gros combat. Il faut le gros combat en CGI. Il faut que Wonder Woman, en plus, parce que Wonder Woman était là, faut pas l'oublier. Elle. Donc, t'as quand même Superman et Wonder Woman. Donc, il faut amener un ennemi. Oui, mais on s'en fout de Batman, parce que Batman, il a un niveau humain, tu vois. Ouais, mais c'est deux demi-dieux, quoi. Enfin, c'est limite des demi-dieux, quoi. Wonder Woman. Voilà, c'est pour ça que tu mets pas de dans le bordel. Et c'est pour jouer avec Batman, il balance des trucs. Oui, mais comme il y avait Superman et Wonder Woman, Snyder, ouais. Il était tenu de balancer un ennemi qui allait pouvoir leur résister. Ouais, mais justement, le film, parce c'est Batman si et Superman, donc Wonder Woman. Quel ennemi tu veux foutre face Superman ouais, et Wonder Woman. T'as moyen d'intégrer Wonder Woman plus facilement, quoi. Ah. Justement, c'est pas son film, mais il a le problème. Et là, elle intervient à la fin, elle se bat avec Doomsday, tu te dis, mais qu'est-ce que tu fais là? En plus, elle fait un meilleur travail que Superman. Donc, je me dis, pourquoi l'autre il sacrifie alors qu'elle aurait pu le planter 40 fois. Et voilà. Et sinon, qu'est-ce que je pense du film? C'est pour moi, ça a été, je crois que ça a été une des plus grosses déceptions de toute ma vie. Je suis d'accord. C'est pas le film le plus nul du DC. Sur le plan artistique, cinématographique, c'est pas le plus nul. Faut pas non plus, voilà. Mais sur le plan philosophique, encore une fois, c'est ce qu'on disait tout à l'heure sur Superman, hein, la philosophie qu'il y a derrière et même la philosophie qu'il peut y avoir aussi derrière Batman. Et la logique qu'il a par rapport à... c'est ce que Oz disait hein, tout à l'heure. Hein, tout ce qui fait de Batman, Batman. Mais c'est une trahison mais de haut niveau. Et on rejoint aussi ce que disait Oz tout à l'heure, la scène au Congrès. Superman qui vient justement pour s'expliquer. Tu dis enfin, c'est la première fois que le mec enfin décide de parler aux gens, quoi. Alors tu te dis, il va parler. Nous, à l'époque, je me rappelle que quand on regardait les trailers, on se disait, ça y est, on va enfin avoir une scène de Superman mode papa, quoi, ouais, mode Kingdom Come, tu vois. Dans Kingdom Come, quand il arrive et qu'il dit, bon, voilà, alors, on va parler, il est là, quoi. Mais non, le Congrès pète. Alors tu dis, ok, d'accord. Et du coup, moi, je me pose la question. À chaque fois, je me dis, pourquoi Snyder a fait ça? Parce que c'est une décision, de tout. Parce qu'il a forcément dû y penser. Il s'est dit, soit je le fais parler, à la limite, je fais péter le Congrès, mais je laisse quand même des discussions se faire. Pendant 5-10 minutes, je laisse des petites discussions, et après, je fais péter le truc. Mais là, il a décidé de faire péter le truc, alors que Superman n'a pas dit un mot. Est-ce que c'est une décision? Est-ce que de base, il devait dire quelque chose, et le studio a dit non, en fait, pour pas couper le rythme? Ou est-ce que c'est vraiment comme ça, de base, dans le scénario? Moi, je pense que c'est Snyder qui a pris cette décision-là parce qu'il a parfaitement conscience que si tu fais parler Superman, tu ne peux pas lui faire dire n'importe quoi. Ce n'est pas n'importe quel héros. Il y a des héros, tu vas les faire parler, ils vont dire des erreurs. Ils vont balbutier, ils vont être pop, bégayer, ils ne vont pas savoir quoi dire. Genre Superman, tu ne peux pas faire ça. Après ce flash-là, c'est un mineur. Lui, il ne faut jamais lui laisser la parole. Il faut pas qu'il représente la Justice League, c'est pour arriver en Russie et dire Dostoïevski alors qu'il y a Poutine. Mais Superman, tu peux pas lui faire dire n'importe quoi. Superman, s'il parle, il va falloir que, même s'il n'arrive pas à convaincre tout le monde direct, les gens vont l'écouter et il va réussir à toucher des gens. Tu vas être obligé de faire un discours comme ça. Surtout pour un moment aussi important, parce que là, on ne parle pas de Superman qui s'adresse à des gamins. Non. Là, il est au Congrès, devant la sénatrice, il y a plein de gens, politiciens, justice, machin, une victime à côté en fauteuil roulant. Donc, faut forcément pas qu'il se loupe. Tu vois. Et je pense que Snyder, il n'a pas voulu faire ça. Parce qu'il fallait que Superman reste un personnage un peu douteux, dont on se méfie un peu, un personnage qui pourrait aller dans une direction injustice. D'où le truc du rêve et tout ça. Tu avais raison, machin, de Flash, là. Fallait qu'on reste sur ce doute-là pour valider les craintes de Batman. Et comme tu valides les craintes de Batman, donc là, il peut y avoir fight. Et puis, au final, le truc, c'est que dans ce film-là, tu te dis, bon, en fait, Batman, il a raison de le craindre, quoi. Parce que le mec, on le connaît pas, on sait pas ce qu'il veut, comme je disais tout à l'heure. Et puis, quand tu vois que quand Superman arrive devant Batman, il l'a eu. Parce que, encore une fois, il pourrait choper Batman et dire maintenant il y a Lex Luthor qui a capturé ma mère, tu fermes ta gueule, on arrête Lex Luthor. Non, il se bat avec Batman, tu dis mais qu'est-ce que tu fais?
pourquoi t'envoies un humain traverser un building là ? Il rentre dans son jeu, en fait. Oui, il rentre dans son jeu. Et tu dis, mais qu'est-ce qui se passe ? Alors déjà, Batman est idiot. Bon, ça, c'est une chose. Dans ce film-là, ouais. Mais Superman l'est encore plus. Parce que là où Batman vraiment peut rien faire contre Superman physiquement, Superman a le moyen de maîtriser Batman avec une main, un doigt même, et de dire, mais bon, maintenant, tu vas te calmer et tu m'écoutes. L'excuteur à ça, il y a un moment donné, il y a une scène où il lui dit, il commence à discuter, je crois que c'est le moment de la bataille, une des batailles qu'ils ont à côté d'un espèce de bain trop bizarre. Et en fait, il lui dit, oui, il faut que je te parle, c'est pas ce que tu crois, on peut régler ça, je sais pas quoi. Et Batman, il cherche pas à comprendre, il fonce dans le tas. Il devrait faire plus qu'essayer, c'est Superman. Non, mais les deux ne devraient pas être dans cette situation, en fait. Batman, il devrait même pas être là en train de se dire... Déjà, Batman, il devrait être en prison. D'une, il devrait être en prison, et de deux, il devrait même pas être aussi focus sur lui, parce que quelqu'un lui envoie chez lui, à son manoir, t'as laissé crever ta famille, et l'autre, il se pose pas la question qui envoie ça, parce que si le mec, il se dit, c'est Superman qui m'envoie ça, c'est vraiment très bas, hein. C'est vraiment très très bas. Le mec, il se dit pas, ah, attends, il se passe un truc, tu vois. Ou alors que son employé évite de recevoir son argent. Ouais. Par contre, on crache, mais... alors, attendez, juste une seconde, parce que j'ai pas entendu Anto, si tu me permets, NCK. J'ai pas entendu ton avis. Vas-y, Anto, dis-moi ce que tu penses. Moi, je faisais exprès de laisser justement les gens qui ont été, entre guillemets, qui se sont sentis mal vis-à-vis de ce film et qui se sont sentis trahis. Je voulais vraiment les laisser parler en premier parce que moi, j'avoue que j'ai une expérience assez positive de ce film. En tout cas, quand je l'ai revu en version Zack Snyder, j'avoue que la version cinéma m'avait laissé un peu de marbre. J'étais pas sorti en étant outré, mais j'étais pas non plus satisfait. C'est-à-dire que je trouvais ce film assez étrange dans la manière dont il abordait les faits, dans la manière dont l'intrigue se déroulait. Je sentais qu'il y avait des choses qui collaient pas. Et je n'avais pas retrouvé cette double claque Man of Steel que je m'étais prise 3 ans plus tôt. Et du coup, quand j'ai vu BVS en Director's Cut, j'ai compris un peu plus de trucs quand même par rapport à l'intrigue, par rapport à la manière dont les événements se répercutent. Voilà, même vous l'avez dit, je suis dans votre vidéo critique, hein, je m'en souviens, il y avait un truc un peu fluide dans la manière dont c'était raconté. Par contre, c'est vrai que ça corrige pas les éléments, on va dire, les plus problématiques du film. Et là-dessus, c'est ce qui me fait dire que ce film restera pour moi toujours un bon film, mais sans plus, parce que il manque tout cet aspect que vous avez très bien évoqué tous les trois, l'humanité de Superman, la présence du personnage dans l'intrigue, dans ce qui se déroule sous ses yeux, et puis cette volonté de vouloir opposer Batman et Superman qui relève uniquement, et là je rejoins ce que disait Romain en super chat, ce qui relève uniquement du marketing et de de cette surpromotion, parce que le film a un double titre, c'est pas pour rien, c'est-à-dire qu'il y a le titre de Zack Snyder, Dawn of Justice, ou la daube de la justice, selon NCK, qui a fait beaucoup rire dans la réunion. Et le premier titre, Batman vs Superman, enfin, V Superman, qui adopte un côté très, on va dire, très légal, hein, très juridique, hein, dans la manière dont c'est présenté, mais qui est un titre voulu par la Warner parce que ils étaient persuadés que la seule manière de vendre ces personnages, c'était de les faire s'affronter. Ce qui est un no-sense total et ce qui est une catastrophe marketing au plus haut point, quoi. Si bien que le film n'a pas marché autant, quoi. C'était sûrement le projet de la Warner où ils avaient le plus envie de le montrer, quoi. Quand tu penses que déjà à l'époque de, bon, c'est un petit truc, mais déjà à l'époque de Je suis une légende avec Will Smith, ils avaient utilisé Batman vs Superman en mode genre, ça va arriver en... C'était pas versus, ça va pas contre. C'était les deux logos combinés. Mais il y avait déjà une claire volonté de Warner d'en faire vraiment son film tête d'affiche, en fait. C'était pas... Enfin, même Man of Steel a été fait de base pour que Batman vs Superman puisse exister, au final. Ils ont pas fait Batman vs Superman directement face à... Enfin, sans Man of Steel, ils étaient obligés de faire le premier, tu vois. Je pense pas que le deuxième aurait pu être... Oui, pour le coup, tu aurais pas pu l'intégration de deux nouveaux personnages d'un coup comme ça, tu vois, avec en plus 3 nouveaux personnages parce qu'il y a aussi Wonder Woman, même 4 hein, parce qu'il y a aussi le méchant, puis il y a aussi Lex Luthor, donc 5 nouveaux personnages d'un coup comme ça, ça aurait peut-être été trop, tu vois. Après, c'est pas ce que Snyder a dit. Hein. Ah ouais. Parce que Snyder a déjà fait une interview, enfin, ça fait un moment, hein, ça fait longtemps, mais il a déjà dit que en gros, ils se sont posé la question de qui allait affronter Superman dans le deuxième film. Mm-hmm. Et que pendant un temps, lui, il pensait à Metallo, et qu'au bout d'un moment, ils ont pensé à Batman.
Et ce qu'il a dit, c'est, il a dit, et quand on a pensé à ça, il a dit, bah, ok, on valide, il a dit, parce qu'il a dit, je pense que c'est une idée, on peut pas aller contre cette idée-là à partir du moment où elle est exposée. C'est ça qu'il a dit, mot pour mot. Hein. On peut retrouver ça sur Internet. Et du coup, c'est pour ça, évidemment, qu'il s'est inspiré de Dark Knight Returns, qui est un poison, selon moi, ce truc-là. Non. Un poison. Non, le comic, c'est très bien. C'est juste que les gens, ils n'arrivent pas à interpréter le truc comme il est censé être interprété. C'est ça. Je sais pas, le c'est quand même le comics où Batman, il est là, il dit à ses disciples, non, on va pas utiliser les guns, c'est l'arme de l'ennemi. L'autre, il est là, il prend ça dans son film, il dit, oh, bah, vas-y, je vais lui mettre un gun dans la main. Ah, excuse-moi, il y a une différence de compréhension entre les deux, tu vois, c'est... Là, t'as Frank Miller, il fait un truc, il fait autre chose. Le fait de faire s'affronter Superman et Batman, je pense qu'il y a quand même un... La Warner Bros, c'est quand même pas toute blanche dans l'histoire. Parce que c'est un projet qui remonte aux années 90. Ils avaient déjà prévu ça. Ouais, ça avait une envie, quoi. Wolfgang Petersen, le réalisateur d'une histoire sans fin qui était à la base prévu pour ce film-là. Donc je pense que c'est une idée que la Warner Bros. Voulait, quoi qu'il arrive, nous infliger au cinéma. Et je pense qu'ils ont fait pression sur Zack Snyder. Alors après, Zack Snyder, peut-être en interview, a dit l'inverse, mais bon, on est sur un délire. Enfin, dans ce milieu professionnel, on imagine bien que les gars, voilà, ils disent pas tout à fait la vérité, quoi. Je vous balance encore une pierre, les gars, désolé. Le chat n'est pas d'accord. Je suis d'accord. Dark Knight Returns, c'est un très bon comic. C'est juste que, bon, ça dépend comment tu l'interprètes. Et Zack Snyder l'a mal interprété pour moi. Ça peut vite déraper avec Dark Knight Returns. Mais qu'est-ce qui, au final, qu'est-ce qui vous a pas plu? C'est quoi? C'est le combat de Batman versus Superman? C'est le côté, le fait que le combat ne devrait même pas avoir lieu parce qu'en fait, les personnages ne s'écoutent pas? C'est le fait que le Batfleck soit clairement un con. C'est quoi? C'est le fait que le Superman soit pas trop gentillet. Là en fait, tu nous poses les questions, tu réponds à la question. Non, mais point par point. Déjà, dans un film Batman et Superman, si les deux personnages sont pas bien caractérisés, déjà il y a un problème. Non, mais qu'est-ce qui vous dérange vraiment avec le film, en sortant du film, qu'est-ce qui vous a vraiment le plus dérangé, quoi? En mode genre, vas-y, ça m'a gavé en fait. Ça m'a énervé même. Je vais revenir vite fait sur les deux personnages, ils sont pas du tout comme dans les comics, en fait c'est ça qui m'a agacé. Et franchement, là tu dis en sortant de la salle, qu'est-ce qui t'a le plus agacé? C'est le fait qu'on ait voulu tout faire en même temps, parce que tu me fais pas Doomsday dans le deuxième film de la saga. C'est complètement invraisemblable. Tout le traitement autour de Doomsday, abracadabrantesque. L'enterrement de Superman, c'est le truc le plus iconique des comics. Tu me mets trois pleu-pleu en train d'enterrer Clark Kent, ça n'a absolument aucun sens. Tu vois, moi je veux voir une Justice League qui porte le cercueil de Superman, je sais pas, il y a toute une symbolique. C'est pour ça qu'arrivé là, je vois un meilleur enterrement pour Tony Stark, ça me fait clairement chier, parce que Superman il mérite un truc mais incroyable. C'est la meilleure scène d'enterrement de tous les temps, normalement. Tout ce qui concernait l'intronisation de la Justice League, ça m'intéresse pas. C'est une clé USB. C'est risible. Pour des personnages aussi iconiques, franchement, c'est risible, en fait. C'est ça qui m'agace, en fait. Toute une iconisation qui est partie aux chiottes. C'est ça qui m'agace. Je suis assez d'accord avec Prince là-dessus. Cependant, je garderai quand même, dans les bons points du film, encore une fois, une patte visuelle vraiment présente, c'est-à-dire que on a un Superman qui tire un bateau. Enfin, moi j'adore magnifique. Ce plan, je trouve qu'il est magnifique. Voilà, oui, il est magnifique. Et je dirais que pour décrire ce que moi j'ai pas trouvé bien dans le film, pour répondre à ta question du coup, Mediavore, c'est que j'aurais aimé tout simplement qu'il nous raconte plus en détail ce qui s'est passé pendant l'année et demie qui séparait Man of Steel et BVS. J'aurais voulu qu'il m'explique ce qu'il a fait en fait pendant tout ce temps-là. Est-ce qu'il s'est présenté au monde à ce moment-là? Bah oui, du coup, on comprend très vite que pas grand-chose, mais est-ce que malgré tout, il n'a pas eu des actions notables? Est-ce que le personnage ne sait pas tout simplement poser des questions sur son avenir? Est-ce que, voilà, toute la forteresse de solitude que vous aviez très bien évoquée en review, je m'en souviens, où vous aviez parlé du vaisseau, comme quoi ça pouvait servir de base pour une... Ça aurait été super de voir ça. Et bien tout ça, on l'a pas forcément. Et la première scène où il apparaît, c'est une scène extrêmement équivoque où il arrive chez un dictateur et il s'en débarrasse de manière assez étrange. Et c'est problématique. Superman, je sais pas.
Ouais. Il y a quelqu'un qui menace un otage avec un gun, tout ce qu'il trouve à faire, c'est de l'encastrer dans le mur. Ouais. Ouais, là-dessus, je... voilà. Tout connaisseur Superman sait très bien que le mec, il désarme l'ennemi avec une vision thermique ou je ne sais quelle manière. Parce que je ne sais toujours pas si ce mec est mort ou pas. Ce mec, il est mort ou pas? Bah, je pense que oui, franchement, s'il traverse le mur. Donc, ça revient à ce qu'on disait avec Man of Steel, c'est genre, il a tué Zod, d'accord, mais là, le dictateur, je sais pas. Ouais. Bah, c'est le moment où tu te dis, en fait, Zack Snyder se fait juste plaisir. Bah, voilà, pour moi, c'est du bourrin. Et en plus, je reviens même pas sur la version... La version extended avec juste avant Jimmy Olsen qui meurt, c'est gratuit, c'est genre c'est un gros majeur pour tout le monde en fait. Pourquoi tuer Jimmy Olsen comme ça? Je sais pas. Et puis on peut souligner aussi un truc là depuis Man of Steel d'ailleurs, c'est voilà pour les deux films, hein, que Zack Snyder a vraiment un problème à exploiter les pouvoirs du Superman, parce qu'à part la thermovision, la super force et le vol, où est passé le super souffle, où est la super vitesse? Je veux dire pas la super vitesse en volant, la super vitesse à pied, on ne la voit jamais. Ouais, il court pas, quoi. On la voit jamais. Alors, tu vois jamais. Là par exemple, la scène où ils se battent avec Batman, t'as Batman qui commence à braquer son flingue sur Superman, super vitesse tu le désarmes, ou alors thermovision comme disait Prince. Après là il y a l'argument du oui mais il a inhalé de la vapeur. Ils veulent pas faire un truc un peu, ils avaient peut-être pas envie de faire un truc un peu cheap ou qui se reproche trop par rapport à Flash ou un truc comme ça peut-être, non? Mais justement non, le problème il est là, c'est parce qu'il l'a fait avec Favora dans le premier film de la super vitesse à pied quand il y a des armes. C'était d'ailleurs très bien fait. C'était d'ailleurs voilà, super bien fait avec Favora. Superman il fait pareil. Bah oui, mais tu vois pas une seule fois. Il y a plein d'autres super pouvoirs que tu verras jamais de Superman, le super cerveau aussi, parce que Superman c'est pas un teubé quoi. Non. Mais pourtant là il est un peu con quoi. Enfin il est un peu, il réfléchit pas quoi. Il y a un autre truc moi qui me dérange dans ce BVS aussi, tu vois, c'est le fait que là tu me présentes cette version de Batman comme ça, hop, comme un cheveu sur la soupe, voilà, c'est Batman, il a 50 ans, il tue les méchants. Voilà. Donc déjà j'ai du mal avec ça parce que du coup ça rentre en contradiction avec le personnage, j'ai déjà expliqué, mais c'est surtout que si tu veux m'emmener à cette version, montre-le-moi, mais fais des films avant. Parce que là, je suis pas censé le connaître, ce Batman. On m'explique qu'il est devenu méchant parce qu'il a tué son parce que le Joker a tué son Robin. On sait pas de quel Robin il s'agit. On sait pas à quoi ressemble le Joker quand on regarde BVS. On sait pas pourquoi le Joker a tué Robin. Alors, on va me dire, oui, bah, tu connais les comics. Mais non. Là, on est sur une adaptation. On n'est pas sur, je veux dire, il y a eu plusieurs versions du Joker. Il y a eu plusieurs versions des Robins et tout. Je suis pas censé savoir pourquoi le Robin, il est mort et dans quelles circonstances. Parce qu'en plus, dans les comics, on dit, on connaît tous le fait que Joker tue Robin, sauf que dans les comics c'est Jason Todd et apparemment tout le monde était d'accord pour dire le Robin qui est mort c'est Jason Todd. Arrivé là, Zack Snyder nous dit non, c'est Dick Grayson. montre-le moi ça alors. Je sais pas combien il y a eu de Robin en plus, donc voilà. Et du coup on te montre un Batman mais tu sais rien de ce Batman, donc comment tu t'attaches à lui? Et si tu t'attaches pas au personnage alors que son nom est dans l'affiche, ça devient compliqué aussi quoi. Et voilà, et puis là on rejoint encore ce que je disais sur Superman tout au début, c'est que les personnages, on ne les connaît pas. En plus, tu as beaucoup de nouveaux personnages. Tu as quand même Alfred, tu as Batman, comme j'ai dit tout à l'heure, tu as quand même Lex, tu as des nouveaux personnages qui sont autour de Lex. Tu comprends pas leur intérêt, leur utilité, pourquoi ils sont en fait, ils sont méchants, mais en fait, ils sont pas vraiment méchants. Enfin, et tu as évidemment Doomsday. Bon, Doomsday, lui, dans tous les cas, de toute façon, c'est pas un personnage. Oui, c'est juste. Ouais, mais c'est. Moi, je trouve qu'il est hyper, hyper. Enfin, genre. Le build-up en mode du genre, c'est Lex Luthor qui a donné son sang, je sais plus quoi, pour réveiller Zod et qui est devenu Doomsday. Alors, je suis passé à côté, genre, je me suis dit, comment, quoi, en fait. Vraiment, genre, si dans les comics c'est comme ça, dites-moi. Hein. Mais moi, j'ai trouvé ça what the fuck total, quoi. Et surtout, c'est hyper expédié, hyper rapidement. Enfin, genre, il est là, ça dure 10 minutes le combat. Enfin, même pas 10 minutes, quoi. Genre, c'est comme ça, quoi. C'est pour ça que ça me dérange. Et la mort de Superman, elle est osée. Enfin, elle est d'un coup comme ça. Il y avait tellement plus de moyens de terminer ce combat plutôt que de le sacrifier comme ça, quoi. Et tout le dernier tir, il est en trop, de toute façon. Toute la partie Doomsday, Wonder Woman, c'est en trop. Encore une fois, comme tu dis, la mort de Superman, elle est osée, mais elle est osée, encore une fois, parce qu'on n'est pas attaché à Superman. Ouais. Donc il meurt, on dit oh. À la limite, ça serait arrivé dans le premier film, on aurait été attaché. Superman réagisse comme ça aussi. Mais tu trouves pas que s'il était mort dans le premier film, on aurait été beaucoup plus investi pour le personnage? Parce que. Non, ça aurait rien changé, tu vois. Le mec, on le connaissait pas plus. Mais on l'a pas vu sauver des gens. On le voit sauver des gens en Afrique à un moment donné, je sais pas quoi là, genre non. Tu vois rien du tout, tu vois. Si au Mexique, la scène, mais c'est pareil. Cette séquence, il sauve la gamine, mais moi j'aurais bien aimé l'avoir en entière, cette séquence, le voir utiliser ses super pouvoirs pour venir à bout de l'incendie et tout, mais tout est rushé. Concernant Superman, tout est rushé. Et moi, c'est pour ça que je peux faire Superman Returns, parce qu'au moins tu vois Superman qui fait du Superman dans Superman Returns. Quoi.
Et les gens qui l'ont adulé comme si c'était un dieu là au Mexique. Mmh. Qu'est-ce qu'il leur a dit? Parce qu'on voit qu'il est gêné. On voit qu'il est gêné parce que bon bah ça, tu sais très bien pourquoi. Snyder essaye d'amener le côté un peu, lui il se vit un peu comme juste un gars qui veut faire un gars normal quoi. Voilà, c'est un gars du Kansas qui veut utiliser ses pouvoirs pour faire le bien et basta quoi. Et donc il est mal à l'aise. Mais au lieu de nous montrer qu'il est mal à l'aise, est-ce que tu peux pas nous lui faire dire qu'il est mal à l'aise? Tu voyez ce que je veux dire? Qu'ils le disent aux gens, ils disent non, c'est pas pour ça que je fais ça, c'est parce que je veux arrêter. Ouais, je suis pas un dieu. Voilà, je suis pas un dieu, je suis là pour vous aider. Mais le truc, c'est que ça va en contradiction avec ce que Snyder veut absolument dire. C'est un dieu, c'est le néo-Christ. Il veut absolument nous marteler ça dans la tête. Encore une fois, j'ai toujours un problème avec la scène quand il arrive pour sauver des gens lors d'une inondation. Ça, j'ai un problème avec cette scène. C'est, Superman, c'est censé être le mec chaleureux. Il descend. Non, il arrive, il est gênant en plus, tu comprends pas et tout. Enfin, genre, il est là, droit comme un piquet, tu sais, il est là devant eux, il les regarde. Genre. Il est là dans le ciel, là, face au soleil, et puis tu vois les gens qui sont là. Ah, oh, super. Je m'en bats les reins, fais le descendre. Alors, t'as plein de gens qui vont dire ouais, mais ça fait un super beau plan, une belle peinture. C'est ce que j'aurais dit. C'est ce que j'aurais dit. Ah, mais c'est bon, mais je me dis, mais connard, descends. Et bon, genre, ils sont en train de se noyer, ils ne regardent pas de haut. Un plan sur la main, tu vois, il tend la main à la nana, voilà, un plan là-dessus. Quoi. J'aimerais qu'on parle de la séquence dont tout le monde a parlé, qui est la séquence Martha. On est obligé d'en parler à un moment donné, je suis désolé. Ça fait un peu réunion d'alcooliques anonymes. Mais en plus, je suis désolé. On va parler de la période de Martha. Bravo. Non, mais Martha, pourquoi t'as dit ce nom, Martha, enfin, c'est. Enfin, gars, c'est ta mère. Pourquoi tu l'appelles Martha déjà? Tu vois, tu dis sauve ma mère déjà. Enfin, c'est hyper bizarre, tu vois. Genre, moi je dis pas sauve et le nom de ma mère, tu vois. Enfin, genre, et surtout, enfin, il y a 30 millions de Martha sur Terre, tu vois. Genre, il y a pas qu'une Martha et c'est la mère de Superman aussi, tu vois. Genre, surtout que la séquence aurait marché s'il avait dit save my mother. Séquence aurait pu marcher aussi parce que ça aurait aussi ramené le doute dans l'esprit de Bruce quoi. Ouais, par rapport au fait qu'il a une mère, que c'est un être humain normal, voilà. Que ce genre de choses. Après c'est une petite maladresse. Non mais même tu vois, même si tu veux me dire, tu veux le faire dire, je suis complètement contre cette scène, tu vois, mais si tu veux absolument lui faire dire sauve Martha, dis-moi comment le mec a enquêté sur Bruce Wayne, qui connaît la personne, parce que bon, tu vois, on commence le film, le mec il sait pas qui est Bruce Wayne, alors son rôle c'est d'être journaliste. Il me dit d'accord. Virez-le, non mais virez-le tout de suite. T'arrives, tu sais pas quoi, Steve Jobs, qu'est-ce que tu fais là? Dégage. Il le met à la rubrique des sports. Bah, la rubrique des sports, non mais même Perry White, il a une mine d'or concernant Batman. Non, vas-y, parle-moi du match d'hier là. Par contre, je trouve que vous êtes vachement dur avec un truc, c'est que moi j'ai beaucoup aimé la première scène du film, tu vois. La première scène du film, l'entrée du film avec le Metropolis qui est défoncé, tu vois les super-héros au-dessus, tu vois les zones, le combat zone. Cette scène est incroyable, même au niveau du gigantisme, au niveau de tout ce que ça représente et tout, et le message, tu vois, où en fait tu te rends compte que bah parce que t'es du côté des humains, enfin du côté des gens qui sont en dessous, parce que ils sont en danger. Ils sont en danger. Dans Man of Steel, on n'a pas cette impression de danger parce qu'on est au niveau de Superman. Alors que là, dans celui-ci, on a vraiment cette impression de... Ouais, mais à la limite, quand t'es au niveau de Loïs, tu vois, t'as le danger, mais quand t'es au niveau de Superman, t'as pas le danger, tu vois. Non, non, t'as quand même la séquence. Aussi. Ouais, t'as la collègue de Clark qui est sous les décombres, et la nana, elle est en pleurs, elle a le mascara qui coule, t'as Perry White qui essaye de l'aider, et tu ressens le danger, l'urgence de la situation, quoi. Donc non, je suis pas d'accord dans Man of Steel. Le bâtiment qui est en train de tomber, tu te dis. Ouais. Ouais, mais alors que là, dans BVS, t'as cette scène où il est en voiture, mais tu vois que partout autour, c'est la merde, tu vois des trucs traversés à travers des bâtiments, tu vois des flammes, tu vois. Et il y a une ambiance, tu vois, il y a un délire. En plus, il appelle son je sais plus comment il s'appelle, j'ai oublié son nom. Alors, c'est complètement con, par contre. Il attend l'ordre pour l'évacuer. Voilà. Oui, non, mais oui, c'est un peu con, ouais, je suis d'accord. Il aurait dû partir avant, tu vois, en mode genre, ah bah, le chef, il a rien dit, bah, on va rester mourir, alors. Genre... Donc, Jeannette, les copies, voilà, tu me ramènes ça tout de suite. Du coup, t'as des rapports sur le 36B? Non, non, oui, ça, c'est un peu con.
Ouais, vas-y, à la scène Martin, moi je l'adore, et en fait, malgré cette maladresse sur le prénom, moi c'est une scène que je trouve injustement bâchée, parce qu'honnêtement, je la trouve mais folle d'émotion, quoi. Et voilà, tu comprends le sursaut psychologique que ça crée dans l'esprit de Bruce, voilà, il se rappelle sa mère, machin et tout. Et enfin, cette scène, j'ai l'impression qu'elle a été incomprise, peut-être parce qu'il y a une maladresse dans la façon dont c'est réalisé, mais je trouve qu'elle se fait flinguer sur Internet, pas à juste titre, quoi. D'ailleurs, je la trouve très belle, moi, dans la réal, puis dans la musique d'Hans Zimmer avec le thème de Bruce Wayne, là, enfin, c'est... Moi, je la trouve super jolie, cette scène. Au risque d'étonner certaines personnes, je suis un peu d'accord avec Oz. C'est pas que j'apprécie la scène, qu'on soit bien d'accord, je dis pas que j'apprécie la scène, mais quand je vois que beaucoup de gens en font la scène qui les a le plus choqués... Non, c'est pas la scène qui est le plus choquante. La pire scène non plus, mais... Maintenant, oui, le coup de Superman qui dit « Save Martha », tu dis « Mais pourquoi Martha ?» Pourquoi tu t'es pas tapé? En plus, il l'a dit vraiment genre « Pourquoi ?» Enfin, genre, vraiment... Puis quand t'appelles ta mère Martha, quoi. Admettons. Il y a plusieurs trucs, parce qu'il y a aussi le combo avec Lois qui arrive après pour sauver son âme. C'est le nom de sa mère. Oui. Lois qui a beaucoup de chance de le trouver là, quand même. Qui a vraiment beaucoup de chance. Elle arrive en hélicoptère, elle sait exactement qui est dans ce bâtiment à ce moment-là. Elle est omniprésente, omnipotente, elle est meilleure détective que Batman. Mais j'ai trouvé vraiment que, par contre, honnêtement, le combat entre... Ok, il y a un combat Batman versus Superman, si vous voulez, mais il est miteux. Enfin, je dirais, je parle même pas du combat en lui-même qui est miteux. Je trouve que c'est pas beau. Enfin, je veux dire, c'est dans un vieux bâtiment tout pété, dans un espèce de truc qui ne sait pas d'où c'est. Enfin, je trouve que ça manque de côté impressionnant, tu vois. Enfin, ça manque d'esthétique. T'attends un combat Batman versus Superman, je sais pas. T'attends pas un combat entre deux dealers, quoi. Superman, il est plus en deux en vrai, quoi. Donc, qu'est-ce que tu veux faire avec ça, quoi? Le combat a tellement pas de sens. C'est ça, okay. Ça peut pas s'étendre, ça peut pas partir dans les trucs, parce que l'armure de Batman, c'est pas Iron Man. Hein. Donc, à partir du moment où il peut pas voler, ça va rester au corps à corps sur Terre, il va se concentrer sur ses gadgets, et puis bon, bah voilà, mais c'est pas oufissime, quand même. La scène de Martha, honnêtement, elle me gêne pas plus que ça. J'ai été beaucoup plus gêné par... Il y a plusieurs scènes qui me... La super... Toutes les scènes, bah, encore une fois, philosophiques où Superman dit « De toute façon, personne ne reste bon dans ce monde. » Horrible, terrible. Enfin, je dis, jamais j'aurais cru entendre Superman dire ça un jour. La scène où il dit « Superman n'est pas réel. » Alors pareil, je dis « Bon, ok, d'accord. » Ça, c'est un moment qui m'a tué dans la salle de cinéma. Et puis la scène où Batman, avec la Batmobile, tue tout le monde. Et je me rappelle avoir dit à Prince, mais là c'est un carnage, là il est en train de buter tout le monde. Là. Et à la fin, tu vois Superman arriver, qui l'arrête, il shoot dans la Batmobile qui se crache. Non, il shoot pas dedans, il est juste posé là. Mais il se pose en mode, il veut installer sa puissance, quoi. Genre, je vais te montrer que je t'arrête. On va essayer de quand même trouver des. C'est pourquoi tu l'arrêtes pas. Pour être un petit peu... Parce que vous, le truc que vous avez, c'est que, par rapport à moi, c'est que vous êtes fan de comics, dans le sens où vous connaissez vraiment les comics, et du coup, quand vous avez vu le film, vous êtes senti surtout trahi par rapport aux comics. On est d'accord? En mode genre... Pas que par les comics, par rapport au canon de... C'est pas qu'une histoire de comics, parce que moi, quand j'ai vu le film, je lisais pas encore les comics en 2016. C'est les canons que sont censés représenter les personnages, tu vois. Superman, bah, c'est Lois et Clark, comme on l'a dit. C'est les Superman de Donner, voilà. C'est toute une iconographie de personnages. Batman, pareil, tu vois. Tu regardes le Batman de Bruce Timm, qui est la meilleure représentation de Batman à ce jour. Quand t'es gamin, tu vois ça, et après, tu vois Batman qui tue à tour de bras, ouais. Tu vois, y a pas forcément besoin de passer par les comics, quoi. J'allais demander, est-ce que vous pensez que c'est possible de trouver des bons côtés au film chacun de votre côté? Chacun votre tour, oui. Peut-être. Oui, mais non. Ouais, mais non. Et on va essayer de parler des bons côtés maintenant, que tous les rageux ne me disent pas « Vous avez parlé que des mauvais trucs !» La musique est très bonne. Ça, je ne peux pas retirer le fait que chacun a son thème et puis la plupart, ils sont iconiques, quoi. Des beaux plans. Et puis l'intention. L'intention de dire... développer ce qui avait été installé dans Man of Steel, quoi, de dire voilà, Superman c'est un alien et tout ça, et donc du coup il faut qu'il s'installe sur Terre, quoi. Il est pas le plus grand héros de la planète du jour au lendemain. Il faut qu'il y ait une évolution. Ouais, c'est ce que je parlais tout à l'heure quand je disais que le Superman de Donner avait aucune évolution. Il est là, il arrive, bim, il est Superman, tout le monde l'adore, c'est voilà.
que Snyder ait dit « Non, moi, je vais le faire évoluer parmi les humains », c'était une bonne idée. Maintenant, l'exécution, je ne suis pas du tout d'accord avec, avec ce qu'il a fait, philosophiquement et tout, je ne suis pas d'accord, mais n'empêche qu'il y avait quelque chose. Il, y avait, il était sur la bonne voie. Une dire. Envie, quoi. Voilà. Une envie de faire bien. Et toi, Anto et Oz, vous, plutôt ? Moi, c'est tout l'aspect casting, encore une fois. Alors, certes, je rejoins les Nakama sur beaucoup de choses sur concernant le certaines scènes qui sont probablement vides de sens en termes de ce que Clark peut être amené à dire dans le film. Là-dessus, je peux comprendre totalement les arguments. Par contre, je sais pas pourquoi, mais moi, j'ai toujours cet attachement très fort à la prestation de Cavill malgré tout, et j'arrive vraiment à percevoir cette humanité derrière et cette fragilité qui devrait peut-être pas être là, je ne sais pas, mais en tout cas que je trouve plutôt pertinente. Et moi j'aime beaucoup la scène notamment, et là je sais que ce sera pas forcément, on sera pas forcément d'accord, mais la scène où il part en trek, il voit justement le fantôme de son père, enfin de... Oh non. Bah oui, mais je savais. C'est très symbolique, quoi. Voilà. Soit on aime le côté symbolique, soit on l'aime pas, en fait. C'est ça le truc. C'est soit on rentre dedans. J'aime beaucoup les deux acteurs, je trouve qu'ils fonctionnent très bien. Et pour ce Superman-là, en tout cas, encore une fois, Oz le disait très bien tout à l'heure. Moi, je le vois comme un. Et c'est peut-être pas comme ça qu'il faut le voir, mais moi, je le vois comme un what if. Hein. Je le vois comme un DC Universe vu par. Et là, à côté de ça, tu peux mettre n'importe quel nom de réalisateur. Et là, en l'occurrence, du coup, c'est vu par Zack Snyder. Peu de Christopher Nolan aussi, mais du coup je trouve que dans ce contexte là la scène marche bien et j'aime bien ce portrait d'un Clark qui se cherche. Alors il se cherche peut-être trop longtemps et c'est peut-être le problème, et c'est pour ça que je suis pas tout à fait d'accord avec tout le film, mais malgré tout j'aime bien cette tentative d'avoir essayé quelque chose de voilà, comme disait NCK, sur la durée, d'essayer de faire évoluer quelque chose, de montrer un statu quo, parce qu'en effet les gens ne sont pas tous aussi, aussi ouverts sur le personnage de Superman, et du coup, ils ont essayé de taper peut-être dans le côté sentimental, alors peut-être à tort par moment, mais là-dessus, j'aime beaucoup. Et je trouve que ça fait partie des bons points du film, selon moi, et puis j'en ai parlé tout à l'heure, mais tout l'aspect visuel, l'iconisation à la Alex Ross, qui est vraiment proéminente, et que pour le coup, et autant j'adore le MCU, hein, je suis très très fan, j'aime beaucoup les films, mais c'est vrai que c'est pas quelque chose que j'ai retrouver dans tous leurs films. Et avec Zack Snyder, pour le coup, je dirais que c'est du 2 sur 2. C'est-à-dire qu'il y a deux films qui sont sortis, deux films qui sont vraiment dans l'iconisation de ces héros. De héros, quoi. Wonder Woman aussi, au passage. Et toi, Oz? Moi, deux points forts. Il y en a un, bon, bah, c'est la scène de fight de Batman dans le hangar, qui pour moi est la meilleure scène de fight de Batman à ce jour. Où tu vois vraiment que le mec, c'est pas un guignol, quoi. Parce que chez Nolan, c'était compliqué, il se battait toujours dans l'ombre, tu voyais rien. La façon dont il se battait, c'était assez. Enfin, c'était bizarre, quoi. Mais là, on a une vraie scène de baston bien esthétisée dans le hangar et qui est assez cool. Et puis ça titille ma fibre de fan, tu vois. Malgré tous ses défauts, le film, il arrive quand même à. Bah, me caresser dans le sens du poil, parce qu'à la fin j'ai quand même si le combat n'a rien à foutre là, je le rappelle, à la fin j'ai quand même Wonder Woman qui arrive, en plus son entrée elle est badass, quoi, et Superman et Batman qui se battent contre Doomsday. Même si le combat il n'a rien à foutre là, moi je trouve le combat plutôt réussi, et ça fait plaisir de voir les trois qui se fightent, quoi. Donc moi c'est juste ma fibre de fan, tu vois, j'ai conscience des défauts du film, mais il arrive quand même à me titiller à, voilà. D'accord. Moi, je. Et puis le fait qu'il se passe des choses dans ce film, t'as des morts, t'as des. Ouais. Tu vois, c'est. Voilà, c'est pas un film qui est lisse où il se passe rien, où t'as pas de conséquences. C'est ça aussi que j'aime bien dans ce film, c'est que à la fin, quoi qu'il arrive, t'as quand même des conséquences, t'as quand même des choses assez dramatiques, quoi. Je sais que personne ne va être d'accord avec moi, et je partage. J'ai un avis très différent de tout le monde ici. Mais moi, j'aime bien Jesse Eisenberg de base en tant qu'acteur. C'est un acteur, en général, les gens l'aiment pas trop parce qu'il fait des rôles où il part un peu dans tous les délires, ce genre de choses. Et surtout, j'ai l'impression que les gens le détestent depuis qu'il a joué dans Batman vs Superman. Et à juste titre, c'est possible, d'ailleurs. Et c'est peut-être mérité pour en tout cas ça, mais pas par rapport à lui, parce que c'est son rôle, quoi, après. Mais je trouvais que, pour le coup, c'était différent de tous les autres Lex Luthor qu'on avait eus. Et pour le coup, ouais, mais j'aimais bien le côté qu'il soit jeune, tu vois. Le côté qu'il soit jeune, oui, qu'il soit inexpérimenté, qu'il soit complètement taré, que c'est juste un gosse de riche qui a plein d'idées dans la tête et des idées complètement cons, qui est arrêté sur plein de sujets et qui au final n'a pas l'expérience qu'il a ou qu'il va obtenir avec le temps, et qu'il a cette, je sais pas comment c'est possible, mais le gars est omniscient
encore une fois. Oui, mais il est omniscient, mais ça correspond pas au physique du personnage, tu vois ce que je veux dire. Mais il sait qui en fait est vraiment Karkent, si c'est vraiment Bruce Wayne. Ouais, il sait exactement le lien qui les unit entre les deux. Je sais pas quelle recherche il a fait pour savoir pour connaître tout ça. Mais... Après, il a peut-être juste regardé la tête de Karkent et dit c'est marrant, tiens, il leur ressemble vraiment en fait, tu vois. Alors que les autres, c'est con. Donc, pour les personnages qui sont pas encore des super-héros. C'est vrai qu'il est designer. Il avait les logos d'Aquaman, alors que l'autre, il y avait pas. Ça, c'est vraiment le fan service à des balles, quoi. D'ailleurs, effectivement, dans BVS, on nous tease la Justice League, on nous tease en tout cas les autres héros. Sur une clé USB. Alors que techniquement, sur une clé USB qui, au final, le gars, il sait tout. Alors que, bah, ils avaient vraiment rien fait avant, enfin, à part pour Wonder Woman, mais c'était dans la Première Guerre mondiale. Mm-hmm. Aquaman, son origin story, elle est après Justice League. Chronologiquement parlant, oui, en tout cas. Ouais. Je crois qu'on voit Flash aussi. Flash, apparemment, il a rien fait. Flash, on ne sait pas ce qu'il a fait, on ne verra sûrement jamais. Il a arrêté Captain Boomerang, mais je ne sais pas encore si c'est avant ou après BVS. Et à quel moment c'est en rapport avec Suicide Squad aussi? Est-ce que Suicide Squad a un rapport avec... Moi, il y a des trucs que je ne comprends pas, tu vois. Suicide Squad, est-ce que c'est un rapport avec... avec par exemple Justice League et avec BVS dans la timeline, est-ce que c'est dans le même univers ou pas techniquement? Ça a un rapport avec BVS, clair. Ah oui, on commence Suicide Squad en disant on crée cette équipe au cas où il y a un mec comme... Non mais oui, parce que je sais qu'on parle vraiment de Superman, mais on le voit pas physiquement non plus, tu vois, donc à voix haute ça me fait toujours rire, je suis désolé, mais À quel moment vont-ils arrêter de se foutre de la gueule de Superman? Ça, c'est une question. Moi, c'est une question que je me pose sans arrêt. Bon, attention. Il y a Superman qui débarque. On va envoyer l'autre cinglé avec une batte de baseball. Ça va faire. Ouais, non, mais c'est ça. Puis il y a un mec avec un clochard avec des boomerangs, tu sais. Ouais, pareil. En boomerang, ça va lui faire un truc. Donc, du coup, j'ai pas détesté. J'aimerais qu'on parle très, très rapidement parce que j'aimerais qu'on passe maintenant sur l'autre film, si vous êtes d'accord. J'aimerais qu'on parle de Wonder Woman, mais bah, forcément, la passerelle Wonder Woman entre BVS et Wonder Woman, et j'aimerais avoir votre avis dessus vraiment en 2-3 minutes maximum. C'est pas Suicide Squad, hein? T'en as loupé un avant, ouais. Il est pas Suicide Squad, il est pas sorti après Wonder Woman? Non, après BVS. Ok, ah, bon, ça va parler Suicide Squad. En fait, c'est pas compliqué. Un film qui est bien, un film qui est pas bien. Un film qui est bien, un film qui est pas bien, un film qui est bien, un film qui est pas bien. Ok, alors parlons maintenant de Suicide Squad. Ça y est. Alors, Suicide Squad, réalisé par David Ayer, qui est quand même un très bon réalisateur et aussi un très bon scénariste derrière, par exemple, Training Day. Et donc, voilà, c'était quand même un mec qui était habitué aux films de gangsters, on va dire, des films avec des équipes, des duos, ce genre de choses. Un mec qui sait gérer l'action et qui, pour le coup, a été, comme Zack Snyder, hein, a été cuté, a été complètement... en fait, la Warner s'est foutue de sa gueule lui aussi. En mode, en fait, on s'en bat les couilles de ta vision. Et ils lui ont clairement... Bah, il a été surcuté aussi à Suicide Squad. Il y a un peu moins, mais surtout, il y a eu deux choses. Entre deux. Il y a eu deux changements de direction. Le premier, c'est que... je me demande si... Alors, vous êtes sûr Suicide Squad, c'est pas avant... C'est pas après Justice League? Suicide Squad. Suicide Squad était déjà en production... que BVS est sorti, BVS n'a pas marché, et du coup, ils ont changé le style de Suicide Squad, qui, pour le coup, de base, devait être beaucoup plus sérieux. Mais après, Seb, on est d'accord, hein. On est d'accord, ça aurait dû être après Justice League, voire même très très loin dans le temps, voire jamais, possiblement, hein, on est d'accord. Oui, mais bon, voilà, mais ça n'a pas marché, et donc après, ce qu'ils ont fait, c'est qu'il y a eu le carton des Gardiens de la Galaxie, voilà. Et donc, on dit, on va faire comme Marvel, on va faire comme les Gardiens de la Galaxie, et du coup, on va en faire un univers beaucoup plus fun, beaucoup plus marrant, avec des grosses refs aux années 80, aux années 90, comme a fait les Gardiens de la Galaxie, parce que les Gardiens de la Galaxie, ça a marché. Du coup, ils se sont dit, on va faire pareil. Et c'est la raison pour laquelle ils ont pris James Gunn pour faire Suicide Squad 2, qui a fait un des plus gros cartons de Marvel, quoi. Et donc, du coup, on arrive à Suicide Squad, avec en production, enfin, il n'est pas producteur, mais du coup, il est clairement sur tout le truc, c'est Will Smith, qui a été extrêmement présent au niveau du scénario, je crois, aussi. Qui a voulu être extrêmement présent partout, d'ailleurs, je crois qu'il est même le producteur exécutif. On a, en fait, Suicide Squad, c'est Margot Robbie et Will Smith et les autres. C'est ça. Voilà. C'est surtout Will Smith, quoi. C'est Will Smith qui est d'ailleurs très gentil, hein, qui n'est pas juste un anti-héros ou juste un enfoiré, qui est juste un mec gentil qui fait ça parce qu'il a besoin d'argent. Voilà. Donc maintenant, on peut parler de Suicide Squad. Je dis vite fait mon avis. J'ai aimé Suicide Squad, 45 minutes à peu près. Jusqu'au moment où on arrive un peu près jusqu'au moment où le Joker arrive
tu vois. J'ai pas détesté. D'ailleurs, j'ai pas détesté le Joker de Jared Leto. Je pense que même que... Non, attends, je précise. J'ai pas détesté le Joker de Jared Leto, mais j'ai détesté ce qu'ils en ont fait, en fait. Parce que quand on voit le Joker de Jared Leto de la Justice League, ou même juste de ce qu'ils veulent faire avec la Justice League, avec la Snyder Cut, ou juste le Joker de Jared Leto qui nous avait teasé dans les premières bandes-annonces, qui avait l'air beaucoup plus dark, bah, je pense qu'il aurait pu être intéressant, du coup. Ouais, c'est pas le Joker, mais c'est pas celui qu'on a eu au final, mais j'ai... Bon, vas-y, lâchez les chiens, allez-y, c'est bon. Suicide Squad, dites-moi ce que vous en avez pensé. Quelle année pourrie. c'est vraiment l'année qui m'a mis en furie contre la Warner. J'en pouvais plus. J'en pouvais plus, j'étais en PLS. Non, le combo, c'était incroyable. Oh putain, d'accord, ok. Là, c'était pas bien, quoi. Non, ça a été une belle année pour nous. Hein. Mais bon, on s'est fait un petit peu de buzz, c'est ça. mais après, d'un autre côté, moins en colère que contre BVS. Oui, bon, parce que le dire, c'est que BVS, j'avais vraiment de très très grosses attentes. C'était ouais. Superman et Batman, c'était autre chose. Là, je veux dire, Harley Quinn et compagnie, j'en ai un peu rien à cirer. Mais quand j'ai vu ça, j'étais consterné, quoi, dans la salle de cinéma. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc, quoi. Et j'ai dit, mais je comprends pas. Déjà, franchement, le truc du « oui, s'il y a un autre Superman qui arrive, on forme l'équipe », alors déjà, là, c'est le truc où j'ai dit « bon, ok ». Alors déjà, ça commence, ça n'a aucun sens. Oh, c'est une équipe qui est même pas capable de battre Batman, mais tranquille, ça va être... Puis après, ce qui m'a dérangé fortement, c'est le côté « on vous présente une équipe de bad guys », mais en fait, c'est pas des bad guys. Ouais. C'est un peu des gentils incompris, tu vois. Des anti-héros, quoi. Ça m'a énervé, parce que j'ai dit « non ». Et ça rejoint aussi un peu ce qu'ils font en comics dernièrement avec Harley Quinn. Ouais, c'est le ouais, c'est devenu une anti-héroïne. Ouais, c'est le côté en fait. Bon, elle est pas si méchante que ça. Amérique, ouais. Elle est gentille, quoi. Tu sais, il y a un côté un peu plus comme. Des New 52. Ouais, ça me dégoûte ce truc-là. C'est vraiment le côté. ça me dégoûte. Ah oui, exactement. Mais je suis d'accord parce que là, on parle de. Le seul truc qui m'intéressait là-dedans, c'était de voir. Enfin, le film, on foutait un peu. La musique. Je voulais juste voir la relation Harley Quinn et Joker. Ça a été foiré, mais d'une fois. C'est un des pires trucs foirés dans tout cet univers, franchement. À partir de là, non, c'est bon, ils connaissent rien aux comics là-dedans, c'est bon. Mais est-ce que le film, parce que c'est important de le savoir, ça, est-ce que le film a été autant charcuté que BVS et Justice League ou pas, par rapport à la Warner? Je dirais moins quand même. Je pense moins quand même. Du coup, la version higher cut, où bon, tout le monde se fout, si jamais ça se faisait un jour, elle serait sûrement beaucoup plus dark. Sensiblement. Je pense même pas, moi. Je pense pas non plus. Le film, il a changé pendant la production, pas pendant le. Pas pendant le. Montage. Pendant la production, pendant le. Comment dire. Pendant le tournage, quoi. Il y a ça. C'était pas, ils en étaient pas encore à un point du tournage où il fallait tout changer, tout charcuter, enfin, ouais. Tout ce que je veux dire. Donc, moi, je pense qu'on aurait juste des scènes en plus, et en plus, les scènes, on les a eues. Dans le DVD. Quoi. Donc, du coup, quelqu'un peut parler de Suicide Squad? Vas-y, parle-nous de Suicide Squad. Attends, j'ai demandé à qui tout à l'heure? BVS. C'était toi, c'est vrai. Donc, du coup, je vais choisir Oz. Tiens, Oz, parle-nous de Suicide Squad. Alors, la Suicide Squad est une équipe de malfrats de bas étage créée pour contrer une éventuelle attaque de kryptoniens, comme on l'a dit. Donc déjà, à partir de là, ça n'a aucun putain de sens. Et donc, il y a l'Enchantress. Alors, pardonnez-moi, parce que ça fait un petit bout de temps que j'ai pas vu le film, donc du coup, les enjeux, je les ai plus très bien en tête. Je sais qu'il y a l'Enchantress qui est censée faire partie de l'équipe, mais qui du coup devient autonome, et en très gros, elle devient la grande méchante du film. L'Enchantress, c'est un des personnages les plus puissants de l'univers DC, donc une fois de plus, ça n'a aucun sens de mettre la Suicide Squad face à elle. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec un film avec des enjeux qui ne correspondent pas du tout au personnage de base, en fait. Donc déjà, il y avait l'Enchantress, et il y avait aussi son frère, je crois, je sais plus comment il s'appelle. Oui, c'est vrai, je vais oublier. Dans un univers où il y a Wonder Woman qui existe, mais qui s'en fout. Voilà. C'est-à-dire que là, on a une méchante qui est censée vouloir détruire une ville ou le monde ou je sais plus quoi, et tout le monde s'en fout, à part la Suicide Squad. Batman aussi, ils s'en foutent. Hein. D'ailleurs, le pire, c'est Batman qui est au courant. Le mec, il est au courant qu'il y a... Ah, mais... Il a la clé USB, mais à la fin du film, tu le vois venir voir Amanda Waller. Bon, j'aimerais bien avoir des dossiers sur la Justice League. Mais t'es où pour un peu ça ? Qu'est-ce que t'as fait ? Mais il est au début du film, hein.
Non, c'est à la fin. Non, c'est ça. La post-générique de BDS. Non, il est au début du film avec Will Smith, tu sais, avec le personnage de Deadshot. Oui. Il l'empêche de tirer parce que sa fille, elle fait « Non ! Non !» Et après, bah... Puis voilà. Ouais, mais ce que dit Prince, c'est la scène post-générique. C'est une scène post-générique dans BDS, non ? Non, c'est une scène du début du film de Suicide Squad, je crois. Hein. C'est quand ils disent comment, quand Amanda Waller, on lui demande comment vous avez fait pour capturer Deadshot. Et elle dit on a demandé l'aide d'un vieil ami, je sais pas quoi. Et en fait, t'as une scène où tu vois Batman dans une ruelle qui aide à capturer Deadshot. Il a trois scènes dans le film, Batman. Il a cette scène que tu dis, Mediavor. Il a la scène que Prince a évoquée. Et puis il y a une scène où il va à la poursuite du Joker et de Harley. Exactement. Non, du coup, partout. Il faut mettre du Batman partout, je suis d'accord là-dedans, parce qu'il faut bien expliquer certains des personnages qui sont ses ennemis à lui. Mais encore une fois, tu me dis que Batman, tu dis bien, il tue des gens, on me demande pourquoi Joker est toujours vivant. Ça ne sert à rien. Donc, du coup, l'Enchantress, qui est donc le perso, un des persos les plus cheatés de DC Comics, qui donc est avec son frère. J'ai oublié comment il s'appelle, ça m'énerve. Et si vous l'avez dans les commentaires. Les Batman est aussi sur les toits de la Ferrari. Ah bah c'est celle-là, c'est une scène de la course-poursuite avec... Avec Harley, je vois qu'il finit dans le lac, là. Ouais. Et qui s'embrasse, d'ailleurs. Il embrasse Harley. Enfin, il lui fait du bouche-à-bouche. Il lui fait du bouche-à-bouche pour la réveiller, quoi. C'est tout. Et le Joker qui disparaît dans l'eau, hein, clairement. Et le mec a une respiration... Après, ça, c'est le Joker. Vraiment, il fait toujours dans l'eau. Moi, je dois être honnête avec vous, j'ai bien aimé... je crois que j'ai été plus sensible à des trucs tout cons, mais pas vraiment à l'histoire. En fait, j'ai été sensible vraiment au visuel dans le film, parce que je trouve que le film est beau, tu vois. Bon, pas les effets spéciaux, ils sont pas tous beaux, mais je trouve qu'il y a quand même une volonté visuelle, tu vois, là pour le coup, tu vois. J'ai bien aimé la scène où t'as qui est inspirée du comics celui où t'as Harley Quinn et Joker qui sont Island. Ouais, qui saute dans la cuve et que t'as tu sais, où ils se relèvent et ils sont dans la cuve et tu sais, il y a le mélange entre le bleu, le rouge et ça fait un espèce de truc assez stylé avec la musique et tout. Et pour le coup, la musique est plutôt... Bon, ça fait très clip show parce qu'il y a de la musique dans tout le film, qui est très différente d'ailleurs, parce qu'il n'y a presque aucune OST dans le film. C'est que de la musique hip-hop ou dubstep ou ce que tu veux. Pour surfer sur la Gardien Galaxy, quoi. Il nous mettait du Rick Ross, je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Ouais, il y a tout et n'importe quoi. Il y a du Queen, du Nirvana, je crois. Ah, il y a Queen, Nirvana, il y a du. On sort de vendre les CD ou Waterloo. Lil Wayne, il y a de tout. Il y a du ACDC, je crois, à un moment donné. Il y a du Freddie Mercury. Il y a les White Strike. Enfin, c'est... il n'y a pas de. Ouais, comme on l'a dit. C'est vrai qu'au montage, on dirait, ils ont fait ça genre. Ouais, ça fait bien, putain. Attends, je vais en mettre une autre. Ils ont mis la playlist d'un random guy, tu sais, au boulot, le gars. Les Spotify d'un mec, et puis voilà, c'est parti. Ils ont voulu singer les Gardiens de la Galaxie là-dessus, sauf que le problème, c'est que les Gardiens, ce qu'on doit lui reconnaître, c'est que l'utilisation de la bande-son années 80 a un rapport avec Peter Quill dans le film. C'est lié à sa backstory, à ce qu'il apporte. Ici, c'est juste un catalogue Spotify, comme vous l'avez très bien dit, et ça n'a aucun sens. Et puis moi, quand tout à l'heure, je disais qu'un film de super-héros, ou en tout cas un film tiré de Marvel ou DC, il me fallait une bande-son, et pour moi, c'était 50% d'un film. Là, déjà, t'as pas la bande-son, donc ça laisse déjà l'entendre de ce que je pense du film. Donc, c'est pas bon, c'est claqué, ça n'a aucun sens, ça va nulle part. Tu parles de la patte visuelle, mais d'abord, je trouve, pour le coup, objectivement, Birds of Prey plus recherché à ce niveau-là, tu vois, pour rester dans la saga Harley. C'est pas pareil, pour le coup. Quoi. Je trouve le film fade, Suicide Squad, je le trouve très fade, hormis la scène d'intro, et puis c'est tout. Après, ça part dans des tonalités, justement, bleu-verte, nuit, avec des personnages qui ressortent pas. Il n'y a pas cette recherche forcément aussi importante, je trouve. D'accord. Et puis l'intrigue. Et alors, les personnages? Claqué. On enlève Suicide Squad et Harley. Pardon, on enlève Harley et... Tu vois quoi ? On enlève Deadshot, Harley et Deadshot. This is Katana ! Back ! Moi, c'est tout ce que je veux dire. L'introduction de Katana, c'est juste incroyable. Énorme. Incroyable. C'est vraiment ce qu'elle arrive. Ouais, c'est Katana. Ouais, machin. Elle a enfermé l'âme de son mec dans son sabre, et voilà ça. Puis t'as un écrito qui dit voilà Katana. T'as aussi le rituel japonais, et puis t'as le cliché aussi du latinos, là, El Diablo. El Diablo.
Ah oui, 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 ah oui, en plus, rajoutons quelque chose, très très dans le cliché, ce film. Ah oui, que ce soit cliché, énormément dans le cliché. Hein. Cliché raciste ou sexiste. Ouais, ouais, c'est vrai que c'est un peu cliché, j'avoue. J'avoue que c'est... C'était gênant, c'était vraiment gênant. C'est je suis allé voir le film et... Captain Boomerang qui mange des steaks de kangourou ou je sais pas quoi. Là, quelqu'un l'a dit à un moment dans le film, il dit « Ah, d'accord. » Et il y a aussi y a un autre mec, il y a Captain Boomerang, et il y a aussi son pote là, qui meurt dans 10 minutes de film. Ah oui, l'autre. Ouais, exact. Je sais plus comment il s'appelle. Le natif, là. Ouais, je sais plus c'est quoi son nom. Le Steven Seagal, on dirait Steven Seagal. Wow. Mais le mec aux cordes, c'est juste qu'il avait des cordes. Il peut grimper partout. Il grimpe partout et il se fait tuer comme une merde. Un mec qui grimpe partout pour battre des super vilains. Ça, c'est moi, j'ai, moi, alors, j'ai bien aimé que le personnage d'Amanda Waller, ça soit une connasse, tu vois. T'as cette scène où je sais plus, que t'as Rick Flag et elle qui sont en train de parler à côté de plein d'autres membres de je sais plus quoi là, et qui et elle commence à les tuer tous un par un, tu vois, et t'as Rick Flag à côté en mode du genre bah en fait c'est vous la pire des méchantes, tu vois. Mmh. Et elle dit ils étaient pas habilités à voir ça, ce genre de choses, tu vois, enfin, alors que Joseph, et elle les tue comme ça de sang froid, tu vois, et tu dis qu'en fait bah elle est pas si gentille que ça, en fait. Ah non, non, elle est gentille. C'est les intérêts du gouvernement avant tout, quoi. D'ailleurs, c'est le point positif du film. Amanda Waller, elle est portée magistralement par Viola Davis, et franchement, elle est super bien. Et c'est cool qu'ils aient pris cette version d'Amanda Waller un peu forte et tout, tu vois, parce que du coup, elle a une vraie prestance. C'est ça. Ils ont pas fait le coup des New 52 avec une bimbo. Ouais. Là, c'était cool, ça. Ah ils oui, ont qu'ils avaient réutilisé d'ailleurs dans le Arrowverse, là. Ah oui, ouais, ouais, ouais. On va vous balancer une Amanda Waller qui est canon. Voilà, elle est fit. Qu'est-ce que j'en ai là. Amanda Waller de la CW, c'est l'actrice qui est dans Spartacus. Si vous avez c'est ça. C'est ça. Ouais. Hein. Je sais pas si ça vous parle. Mais si, j'ai déjà vu Spartacus. Ils ont recyclé quelques acteurs de là-bas, d'ailleurs. Ouais, ils ont Manu Bennett, notamment. Ouais, Manu Bennett et je vais l'autre, comment elle s'appelle. Une autre. Une métisse, j'ai oublié son nom. Il y avait aussi l'autre, là, la fille de Ra's al Ghul, là, qu'ils ont recyclé, elle était dans Spartacus aussi. Ouais, elle était dans Spartacus, également. Okay. Exactement. Ouais, il y avait du monde de Spartacus, quoi. La déchéance, Arrow. Pardon. Mais Killer Croc, il me fait penser à un mec de cité, je vois. Ouais, il fait de ouf aussi. Avec son truc, genre, avec les... Enfin, genre... Ouais. Mais j'ai rien à dire là-dessus. Ah oui, lui aussi, hein, le moment où il regarde. C'est pour ça que je te regarde. Le moment où il regarde les clips de rap à la télé. Non, il a demandé ça. Une télé, il a demandé une télé pour regarder les clips de rap. Pour regarder BET. D'accord. Ouais, d'accord. Bah bon, oui, t'es en prison, tu veux regarder le gros cul à Nicki Minaj, d'accord, mais bon. Enfin, ça pue la merde. Du coup, quand vous êtes sorti de la salle, vous en aviez pensé quoi vraiment? Maintenant, même quand vous le revoyez, parce que genre, je suis sûr que vous l'avez revu depuis au moins une fois. Non, on l'a jamais revu en entier. Ah non. On a déjà revu des scènes. Ouais, je crois que j'ai revu des scènes. Des scènes vite fait sur YouTube, comme ça, des moments où on a voulu se remémorer tout ça, mais le film entier, non. Après, oui, je l'ai revu. Bon, ça va. Je l'ai revu une fois. J'étais accompagné. Ah oui, bon. C'est pour d'autres raisons, on va dire. Bon, non, c'est vrai. Mais sinon, plus jamais j'approche ces trucs. Plus jamais. Merci. Pas avec un bâton, tu vois. Ah, mais pas avec un bâton. Ouais. Du coup, c'est quoi les... Merci, mais j'ai bouffé, quoi, ça ira. C'est quoi les vrais problèmes de ce film, au final? Les personnages, la direction du truc, le scénario. Parce que là-bas, ils sont censés aller sauver... Déjà, on les envoie, eux, sauver une ville qui... Je sais même pas comment ça marche, ce truc. La ville, elle est en proie à l'autre, là, à l'enchantresse, là, qui en foutait des gens... Je sais même plus, ils sont morts, ils sont censés être morts, ces gens-là, ou pas? Non. Non, ils contrôlés. Sont contrôlés, ouais. Ils sont enfermés dans cette cuirasse bizarre, là. Ouais. Bref, tout le scénario, je le trouve un peu stupide. Et puis le Joker qui arrive, qui n'est pas le Joker. Ah ouais, parlons du Joker, alors. Je le déteste. C'est un cliché, on dirait un vieux cocaïnomane. C'est ce que Tony Montana serait devenu s'il était allé. C'est plus un dealer, quoi, pour moi. Enfin, c'est un gangster dealer. Oui, c'est ça. Mais ce que je déteste le plus avec ce personnage, c'est comment il est aussi accro à Harley Quinn, en fait. Ça en fait une faiblesse. Le problème avec le Joker dans les comics, c'est qu'il n'a pas de faiblesse, en fait. Il se débarrasse de n'importe qui, il s'en fout. Harley Quinn, elle est à sa botte, il en a rien à foutre. Si elle peut crever, ça le dérange pas. Là-dedans, le moyen d'attraper le Joker, c'est kidnapper sa copine.
Il y a des moments où c'est un peu plus complexe que ça. Oui, c'est un peu plus complexe, mais parce que c'est sa chose. Voilà, mais dans le fond, c'est sa chose. Mais dans le fond, elle finit à Arkham ou elle finit je sais pas où. Ah oui. Voilà. Mais là-dedans, à partir du moment où quelqu'un la kidnappe, il est à fond dessus. Il faut qu'il la récupère. C'est ça. C'est une faiblesse pour moi, pour le Joker. C'est genre, bah, vous savez quoi, on va kidnapper Harley Quinn. Bon, comme ça, il sera sûr de venir. Pour moi, c'est quand même. En fait, le truc, c'est que le Joker, il est amoureux, là, quoi. Ouais, il est amoureux, mais c'est pas le Joker. Donc, le problème de ce film, c'est quoi? Ose. Vas-y, De ce film, c'est qu'il aurait jamais dû exister. En fait, je vais t'expliquer pourquoi. Parce que déjà, d'une, c'est le troisième film de cet univers, alors qu'au final, j'ai pas envie de voir la Suicide Squad au troisième film. J'ai envie de voir Barry Allen ou Al Jordan ou quelque chose de concret, quoi. J'ai pas envie de voir la Suicide Squad à ce moment-là, peut-être plus tard, mais pas comme ça. Et puis, c'est surtout le fait qu'ils aient rush un des trucs primordiaux dans l'univers DC, c'est-à-dire la fameuse relation dont on parle, Harley Quinn-Joker, qui est sensationnelle. Ouais. Et moi, je vais te dire un truc, comment j'aurais fait un film, parce qu'en fait il fallait tout prix mettre Harley Quinn, parce que Harley Quinn c'est le personnage chez DC qui vend le plus actuellement. On l'a vu encore en France actuellement, le comics le plus vendu c'est Harleen, Origin Story sur Harley Quinn, donc c'est un personnage qui vend. On part de ce postulat là et on se dit il faut à tout prix mettre Harley Quinn dans le troisième film. Bah, je vais te dire comment j'aurais fait mon troisième film. J'aurais fait un film sur l'Origin Story d'Harley Quinzel qui rencontre le Joker à Arkham. Comme ça, ça t'aurait permis de développer l'asile d'Arkham qu'on n'a jamais vu au cinéma. Tu aurais pu créer une vraie ambiance, créer un vrai truc. La relation Harley Quinn-Joker, tu aurais pu vraiment la développer dans ce film. Et puis surtout, tu aurais pu mettre du Batman. Et là, tu aurais eu la Sainte Trinité Warner Bros., qui n'est pas la Sainte Trinité d'ici. Hein. La Sainte Trinité Warner Bros., Batman, Harley Quinn, le Joker. Voilà, tu aurais eu les trois dans le film. Alors, prenez vos billets. Et au moins, vous faites quelque chose d'un peu plus cohérent et en fait, d'un peu plus. Qui a du sens, qui a un peu plus de sens, quoi. Comme dans Arkham Origins, quoi. La Suicide Squad de base, c'est quoi son... Enfin, je veux dire, dans une adaptation où, en fait, on a déjà intégré qu'il y avait un Superman, à quoi sert la Suicide Squad? Voilà. Normalement, la Suicide Squad, c'est pour faire les trucs, les sales coups du gouvernement. Quand les gouvernements ne veulent pas se salir les mains, ils envoient la Suicide Squad. En fait, c'est une équipe qui est censée avoir des enjeux beaucoup plus moindres, c'est ça? Exactement. Faut pas leur demander d'affronter des menaces intergalactiques ou je sais pas quoi. Ça me rappelle. C'est vraiment des petites missions de Black Ops, quoi, limite. C'est ça. Faut pas chercher à leur faire faire des trucs. Ça me rappelle, il y a un film d'animation d'ici qui était sorti de pas longtemps après. Ouais, voilà, c'est de ça que j'allais parler, tu vois. C'est ça. On lui demande d'aller infiltrer l'asile d'Arkham parce qu'on va pas envoyer n'importe qui. Je sais plus, c'était pour récupérer quoi là-dedans? C'est pour récupérer les informations détenues dans la canne du Riddler, en fait. Voilà, c'est ça. Et donc, du coup, ils envoient, le gouvernement envoie la Suicide Squad, voilà, ils forment la Suicide Squad et ils l'envoient chercher ça. Et puis, forcément, Batman s'interpose. Et du coup, ça donne une aventure vachement sympathique, dynamique, avec un peu d'humour et tout. C'est hyper stylé. Les personnages sont respectés. Là, pour le coup, tu y crois au fait que c'est tous des salopards qui sont censés former une famille. Alors que dans le film, ils ont forcé le truc, quoi. Ils t'y croient pas, du coup. Il n'y a pas d'alchimie entre les personnages dans le film. Ils sont gentils, quoi. Ouais, non, mais ils sont gentils. Mais non, donc, on est des méchants. C'est pour ça, il faut exprès le dire, histoire qu'on se dise, c'est vrai qu'ils sont pas si bien que ça. Mais en plus, faire une histoire dans l'asile d'Arkham, ça aurait été beaucoup plus stylé, bordel, quoi. Ouais, c'est ça. Là, c'est pas dans le métro, tu vois rien. Moi, personnellement, c'est pas mon univers d'ici, quoi. Voilà. C'est pas ce que je voulais voir et c'est toujours pas ce que je veux voir. Et tu veux peut-être lire le super chat, vas-y. Leto est arrivé ici dans le dernier, dans le qui est le meilleur. J'imagine que c'est ça, les gars. Ouais, sur Joker de la Ligue, même Dean Cain a pu se combattre. Perso, je suis hors sujet, mais je répète, Heath Ledger est un fils de Joaquin Phoenix. Le fils de Joaquin Phoenix. Bah, après, moi j'ai l'impression que les gens ont beaucoup comparé Jared Leto à forcément Heath Ledger juste avant, et parce que du coup on est dans un Batman et dans un Joker beaucoup plus réaliste, quoi. Donc forcément ultra réaliste même. Donc il souffre aussi de cette comparaison, tu vois. Alors que je connais pas par rapport au comics, je sais pas, mais il y a bien un comics où le Batman qui est adapté dans Suicide Squad est le même, non? C'est toujours différent. T'as pas une version. Le Joker. Il y avait un comics. Non, le Joker. Je crois pas avoir vu un comics avec un Joker gangster rappeur comme ça. Ça me dit rien. Non, ça, c'était. Alors, d'où ça vient en fait? D'où ça vient? C'est le film qui a fait ça, quoi. Parce qu'on a juste modernisé. Ça a démarqué de Heath Ledger, surtout parce que Heath Ledger a tellement posé dans l'inconscient collectif, si tu veux, une version intouchable du Joker, ce qui pour moi est faux, mais pour beaucoup de gens, c'est ça. Du coup, ils se sont dit, il faut à tout prix qu'on prenne un virage, un truc différent, parce que les gens vont pas aimer.
Et c'est pour ça qu'après, on a eu Joaquin Phoenix, hein, parce qu'ils ont dit, ah bah tiens, peut-être que finalement, il faut revenir à ce qui a marché. Et du coup, ils ont dit, on va trancher, on va faire quelque chose de différent. Et bah, ça a loupé. Parce que out of character, parce que tout ce que vous avez... Et encore une fois, c'est encore une fois un Joker qu'on ne connaît pas, quoi. C'est pareil avec ça, Harley Quinn, c'est, ils sont en couple, oui, mais ça sort d'où? Alors, ils te balancent l'Origin Story. Ouais, mais en flashback. Voilà, c'est en flashback, donc on le vit pas vraiment. On n'est pas... Plus que ça. En fait, ils ont le don, en fait, de se dire, les gens les connaissent, donc allez, let's go. Alors en que fait, non. Et ça, c'est le problème de Pimen of Steel, en fait. Non, c'est vous connaissez, on passe. Mais il est là le problème, et c'est que les gens connaissent pas du tout. Les gens connaissent pas du tout. Ce média est fait pour ça. Les films au cinéma, c'est fait pour montrer aux gens ce qu'en sont ces personnages. Et même ça, si tu connais. Ouais, même si tu connais, c'est histoire de dire. Tu veux voir en film, tu l'as jamais vu en film. C'est ça, tu montres là leur histoire entre les deux. Je la connais déjà dans le dessin animé. Et quand je revois le dessin animé, je me dis, mais bon, évidemment, ça a été créé là-dedans. Mais je me dis, c'est mille fois mieux que ce que vous avez fait au cinéma, quoi. Parce que c'est tellement risible quand après, par exemple, on voit ce que les personnages voudraient avoir comme vie, là. Enfin, ce qu'ils aimeraient avoir comme situation idéale. Et je vois que Harley Quinn veut une vie de famille en mode femme au foyer avec le Joker. Mais c'est pathétique. C'est pathétique. tu sais clairement que, enfin, personnellement, je sais très bien que si Harley Quinn veut quelque chose avec Batman, avec le Joker, c'est de les voir tous les deux rigoler sur le cadavre de Batman. Comme ça, c'est bon. Il s'est débarrassé de Batman et puis ils sont tous les deux tranquilles. Ou encore mieux. Encore mieux. Le Harley qui tue Batman pour le Joker. Ouais, dingue, voilà, ça, elle, dans sa tête, elle, ouais, voilà, il me kiffera encore plus alors que dans la vérité, il la buterait. Quoi. C'est ça, il dira. Le personnage problématique dans Suicide Squad, c'est qui au final? Le vrai problème. Harley Quinn qui est représentée comme une bitch, voilà, et ça, c'est impardonnable. C'est ça. Et Deadshot les caprices, je l'adore, mais les caprices de Will Smith ouais, aussi. Ouais, c'est les caprices de Will Smith, quoi. Le côté, personnage principal, tu vois. Non, c'est quand même la raison aussi pour laquelle il n'est pas dans Suicide Squad 2 et Warner a dit non merci, quoi. C'est que je pense qu'il veut plus travailler avec lui, quoi. Bon, puis peut-être que lui non plus n'a pas même lui rendu. Ouais, voilà. Comme il a vu que le premier n'a pas fonctionné, ouais. Il s'est peut-être dit, bon, je vais m'éloigner un peu de ça, et voilà, quoi. C'est une mauvaise décision. Ouais, peut-être. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose sur Suicide Squad? J'ai l'impression qu'on n'a pas grand-chose à dire au final, parce que je pense qu'on est un peu tous d'accord. Parce qu'on l'a pas fait, mais est-ce que vous avez quand même un petit conseil comics par rapport à Suicide Squad, ou même conseil animé? Parce qu'en final, on ne l'a pas fait pour BVS. Hein. Bah alors, BVS et Suicide Squad, les deux. BVS, il n'y en a pas vraiment, quand tu regardes bien. Moi, ce que je conseillerais pour être dans la continuité de BVS, entre guillemets, c'est l'anime Dark Knight Returns, en fait, parce que bah, pour le coup, tu as un fight Superman-Batman, même si je suis d'accord avec NCK, la caractérisation de Superman là-dedans, elle est un peu douteuse, quand tu es fan du perso. Mais là, pour le coup, là, tu as vraiment... t'as quoi? T'as une heure et demie de film, deux heures de film, où bah, c'est intense, tu as de la putain de musique, tu as un fight qui est super bien chorégraphié, pour le coup, ce qui n'était pas le cas dans le film. Voilà. Mais après, concernant le projet BVS, je trouve pas de... Moi j'irai dans le contresens de BVS en fait. Voilà. Et je proposerai Kingdom Come pour Superman. Ouais. Et pour une relation Superman-Batman, on aime ou on n'aime pas, mais je propose aussi les runs. Batman et Superman. C'est ça, Batman et Superman à Apocalypse avec Supergirl. Antoine, tu confirmes Batman, je confirme complètement. Et... Il y a là. De quoi? Public Enemies, Batman Superman. Oui, Public Enemies. Ouais, bah, ça fait partie de la même continuité, ouais. De là. Et puis... Bruce Timm et Paul Dini. Voilà. Le crossover World's Finest. On m'avait dit que, quand j'avais parlé de Suicide Squad à l'époque, on m'avait dit, regarde Killing Joke. Et on m'avait dit l'autre animé, pas Killing Joke, un deuxième, je sais plus comment il s'appelle. Un truc qui a bien marché aussi. Bah, c'était peut-être ce que Rose a... Passo en Arkham, ouais. Arkham, on m'avait dit, regarde ces deux-là pour que tu vas mieux après. Ah oui, mais ça voilà. c'est une bien meilleure adaptation de la Suicide Squad que c'est clairement ce que ça aurait dû être. Assez en Arkham, on m'avait dit, assez en Arkham et Killing Joke, tu vas voir, tu regardes ça, mec, tu vas te rendre compte que Suicide Squad, c'est vraiment nul à chier. Quoi. À noter qu'assez en Arkham, ça prend part dans l'univers des jeux Batman Arkham. C'est le même univers avec la même représentation de l'asile et tout. Voilà. Donc en plus, si t'aimes bien les jeux, c'est difficile de ne pas les aimer, bah voilà, ça te fait un complément. Quoi. Bon, avec il y aura d'appréciation Batman à ce jour, hein, les jeux Batman. Ouais, je suis d'accord. Bon, bah écoutez, passons, si vous le voulez bien, à Wonder Woman. Passons maintenant à Wonder Woman, réalisé par Patty Jenkins. Bah, j'aimerais qu'Anne Sique nous en parle.
Ah bah c'était le moment où je disais bah du coup les films d'ici j'en pouvais plus. C'est là Uncharted, BVS et Suicide Squad. En plus il y avait un tas d'annonces. C'était l'époque où ils annonçaient des projets. Projet Nightwing. Projet qu'on n'a jamais vu. Hein. Et voilà, et que du coup j'en pouvais plus, et Wonder Woman, j'en attendais rien du coup. Et pourtant, Dieu sait que j'attendais un film Wonder Woman depuis longtemps, parce que j'ai toujours dit, ça faisait des années que je disais, alors Superman, il y a eu un film en 78, ouais. Batman en 89, et Wonder Woman, rien. Non, ils ont fait Supergirl avant. Supergirl et Catwoman ont eu des films avant elle, quoi. Sous prétexte qu'ils font partie de la licence Superman et Batman. C'est ça l'idée qu'il y a derrière, tu vois. Alors, je dis, mais c'est scandaleux. Alors, là, ils ont annoncé. Mais le truc, c'est que j'en attendais tellement plus rien à cause de leur dernière décision que le film, je ne l'attendais pas et on n'avait même carrément pas été le voir. Ouais. On m'a dit, j'étais en boycott de DC. Et on l'a vu plus tard. Et puis, forcé de constater qu'on a apprécié. On n'a pas trouvé que c'était un film exceptionnel. Hein. Non, voilà. Mais on a apprécié parce qu'on a dit, ah, enfin, un héros d'ici qui se comporte comme un héros, quoi. Enfin, un personnage qu'on te dit, voilà qui elle est, voilà ce qu'elle aime, ce qu'elle aime pas, quelles sont ses valeurs, et que du coup elle agit en fonction de ce qu'elle est, en fonction de ce en quoi elle croit, quoi. Et tu dis, bah enfin un personnage comme ça, et on t'apprend à la connaître et à l'apprécier, en fait. Et elle a même des moments avec des gens qu'elle apprécie, Steve Trevor, l'équipe de Steve Trevor, la secrétaire de Steve Trevor. Tu sais, il se passe des trucs, quoi. Et enfin. Bon, des fois un peu niaise, des fois un peu. Un bébé. Mais... Alors bon, elle en a jamais vu. D'accord. Donc tu comprends l'idée. Tu vois, elle a jamais vu de bébé, tout ça. Tu dis, bon, voilà. Mais bon, il y a des moments où un peu niaise quand même, tu vois, tu dis, bon, vous n'avez pas forcément besoin de lui faire dire les choses comme ça. Le pouvoir de l'amour, tout ça, bon, d'accord, voilà. Mais admettons, le film est quand même pas mal. C'était une bouffée d'air frais. En plus, pour le coup, c'est par rapport à d'autres films du DCU, pour le coup, c'est un film qui est... Je vais essayer de le dire sans avoir l'air bizarre. C'est un film qui est réalisé par une femme avec une actrice principale avec qui est une femme, et c'est pas un film féministe dans le sens où c'est pas un film où tous les personnages mecs sont méchants, tu vois. C'est un film très intelligent, tu vois, parce que il y a des mecs gentils comme il y a des mecs méchants, et il y a un mix, tu vois, et ça reste un film très intéressant. Et là où c'est, pour moi, je compare souvent Wonder Woman, et de toute façon, je pense que tout le monde le compare avec ça. Pas avec Bird of Prey, mais avec Captain Marvel. Parce qu'il y a les mêmes intentions de vouloir absolument faire une héroïne féminine dans le Marvel Cinematic Universe, comme il y avait eu avec le DC Universe, je pense. On avait envie d'intégrer Wonder Woman. Tu vois, enfin, je sais pas si je suis très clair dans ce que je veux dire. Je prends des pincettes parce que ça peut être déformé dans ce que je dis. Mais moi, personnellement, j'ai bien aimé Wonder Woman, tu vois. Je trouvais ça cool. Et c'est vrai que tout le monde reproche, là, je le vois partout, la moustache de Harris. En vrai, moi, j'ai trouvé ça marrant, mais ça m'a pas choqué, mais voilà. Mais beaucoup, beaucoup de gens ont aimé le film, mais beaucoup de gens ont craché aussi sur le film, et vous l'expliquez comment, ça ? Bah, tout n'est pas bon. Hein. Oui. Le problème de ce film, c'est qu'il a été porté au nu à sa sortie, les médias en ont trop fait avec ce film, alors qu'en fait, c'est un bon film, mais ça va pas au-delà, c'est pas un chef-d'œuvre, c'est comme on nous l'a vendu, c'est pas le meilleur film de super-héros de ces dernières années comme on nous l'a vendu, ouais. C'est un bon film, certes, surtout quand tu compares avec ce qui a été fait avant, forcément, il ressort, tu vois, mais en soi, si ce film était sorti pour moi à côté de Spider-Man 2 de Sam Raimi, il aurait fait pas le figure. Tu vois ce que je veux dire, c'est que c'est... Oui, en fait, c'est par rapport aux autres films qui sont sortis, en fait, que les gens l'adorent, quoi, surtout. Ouais, voilà. Je pense qu'il y a de ça. Il y a de ça, ouais. Ah, je te dis, ça a été une bouffée d'air frais pour beaucoup de gens, en fait. On est sorti du côté un peu qui te prend à la gorge de Zack Snyder, quoi. Le côté un peu, on asphyxie les héros et par la même occasion, on vous asphyxie, vous aussi, les fans. Et derrière, il y a eu Suicide Squad qui était un nanar. Donc forcément, derrière Wonder Woman, c'est ça. Ouais, mais c'est aussi un film qui est vachement, visuellement beau. Dans le sens, je parle pas d'effets spéciaux, je parle plutôt de lumière, tu vois.
Genre, il y a beaucoup de scènes de jour, il y a une, enfin, il y a beaucoup de verdure, c'est pas très sale, c'est, ça change même visuellement, tu vois. Ouais, c'est vrai. C'est lumineux, c'est pas la même chose du tout, en fait. Et là, Wonder Woman. Le contraste entre Themyscira et Londres, qui était super, super bien exécuté. En tout temps, quand tu rassembles les deux avec la scène du No Man's Land, c'était. Ouais, ah bah oui, bah bien sûr. Anto, t'en penses quoi de Wonder Woman ? Wonder Woman, j'ai un sentiment partagé. Je suis pas hyper fan du personnage. J'ai pas grandi avec, et ça rejoint ce que disait Nsike. Hein. Je pense que le personnage n'a pas été mis à sa juste valeur, je pense, au moment où j'étais enfant, et du coup, j'ai pas appris à la connaître plus que ça. Du coup, j'ai pas d'attache particulière avec Diana, mais je considère le film comme étant un bon film, c'est-à-dire que je suis plus client pour le coup d'un film à la Man of Steel qui va me lancer des pistes en fait de réflexion sur le parcours d'un héros, sur ce qu'il doit devenir, plutôt que ce qu'ils ont fait avec Wonder Woman qui est finalement assez on l'a dit, mais qui est assez ordinaire, surtout pour l'époque, hein. 2017, il y avait déjà beaucoup de films qui étaient passés par là, mais il faut dire que c'est vrai que c'est plutôt un film qui était attendu et qui devait arriver, il est arrivé un peu tard à mon sens, et finalement c'est bien pour les fans, c'est bien pour Gal Gadot aussi qui a pu entre guillemets relancer un peu sa carrière à Hollywood, hein, parce que bon, elle sortait de pas mal de films forcément qui n'avaient pas forcément mis en valeur, donc ça c'est plutôt cool. Et Fast and Furious, ou même je crois qu'elle voulait tout simplement arrêter les films un peu à Hollywood, donc elle est repartie avec un autre entrain et puis un projet quand même un peu plus où il y a un peu plus de matière, et du coup je trouve que c'est bien, voilà, pour ces gens qui attendaient le personnage sur le grand écran. C'est quand même la trinité d'ici, c'est quand même voilà, il fallait vraiment qu'on y vienne un jour ou l'autre, et on pouvait pas se contenter indéfiniment de la série avec Linda Carter, ou même de sa représentation dans l'univers de Bruce Timmepoldini, parce que on n'était pas encore dans le long métrage grand public qui permet vraiment de toucher un maximum de monde, quoi. Donc voilà, il y a ça. Puis moi, j'ai un problème avec, là si on est un peu d'accord, mais avec la naïveté un peu apparente du film, où je trouve que ça manque de réflexion, ça manque surtout de profondeur et de relief, en fait, dans la manière dont c'est abordé. Et je trouve ça un petit peu dommage, et je suis sorti de manière un peu mitigée du film. Et puis cette ambiance Première Guerre mondiale, où moi, de ce que je connaissais de Wonder Woman, j'avais envie de la voir dans le présent, mais bon, on sait pourquoi ils l'ont pas fait aussi, hein. Quelque part, il y avait le Snyderverse toujours en avant, donc ils voulaient pas le faire forcément. Mais Première Guerre mondiale, ça m'embêtait un peu, et voilà, j'ai pas jamais trop compris pourquoi. Là où un Steve Rogers, je comprends qu'on me lance un film de guerre entre guillemets, c'est-à-dire que le personnage est lié intrinsèquement à ça. Diana, je me dis, tu pouvais faire autre chose. Tu pouvais faire un film un peu qui se passe sur Themyscira, par exemple, ou qui se passe dans différents endroits du monde mythologique, un peu comme dans le Run de Georges Pérez. Un coup t'es en enfer, un coup t'es dans des dimensions différentes, etc. Là, c'est vraiment urbain dans la réalisation, je trouve. Après, c'est le premier film. Je repense à la... Moi, il y a un truc qui m'a un peu dérangé, pour être tout à fait honnête, c'est cette fin. En fait, je peux comprendre que certains aient adoré. En fait, il y a quelque chose qui est très bizarre dans le film, c'est que le film est très terre-à-terre, en fait. On nous dit clairement que les méchants... pendant tout le film, tu t'attends à ce qu'en fait, elles se rendent compte que, en fait, il n'y a pas d'Arès, en fait. Il n'y a pas de méchants, que les méchants sont juste méchants, et que ce n'est pas des démons derrière, ce n'est pas des dieux derrière, ou des dieux de l'enfer, ou ce que tu veux, des dieux de la guerre. Et à la fin, tu te rends compte qu'en fait, Arès existe vraiment, et que il a pris les traits de... je crois qu'en plus, il se fait passer pour un pote, ou je sais pas quoi, enfin, je sais même plus quel rôle il a. Un auditeur de je sais plus. Exactement, c'est ça. Enfin, que voilà, que en fait, c'est pas exactement... Enfin, les méchants ne sont pas vraiment ceux qu'ils sont, en tout cas, les vrais méchants, pour le coup, ne sont pas ceux qu'ils sont. Moi, je suis un peu sorti à ce moment-là, je me suis ça semblait vachement terre-à-terre, et d'un coup, c'est passé vachement... on est passé dans un autre registre. J'aurais préféré que le registre soit dès le début assumé, en fait. Et là, j'ai trouvé qu'il y avait vraiment une césure, en mode genre, mais en fait, vous faites quoi, les gars, en fait ? Enfin, je sais pas. Après, ils ont quand même contreballon... Enfin, ils ont complexifié le truc un minimum, quoi. C'est-à-dire que le moment où Arès, il meurt, les humains s'arrêtent pas non plus. Il y a quand même un discours là-dessus où Steve, il lui dit... Bon, à la limite, Arès a influencé les humains,
Ouais. Mais les humains ont quand même ça en eux. Faut pas que tu crois que parce qu'Arès disparaît, alors ça y est, tous les humains vont s'arrêter, genre l'enchantement est terminé. Ils ont pas été dans cette direction-là non plus. L'image qu'il utilisait, c'est que t'as un brasier et Arès, c'est celui qui souffle sur le brasier. Et voilà. Mais en très gros, le brasier est déjà là. En fait, c'est juste celui qui inspire les hommes et à faire la guerre, mais c'est pas lui qui crée la guerre. Voilà. Non, bah écoutez, on n'a pas grand chose à dire sur Wonder Woman, j'ai l'impression. Non, pas grand chose. Hein. Le combat final. Ouais, Moi, je m'attendais à un truc. Déjà, j'aurais voulu un vrai acteur, tu vois, genre la montagne dans Game of Thrones, là, dans l'armure d'Arès, tu vois, quelque chose de beaucoup plus impressionnant, pas de la CGI dégueulasse. Ouais. Et un vrai combat à l'épée, tu vois, dans les flammes, un truc beaucoup plus esthétisé, un vrai duel à l'épée. Ouais, chorégraphié et tout, pas un truc où ça vole dans tous les sens, tu sais pas ce qui se passe, t'as une bouillie de pixels à l'écran. Vraiment un beau combat à l'épée pour rendre hommage à Diana, parce qu'elle a une épée à la base, Diana. Tu vois, même si Patty Jenkins a eu tendance à l'oublier dans le prochain film, à la base, elle a une épée, quoi. Donc, Je suis d'accord. Pour le coup, s'il y a bien un point où on est plus ou moins d'accord sur le par rapport à la comment dire à l'impact physique du personnage de Wonder Woman, je dirais que c'est un peu sur sa faculté de tuer ses ennemis. Pour le coup, c'est pas choquant vu que c'est une guerrière et que c'est quelqu'un qui a toujours vécu comme ça et elle est pas dans la compassion forcément pour tous ses ennemis. Surtout au vu des menaces qu'elle affronte. Là-dessus. C'est important, je pense. Dans un univers DC classique, c'est même intéressant à traiter, parce qu'une fois qu'elle rentre en contact avec Superman et Batman, Superman et Batman sont censés lui dire, mais qu'est-ce que tu fais? Non, mais tu vois, c'est même que Superman soit le juste milieu, en fait. Soit en mode, parfois, oui, il faut, et puis Batman, il est là, non, si on est comme eux, oui, c'est logique à deux balles. Non, mais après, je veux pas dire que Wonder Woman, c'est une meurtrière, mais la plupart du temps, quand elle se bat, voilà. Si c'est pas des humains, tranquille. Mais enfin, si c'est des humains, tranquille. Mais sinon, on reste, ils finissent décapités. c'est chaud. Bon, écoutez, on passe au suivant, puisqu'on n'a pas grand chose à dire sur Wonder Woman. Le suivant, j'aimerais qu'on n'en parle pas une heure, en vrai. Et après, il reste deux films, il restera Aquaman, il restera Aquaman et Shazam et Bird of Prey. Si on peut ne pas en parler une heure. Parce que là, c'est sur ce film en plus, hein, je pense. Parlons de. Ou au pire, si vous voulez, je vous propose qu'on parle des autres et qu'au pire, on finisse sur Justice League. En fonction du temps qui nous reste. D'accord, on fait ça là. On va passer directement à Aquaman, sorti en 2018 et réalisé par James Wan. James Wan qui avait plus l'habitude de faire des films d'horreur et qui aussi avait fait Fast and Furious 7 et qui réalise Aquaman. Aquaman, j'aimerais que tu nous en parles, Anto, parce que pour l'instant, t'as pas pitché de film, je crois. Et là, franchement, je me sens sauvé parce que j'avais fait le compte et c'était sur moi que tombait Justice League, donc je suis content que ce soit moi qui récupère Aquaman. Aquaman, je suis arrivé au cinéma, j'étais en mode Jason Momoa, je l'ai pas trouvé incroyable. Je trouve qu'on était à des années-lumière de ce que je connaissais du personnage dans les comics. J'arrive, je regarde le film, je sors, je trouve ça vraiment génial. Et je me dis, mais voilà ce qui se passe quand on prend un personnage désuet sur le papier, en tout cas qu'il a été pendant des années, et qu'on assume complètement le côté comic book de son univers. Pratiquement ou presque. Mais moi, je trouve vraiment dans l'esthétique du film, déjà, on est sur quelque chose d'assez innovant. Hein. On a quand même un film qui se passe la plupart du temps sous l'eau, donc c'est quand même pas rien niveau technique. Et puis, on a un costume de héros qui est représenté trait pour trait, écaille pour écaille, j'oserais-je dire, depuis justement le comics depuis qu'il est comme ça dans les comics, et depuis surtout les comics de Geoff Jones, notamment, qui étaient les comics, on va dire, un peu, qui ont rafraîchi le personnage, qui ont donné cette aura, justement, de roi, de jeune roi qui apprend à devenir un héros. Et là-dessus, je trouve qu'on était complètement là-dedans. J'irai quelques bémols, du coup, sur Jason Momoa, parce qu'en effet, malgré tout l'amour, on dit, que James Wan essaie d'apporter au personnage et tout ce qu'il a envie de développer, Momoa il est toujours dans le côté un peu lobo, hein, c'est-à-dire que le gars il s'en fout un peu. Oui, je sais, Prince, je sais, c'est pour ça. Non, mais ça aurait été clairement un meilleur lobo qu'un. Oui,
évidemment. Il est, je reste persuadé que c'est pas le meilleur choix de casting et pour moi c'est pas idéal. Mais malgré tout, on sent que il y a quand même des ambitions derrière avec son personnage au niveau scénaristique. On veut lui faire prendre conscience que son destin, c'est un destin de roi. Et même moi, qui suis pas hyper fan de toutes ces intrigues un peu quête initiatique royale où on voit le personnage accepter son statut, on va dire de chef d'État quelque part. Et ben, je trouve que là, c'est vraiment bien fait et je dirais que c'est peut-être un cran au-dessus de Wonder Woman pour moi parce que pour tout ce côté-là, c'est-à-dire qu'on assume le costume, on assume les délires un peu de créatures mythologique qui habite au fond en dessous de l'eau quoi, tout simplement, et puis on assume aussi toute la relation avec Mera que je trouve vraiment très bien représentée par Amber Heard, contrairement après à tout ce qu'on peut entendre sur les à côté, hein, moi ça me regarde pas, mais en tout cas sur le personnage je trouve qu'elle rend bien à l'écran, et puis la musique de Rupert Gregson Williams qui avait fait que la musique de Wonder Woman d'ailleurs, mais repris du boulot de Hans Zimmer. Et là, je trouve qu'il arrive à donner son identité à lui avec un thème vraiment iconique et qui reste en tête, qui m'est resté en tête. Et j'aime beaucoup Aquaman et c'était vraiment pas gagné, quoi, parce que je suis vraiment pas fan du personnage. En tout cas, je l'étais pas à l'époque. Et c'est un film que je suis allé voir deux fois pour la petite histoire parce que il m'avait vraiment, vraiment laissé une très, très bonne image. Et c'est ce que je veux voir, en fait. C'est des divertissements entre guillemets nobles dans leur intention, avec cette idée que oui, les super-héros c'est pour le grand public, mais il faut pas non plus prendre les gens pour des idiots, il faut quand même leur proposer un spectacle millimétré, quoi. Et c'est ça que j'aime vraiment. Je vais donner mon avis avant les chars, que je sens que ça va gueuler. Les chars. Je suis pas un grand fan de Jason Momoa. Moi, je regardais la série Stargate Atlantis quand j'étais gamin. Et il était dedans. Et je trouvais que c'était un mauvais acteur. Mais vraiment un mauvais acteur. Et je le trouvais pas bon du tout, tu vois. Et j'ai jamais trouvé que Jason Momoa était un très bon acteur. Je trouve pas que ça soit forcément une erreur de casting, mais je... Ok. Je pense qu'ils ont beaucoup surfé sur le côté Game of Thrones du mec, en mode genre voilà, maintenant dans Game of Thrones il a joué ça, il joue un peu un barbare et en même temps c'est un peu un mec en mode genre je m'en fous, je m'en bats les couilles, enfin c'est ce genre de gars, et qui va bien pour le coup, je trouve que moi ça va bien. Après je connais pas les comics Aquaman, même s'il a l'air très différent dans les comics par rapport à Jason Momoa. J'ai trouvé le film étrangement très inégal sur beaucoup de choses, et je vais parler principalement pas de l'histoire, mais je vais parler surtout des effets spéciaux, en fait, que je trouve très bizarre. En fait, il y a des moments où c'est hyper bien fait et des moments où t'as vraiment l'impression de regarder un jeu PS2, tu vois. Il y a des trucs qui... pas PS2, allez, on monte à la PS4 si vous voulez. Il y a des moments où t'as l'impression d'un jeu PS4, c'est hyper mal fait, hyper dégueulasse, ça a aucun sens. Mais moi, il y a ce petit côté en fait que j'aime bien avec Aquaman, c'est ce que j'aime bien aussi peut-être avec Shazam aussi, et peut-être d'autres films que j'ai bien aimé peut-être avec Suicide Squad, c'est que j'aime bien Zack Snyder, mais Zack Snyder, c'est vraiment tu tires une balle, quoi, tu vois. Vraiment, c'est déprimant, Zack Snyder, tu vois. Enfin, c'est on est d'accord, c'est quand même vachement déprimant, tu vois. Mm-hmm. Alors qu'Aquaman, c'est plutôt fun, c'est plutôt un film. Pour autant, tu vois, BVS ou Man of Steel, c'est pas forcément des films que tu regardes avec ta famille, tu vois, enfin, ou tous ensemble, tu vois. Surtout BVS. Mais par contre, Aquaman, c'est vraiment un film que tu peux regarder même avec un gamin de 8 ans, tu vois. Parce qu'il est pas violent, c'est plutôt family friendly, c'est plutôt fun, c'est plutôt rythmé. Il y a une bonne musique, il y a une bonne ambiance, il y a des belles couleurs, il y a des beaux trucs, et ça part dans tous les coins, ça pète, il y a de l'humour, il y a peut-être un peu trop d'humour dans le film également, mais il y a des côtés qui passent bien, et il y a beaucoup de bémols, mais un des trucs que moi qui m'a vraiment dérangé, je trouve que Black Manta est ridicule, j'ai vraiment l'impression de voir un Power Rangers. Oh non, moi je l'adore. J'ai l'impression de voir un méchant d'un Power Rangers, ça m'a rappelé, et je vais me faire détester, attention, je vais balancer un truc là, tout le monde va me détester, mais pour moi, le chara-design, si tu veux, ouais, exactement, le chara-design du costume m'a rappelé le chara-design du costume du bouffon vert dans Spider-Man 1, où t'as l'impression que c'est un méchant de Spider-Man, t'es un méchant de Power Rangers, même si j'adore William Dafoe et que j'adore dans Spider-Man, et que j'adore Spider-Man. William Dafoe d'ailleurs, qui est dans le film. Qui est exactement dans le film, effectivement, c'est vrai. Mais qui est au bon endroit. Hein. Non, mais après, il a repris James Wan, il a repris les habitués de ses films avec Patrick.
Patrick Wilson qui retrouve de tous ses films et qui l'a casté dans, en méchant. Et après, il y a aussi Amber Head qui est là, voilà, qui ne change pas grand-chose au film. Qui fait bien son boulot. Qui fait bien son boulot, mais voilà, c'est pas non plus... Voilà. Bah, elle a pour être jolie. Hein. Ouais. Mais ouais, globalement. Et Nicole Kidman aussi. Plutôt cool de voir Nicole Kidman, que je n'avais pas vu depuis 20 ans ou 10 ans dans un rôle plutôt cool, quoi, plutôt badass. Mais ouais, je pense que c'est un film qui se veut plus cool, en fait. Qui ne vient pas chercher la même cible que les gens qui ont vu les films de Zack Snyder. Non, c'est pas la même cible, en fait, qui regarde Aquaman ou qui regarde BVS. Non, c'est clairement ça. Après, c'est aussi une question d'acteur principal. Quoi. Ça correspond très bien à Jason Momoa, le film qu'ils ont fait. Ils auraient fait un truc un peu plus intimiste, un peu plus profond, recherché. Je sais pas s'il aurait réussi à porter le film de la même façon, quoi. Parce qu'effectivement, c'est pas un excellent acteur non plus. Il est pas mauvais, mais il est pas excellent. Là où, par exemple, dans Wonder Woman, on a réussi à pallier un peu le fait que Gal Gadot n'est pas la meilleure actrice non plus. Voilà. Ouais, mais je voyais passer des trucs, excusez-moi. Je vais aussi. Oui, je viens de voir le message, là, c'était méchant. C'était très méchant. C'était pas très cool. J'ai vu passer un truc qui disait aussi que le Black Manta du film était le même que dans les comics. Mais ouais, c'est sensiblement la même chose. Ouais, mais celui des comics, Superman, il ressemble pas à Man of Steel, tu vois. Par exemple, ils ont changé son costume, tu vois. Ils lui ont enlevé le slip rouge et ils lui ont mis un truc plus cool, tu vois. Enfin, genre beaucoup plus dans l'air du temps. On aime pas. Après, le parti pris dans Aquaman, c'est d'accepter ce qui a été fait dans les comics, quoi. C'est clairement, on accepte, on assume. Aquaman, il ressemble à ça dans les comics. On va lui donner exactement le même costume. Mm-hmm. Black Manta, c'est pareil. Ocean Master, c'est pareil. Pour moi, changer le masque de Black Manta, ça aurait revenu à changer la couleur de la cape de Superman. Et là, c'est pas la même chose que de lui enlever son slip. Tu vois, c'est pas la même chose, en fait. Parce que Superman, il est pas défini par son slip rouge. Il est défini par son costume bleu et sa cape rouge. Et Manta est défini par son casque. Maintenant, si t'enlèves le casque de Manta ou t'en fais autre chose, il est ridicule, son casque. Le personnage. Bah, non, je trouve pas qu'ils se font dans cet univers, finalement. Ouais, ouais, il marche bien. Parce que là, c'est tout l'univers qui est ridicule. Les mecs sont sur des hippocampes, quoi. Tu vois. C'est vrai, bon. C'est vrai qu'il y a des crabes géants, des hippocampes, mais visuellement, c'est le film le plus comic book-like qui existe, en fait. C'est peut-être pour ça aussi que les gens ont du mal. Parce que Shazam. Ah, mais beaucoup plus. Oui. En fait, si tu veux, pour moi, Aquaman, c'est le film le plus comic book-like qui existe, parce que rien que tu prends le duel final entre Orm et Arthur, la façon dont c'est filmé, pour moi, c'est une double page de Jim Lee, quoi. Tu vois, la façon dont les mecs sont mis en... La pose, la posture, la foudre derrière, la pluie qui bat et tout, c'est, pour moi, c'est vraiment comic book à fond les ballons, quoi. Non, visuellement, c'est un film qui a clairement marqué l'intention de se détacher de ce qu'avait fait Snyder. Là, clairement, c'est à tous les niveaux. Quoi. Ça a relancé aussi pas mal le DC, quand même. DC et Clone. Bah, puis n'oublions pas que c'est le premier film DC qui fait le milliard. Oui, ouais. En plus. Ouais. En plus d'avoir des critiques quand même plutôt positives, en plus. Hein. Ouais. Non, tout le monde s'attendait à rien. Oui, et au final, les critiques ont été plutôt positives. Ouais. Le film a fait le milliard. Warner a été très satisfait. Tu vois. Avec le personnage le plus raillé de ces dernières décennies, quoi. Ils ont réussi à faire le milliard. C'est incroyable. Quoi. Ils n'ont pas réussi à faire ça avec Batman et Superman, mais avec Aquaman, si. C'est un paradoxe incroyable. Non, moi, il n'y a pas de paradoxe. Bonne question. Merci à Batsigan qui donne 10 euros. D'ailleurs, excusez-moi, je ne l'ai pas dit depuis tout à l'heure parce que je ne voulais pas casser le rythme du truc, mais merci à Romain Romain Bruce Wayne, pardon, ce soir. Merci beaucoup. Cet après-midi, merci beaucoup. Tu régales, mec. Merci beaucoup. C'est hyper gentil, mais arrête-toi parce que je vais me sentir trop mal à l'aise après. Mais continue quand même. Et merci beaucoup, Romain. C'est cool. Donc, Batsigan qui dit le DCU arrive trop tard. Deux frères qui se battent pour une cité. On avait déjà vu ça dans Black Panther. Des exemples dans Légion. La scène de Pitbull m'a fait sortir du film. La scène du Pitbull. Voilà. Oui, la musique de... Enfin, le remix de... Africa, je crois. C'est Africa. C'est vrai que le remix, c'était dégueulasse, mais voilà. Et sinon, après, il y a beaucoup de choses qui se ressemblent dans les comic book movies. C'est deux frères ennemis, enfin deux frères, oui. En plus. Ouais, après, dans... Mais après, c'est le truc de tout aussi. Enfin, c'est l'opposé de tout, c'est toujours vu, quoi. Enfin, c'est toujours... Si on va par là, c'est très shakespearien dans l'idée. Bah, hein, c'est ça, combat pour le trône. Oui.
Combat fratricide pour le trône, c'est du vu et revu, mais bon, après les comics, ils s'inspirent de grands trucs comme ça. Quoi. C'est ça. Un côté un peu tort. Vous l'entendez là, le fan des Marvel a écrit, mais c'est ça le souci des DCU, c'est que les films n'ont pas de cohérence entre eux. Voilà. C'est un problème. Après, ils ont pas de cohérence entre eux parce qu'ils ont voulu s'éloigner de Zack Snyder aussi. C'est voulu. Il y a eu des visions, comme on disait, il y a eu des visions qui sont rentrées en collision et puis voilà, c'est pour ça. C'est ça, c'est voulu. C'est fait exprès qu'il n'y ait pas de cohérence. C'est parce qu'on essaye de se détacher de Zack Snyder. C'est pas comme les films de l'époque. C'est pas comme les films X-Men. Quoi. C'est qui le. Je l'ai déjà demandé, mais j'ai oublié son nom. C'est qui le Kevin Feige du DCU ? N'importe. Il y en a pas. Ramada. Non. C'est le façade. Hein. C'est le façade. Donc du coup, il n'y a pas de personne derrière qui dirige en mode exactement comment. Bah disons que c'est Walter Hamada qui est le boss de DC Films quoi. Le pantin. Voilà, il sert à rien. Quoi. Ça n'a rien à voir avec Kevin Feige. Kevin Feige, il a vraiment, en plus d'être président de Marvel Studios, il est showrunner en quelque sorte du MCU, architecte. Tu vois ce que je veux dire. Donc ça n'a rien à voir. C'est pas pareil. Tu vois. Ouais, parce qu'il n'y a pas de. Le vrai homme à la casquette chez DC, c'est Geoff Jones, mais le problème, c'est que son rôle n'était pas assez mis en avant, je pense. C'est ça. On ne lui a pas donné suffisamment de pouvoir, entre guillemets. Et après, le truc aussi avec Geoff Jones, c'est qu'il n'est pas producteur, quoi. Oui, c'est pas son job à la base. C'est ouais, pas... ouais. Ouais, tu vois, bosser sur des comics, c'est bien, mais après, c'est sur des comics de producteur au cinéma, c'est autre chose, quoi. Voilà, et Kevin Feige, le truc, c'est qu'il est... Il est producteur et en plus le mec c'est j'ai vu la petite l'interview de Hugh Jackman là, ça fait longtemps mais où il explique justement qu'à l'époque des Teen X-Men les acteurs avaient l'interdiction de ramener des comics X-Men sur le set quoi, sur ordre de Bryan Singer qui voulait pas voir de comics il était là heureusement. Et Kevin Feige disait aux acteurs, en douce, venez par là. Hugh Jackman, il a dit, je suis arrivé dans le bureau de Kevin. Il avait son impair avec des comics. Bon, alors, ça intéresse qui les comics. Toi, tu vas à Wolverine, toi, tu vas à Gambit. Puis il a dit, je suis arrivé dans le bureau de Kevin, j'ai vu des comics et des figurines partout. Et il m'a dit, tiens, voilà, ça sur Wolverine, ça. Et tu vois, et elle est là, la différence. C'est que quand tu as un producteur comme ça à la tête de ton univers, bah, ça change tout, forcément. Ça n'a rien à voir, c'est pas... Voilà. Oz, tu veux dire quelque chose? Je te sens dubitatif. Non. Bah, juste pour finir sur Aquaman, pour ma part, c'est juste que le problème que j'ai avec ce film, j'adore ce film, c'est un de mes préférés hein, dans le DCU, mais c'est que ça manque pas d'enjeu, il y en a, mais la façon dont ils sont traités, c'est un peu tourné à la légère. Ouais. Du coup, tu ressens pas la dangerosité des situations et à aucun moment, tu vois le personnage principal mordre la poussière ou être vraiment en danger. Et ça me manque dans un film de super-héros. Ça me manque cruellement. Ah là, je suis d'accord. Ou le premier combat, tu sais, le premier combat qu'il fait contre l'autre. Là. Oui, il est battu, c'est vrai qu'il est battu. On compare avec la scène de Spider-Man contre le bouffon vert, tu sais, quand il se fout sur la gueule dans le hangar pourri à la fin du 1, tu vois la différence. Tu retrouves pas ça dans les films. Mais ça, il a saigné dans ce film, quand même, je sais plus. Ah, non, il... non. Il y avait une scène avec du sang, une scène où, mais qui a été supprimée du montage final. Arthur devait éliminer des gardes assez violemment et du coup avec le sang attirer les requins en fait. Et en fait cette scène ils ont dit c'est pas possible, ça dénote complètement avec le reste du film, donc on la regarde pas. Mais il y a une film où ils sont dans le bateau et qui sautent avec Queen Maeve, c'est ça, c'est comme ça que ça s'appelle. Ouais, avec les crêpes. Et ils passent avec une lumière et autour t'as, ouais, t'as, c'est bien. T'as toutes les. C'est super beau. Ça. C'est hyper hyper beau quoi. Vraiment, c'est magnifique, c'est vachement sublimé quoi. Ah mais visuellement c'est une gifle hein, ce film. Il y a quand même une vraie intention créative pour le coup, tu vois, c'est pas juste et je pense que c'est ça aussi que les gens aiment, c'est ce que je disais, c'est que les gens ils ont pas envie de voir un film sombre tout le temps quoi, genre un film où il fait nuit tout le temps, où il pleut tout le temps, où il fait moche tout le temps, où il y a rien visuellement, enfin je dis pas qu'il y a rien visuellement, c'est pas ça que je veux dire, mais dans le sens où il y a pas de, c'est pas sublimé quoi, genre c'est encore tout dépend du personnage et de l'histoire que tu racontes quoi. C'est ça, parce que Aquaman fais... oui, pour Aquaman je suis désolé mais non, on a pas envie de voir un film dépressif, c'est ça, alors que si tu fais Batman tu ne le mets pas dans la journée en plein soleil en plein été voilà tout ce que je veux dire, et ça devrait être la même chose pour Superman d'ailleurs, tu vois la différence dans la Atlantide de James Wan et la Atlantide de Zack Snyder dans Justice League, où là t'es sur la vieille ville, c'est des ruines, c'est sombre, tu vois rien. Alors que chez James Wan, on est dans la nouvelle Atlantide.
Et du coup, bah, c'est pas la même couleur. Quoi. Le traitement de pour vraiment vite fait en parler, mais le traitement de Aquaman dans Justice League n'est pas le même que le traitement dans Aquaman ou pardon, oui Justice League Aquaman ou dans Justice League, il est totalement déprimé, il fait la gueule, il est énervé, il est et en plus t'as l'impression qu'il est déjà Aquaman, enfin qu'il est déjà il a pas la fourche dans Aquaman. C'est pas la même. Il change. Mais il a déjà un costume quasi moi, il a déjà un costume royal, enfin t'as l'impression alors qu'il est pas censé, c'est censé être un mec qui vit sur la côte avec son père. Alors c'est comme Flash. Pas il sort, oui. C'est comme Flash dans Suicide Squad qui est un super-héros qui arrête de taper le boomerang et à la fin dans Justice League, dans le film d'après Justice League, on dit que c'est juste un mec, il sait pas trop quoi, il sait pas trop. C'est ça, le pire c'est dans Justice League, il dit ouais, j'ai jamais sauvé personne, tu vois. OK, bah écoutez, est-ce que vous avez peut-être une lecture, un truc par rapport à Aquaman ? Aquaman New 52. Ouais, voilà, c'est évidemment. Ça. Évidemment. Est-ce que je l'ai là ? Évidemment. C'est voilà. La plus grosse référence, de toute façon, pour Aquaman. C'est ça. Le film est inspiré de ça. Hein, voilà. Donc, ça, c'est le dépoussiérage. Ouais. Vous n'avez pas besoin de lire quoi que ce soit d'autre avant. En plus, c'est ça qui est cool. C'est le dépoussiérage du personnage. Par contre, c'est pas du tout le même personnage que dans le film. Là, aussi, il est un peu plus humble. Ouais. Un peu plus digne, on va dire. Plus noble, plus royal. Plus froid. Ouais, ouais, mais plus froid, du coup. Ouais, plus froid. C'est ça pas, qu'ils ont pas voulu le faire au ciné, quoi. C'est pas le rigolo du phare. Ouais, normal, non, mais dans les comics, je comprends pourquoi ils ont fait ça avec le Aquaman New 52, parce que toutes les années de raillerie, là, tu vois, fallait que le mec il arrive sérieux en mode. C'est, oui, mais, c'est comme quoi, blague, mais comme quoi, c'est, t'as pas besoin de. Pour rendre Aquaman actuel, t'as pas besoin de le Jason Momoaiser, quoi. Ah non, mais ça c'était en partie pris, histoire de dire. Voilà. Vous n'avez pas vraiment parlé du costume de Aquaman, en tout cas le moment où il a vraiment son vrai costume. Quoi. Lourd. Bah, le costume, il est super bien quand même. Le costume est super bien, il magnifique. Il est vraiment du violet, du jaune et de son hippocampe, quoi. Ouais. Et le costume est super bien. Non, il est magnifique. Le costume est super bien. Ça fait vraiment doré et tout. C'est vraiment cool. Le costume est super bien. C'est pas le bon acteur dedans. Il est dans la bande-annonce déjà, quoi. Oui, aussi. Il y a un truc qui est relou avec les anciens. Comment ? Ouais, vas-y. Non, vas-y, à toi, oui. Bah, je disais, à toute fin du film, le costume, quand t'as la séquence de fin, de clôture du film, avec le monologue, et puis qui sort de l'eau, avec le soleil derrière, et on dirait une planche Ivan Reis, quoi. C'est vraiment. Ouais, c'est ça. Les reflets sur le costume, c'est. Et tu vois, ça me fait marrer que tu parles de ça, parce qu'en fait, c'est. Je trouve que c'est un film qui renoue avec les codes des anciens films de super-héros, où le personnage est vraiment iconisé, vraiment mis en avant, mis en valeur dans son costume, dans sa façon d'apparaître à l'écran, dans ses origines story. Là, tu vois qu'il s'éclate à nager avec des dauphins et tout. Et vraiment, il y a vraiment un truc à l'ancienne, comme les Spider-Man de Raimi ou même le Superman Returns. Il y a un côté cool à être un super-héros. Quoi. Ouais, c'est ça, exactement. C'est pas un poids, c'est pas un dilemme. C'est pas malgré les problèmes que ça peut leur apporter. Mais normal, ils sont obligés d'assumer ça. Mais il y a un côté cool, t'as envie d'être Aquaman. Quoi. C'est carrément. Ah non, mais là, t'as envie de l'être. Alors qu'avant, c'était la blague. Quoi. On parle pas du t-shirt de Scomics. Ah, je représente les absents de la revue. c'est ça. On peut pas en parler parce qu'ils sont pas là, malheureusement. Bon, on croise les doigts pour la série HBO. Ouais. Je suis en film. Parlons maintenant de Billy Batson et alors là on fait une chute de 50 étages. Je vais essayer de résumer le film. On saute du haut de la tour de Dubaï. Je suis très très mauvais pour résumer les films, mais c'est l'histoire de Billy Batson qui est donc un enfant qui vit dans une famille d'accueil, enfin plutôt un enfant qui a perdu sa mère. Enfin sa mère l'a lâché du jour au lendemain en fait en plein milieu d'une fête foraine ou un truc comme ça. Et donc il vit, c'est un mec hyper isolé, hyper triste, qui est déprimé. Enfin voilà, c'est un cliché. Et en fait, un jour, il est dans le train, il rentre de je sais plus où et il arrive au niveau de comment s'appelle cet endroit ? Le Rocher de l'Éternité. Au Rocher de l'Éternité, exactement. Et il rencontre, le premier Shazam, ou en tout cas l'autre Shazam. Quoi. Enfin, tu veux mon gourdin ? Attends, ouais, et ça, touche mon gourdin. Touche mon gourdin, il fait. Non. Et donc, il transfère les pouvoirs de Shazam, parce que l'autre est vieux et il a plus la force de se battre, clairement, quoi. Et pour au final pour défendre la crypte et pour défendre son monde. Je fais vraiment hyper hyper rapide, mais
Mais avant ça, il y a déjà eu un petit garçon du même âge que Billy. En fait, le concept, c'est que ce mec-là, le mec-là, et bah, tous les 10 ans ou tous les 20 ans, il va voir quelqu'un. Et il va voir quelqu'un, il lui dit, du coup, est-ce que toi aussi, tu veux toucher mon gourdin? Est-ce que tu veux devenir Shazam? Généralement, ça marche pas. Faut le mettre en prison, ce vieux dégueulasse. Mais après, tu vois, il doit leur effacer la mémoire. Si une fille est passée et que, tu vois... Il y a un vieux monsieur dans une cave, il m'a dit tout son gardien. Il a l'air. En échange de super pouvoir. Ouais, mais il a l'air vachement intéressé par les jeunes garçons. Je sais pas c'est quoi son problème, mais. On m'entend mal, merde, on m'entend mal. Les traumatismes. On m'entend mal. Mais donc, bref, est-ce que quelqu'un peut résumer? Parce qu'apparemment, on m'entend mal, mais je l'ai peut-être mal résumé. Non, c'était un très bon résumé. Ouais, on a entendu le résumé. Toi, t'as commencé par le twist, le seul twist du film qui était entre guillemets valable. C'est incroyable, hein, le fait que sa mère l'ait lâché. Moi, je trouvais ça vachement intéressant pour le coup, le fait que Billy soit pas juste entre guillemets un enfant. Oui, qu'il ait pas perdu ses parents dans un accident de voiture. Voilà. C'est vraiment. Elle pouvait pas l'assumer, quoi. C'est-à-dire que elle l'abandonne, et du coup, ça rajoute un léger sous-texte un peu plus dramatique qui est pas forcément exploité. C'est ça qui est dommage. Mais Shazam, pour faire court, c'est l'histoire de jeune garçon, comme tu l'as dit, qui va un jour avoir des pouvoirs de super-héros et qui va du coup s'éclater à les utiliser. Hein. C'est un peu. On se demande bien pourquoi. On se demande bien pourquoi, évidemment. Mais il y a aussi cet autre, en fait, il propose à un autre petit garçon avant Billy Batson, qui est donc le personnage de Sylvana. Merci. Strong. Mark Strong, mais en plus jeune. Encore mal casté. Merci. Très mal casté. Moi, j'ai bien aimé qu'il y ait Lionel Luthor dans le film, enfin l'acteur qui faisait Lionel Luthor, la petite ref à DC, tu vois, histoire de caler un acteur DC, tu vois. Glover, ouais, j'étais content, tu vois, de le voir dedans, tu vois, genre, c'était cool. Qui joue encore un enfoiré, un père abusif ou un père qui a déconné ou de ça. Donc, comme quoi. En mode, oh, t'es une merde, fiston. Voilà. Et donc. L'accident, c'est de ta faute, t'es une merde. Et donc, du coup, oui, qui a été. Enfin, il y avait une histoire, bref, je résume hyper mal. Shazam, qu'est-ce que vous en pensez? Claqué de la merde. Non mais soyons honnêtes. Shazam. Soyons honnêtes 2 minutes là. Shazam, ça se laisse regarder. Et en fait, je pense que non. Pour moi, en fait, là, je pense que les gens ils ont pas aimé pourquoi. Et je vais essayer de défendre Shazam. Shazam, c'est un film qui est un film d'enfant pour les adultes. Où en fait, si dans ta tête déjà tu te dis pas en fait c'est un film pour les gosses. Mais pour les gosses adultes ou pour les gens qui... Enfin, clairement, en fait, c'est un gamin qui est dans le corps d'un adulte et qui fait des choses de gamin, en fait. Et le truc, c'est qu'il grandit pas, il est pas adulte, en fait. Du coup, il est totalement immature. Alors, je parle pas d'adaptation, là, ok? Je parle juste par rapport à l'histoire. Et je sais que déjà, les gens ont eu du mal avec ça, en mode genre, c'est n'importe quoi, c'est complètement con. Non, enfin, j'ai pas de problème avec ça. Ah, c'est l'adaptation ça... Non, c'est clairement ça dans les comics, en fait. Mais c'est juste que... En fait, justement, j'ai vu ça au cinéma alors que je me dis c'est un téléfilm de Noël que tu passes sur TF1. Tout le monde a dit ça, tout le monde a dit téléfilm M6. Parce que ça a cette gueule. Mais par contre, ça fait très Noël par contre. Bah parce que c'est Noël. C'est Noël. Moi, à savoir que Shazam, c'est un film que j'attends. Enfin, c'est disons que je voulais une nouvelle production Shazam. Parce qu'au final, Shazam, déjà, je crois qu'il avait pas eu de série depuis les années 50. Genre, ni série, ni film, ni rien. Le dernier truc qu'il y avait, c'était Captain Marvel dans les années 50 en noir et blanc. Ouais. Donc, je me suis dit, ils veulent relancer un projet Shazam, ça peut être sympa. Donc, j'attendais ça avec impatience. Je me suis dit, tiens, chaud. Alors, quand j'ai vu le film au cinéma, j'ai dit, mais la catastrophe. Quoi. Le film, là, on recommençait avec le truc le travers de DC, c'est-à-dire le délire des héros pas héros. J'ai vu, j'ai dit, mais qu'est-ce qu'il fait? C'est ça, parce qu'à aucun moment je me dis que le gamin il mérite d'avoir le pouvoir. Tu vois, c'est marrant, il marque ça là. Ouais, en vrai, Billy dans le film, il mérite pas les pouvoirs de Shazam, c'est pas Là, j'ai presque envie de retourner dans le délire My Hero Academia, quoi. C'est-à-dire qu'on te montre Izuku, il mérite le pouvoir d'All Might, quoi. Là, on te montre un gars, c'est certes, et il est jeune lui aussi, il a le même âge, il a 15 ans, quoi. Mais tu te dis, mais pourquoi lui? Ouais. Et puis, alors surtout quand tu sais que le vieux Shazam là avait aussi proposé les pouvoirs à différentes personnes méchants là. Ouais. Alors tu dis mais toi t'es un incompétent de base. Terre entière est au courant de cette histoire en plus. C'est ça. Tous les mecs qui ont été rejetés, qui ont été recalés, ils sont au courant quoi. C'est ça. Parce que le temps que ça a duré, parce qu'on commence quand même avec Dr. Sivana qui a je sais pas 10-15 ans. À la fin, quand il apparaît dans le film, là, en tant que méchant et adulte, il doit avoir quoi, 40, 50 ans? Je veux dire 40 ans, parce que son père, il est immortel aussi, apparemment, vu là.
Mais je me dis, putain, l'autre, il a passé 40 ans à chercher quelqu'un. Non, mais il n'y avait pas quelqu'un de plus méritant que Billy Batson. Là, pour le coup, des fois, je trouve que c'est un peu la facilité, mais pour ce projet-là, j'aurais préféré qu'on me dise que Billy, c'est l'élu, quoi. Ouais. Ouais. J'aurais préféré qu'on me dise, au moins, ça aurait tout calé, voilà, ouais, non, c'est l'élu, voilà, terminé. Ouais, c'était juste qu'il était là au bon endroit, au bon moment, en fait, c'est tout, quoi. Genre, ça peut être n'importe qui d'autre, quoi. C'est clairement ça, parce que juste avant, c'est genre, le je crois, c'est le moment qui veille le fait qu'il est méritant, quoi. Il rentre dans le métro, il arrive à cette destination, parce que juste avant, il a sauvé son copain Freddy, là, de se faire agresser par des petits tyrans. Des bullies, quoi. Des bullies qui ont 16 ans, qui arrivent avec leur permis de conduire sur le parking pour tabasser un gamin handicapé. Bah, excuse-moi, c'est quelqu'un de défendre. C'est pour ça qu'il est méritant, lui. À cet arrêt-là, on est tous Shazam. Non, mais les mecs, ils sont quand même venus. Non, je reviens là-dessus. Les mecs de 16 ans, ils arrivent sur le parking avec leur voiture. Ils sortent des nouilles de chaque coup pour tabasser un gamin. Tabasser un gamin handicapé. Arrête. C'est des malades, vous les enfermez. C'est pas Billy qui doit arriver. C'est les keufs qui doivent arriver. Oh merde, baston perdu. Bavure policière. Non, mais l'autre, il arrive tabasser un handicapé avec un nunchaku. Comme ça, pour débuter la journée avant d'aller en cours. Arrête, t'es malade. Un nunchaku, le mec, il est trompier déjà. Ouais, bon, d'accord, c'est peut-être un peu trop, quoi. Mais, moi, je trouve que, en vrai, c'est un. Moi, j'ai passé un bon moment dedans. Je l'avoue totalement. J'ai passé un bon moment parce que pour moi, j'ai trouvé que c'était un film. Mais en fait, je pense que t'as raison dans le coup quand tu dis que c'est pour toi, c'est un truc de Noël, téléfilm de Noël. Mais en fait, j'ai bien aimé ça aussi. C'est que pour moi, c'est. Est-ce que Shazam dans les comics, par rapport à tous les comics, mais pas... Shazam, est-ce qu'il a vraiment un. C'est vraiment un gros rôle ou pas de base? Oui, c'est un personnage très important. C'est un personnage déjà. Mais après, il faut savoir que c'est un personnage qui n'a pas évolué depuis sa création en 1940. Il n'a pas évolué à part son nom qui a changé. Mais le personnage, tu dis les histoires des années 40 et les histoires actuelles, c'est exactement les mêmes enjeux, les mêmes méchants. Il n'y a pas d'évolution, quoi. Il propose rien de. Donc oui, le film n'a aucun sens de base parce que le comics n'en a plus, quoi. Et le délire, c'est qu'en fait, même si ça reste un gamin dans un corps d'adulte, il est censé avoir la sagesse, qui commence par le nom de Shazam, censé avoir la sagesse de Salomon, donc c'est pour ça que c'est un héros, quoi. Quand même, c'est pour ça, je sais plus c'est dans quelle histoire, Batman et Superman, où ils envoient quand même Shazam affronter Superman, parce qu'on se dit, bon, c'est un manque de la JSA, le mec, il est digne, c'est pas juste parce qu'il est puissant, c'est que parce qu'il est capable de prendre les bonnes décisions ou quoi que ce soit. On en parlait hier avec Landry hier soir en off avec Anto et tout. Il disait que la bataille de fin, elle était plus longue qu'une saison de Game of Thrones. Enfin, que c'est hyper long. Genre, c'est vraiment hyper, hyper long. Que tout le film est lent, mais que la fin du film est très longue, quoi. Genre, t'as la scène où ils sont tous les deux dans l'air en train de se battre. Ensuite, t'as la scène où ils sont dans cette espèce de carnaval, je sais pas quoi, en train de se battre. Puis après, il y a encore une autre scène. Puis après, j'ai pas compris pourquoi ils étaient 8. J'essaie de me rappeler pourquoi ils étaient 8 à un moment donné. La Shazam Family. Ouais, les mecs se transforment en Power Rangers d'un coup, tu vois. Il y en a un rose, un bleu, un jaune, un violet. Bon. Mais Shazam, il est censé, vous l'avez, je pense, un peu amorcé. Et je crois que la scène à laquelle tu fais référence, Prince, enfin, en tout cas, je sais qu'il y en a une comme ça, c'est dans Kingdom Come. C'est encore une autre histoire, mais oui, en Kingdom Come, on l'appelle lui parce que voilà. Voilà, il doit arriver, il doit essayer de maintenir en quelque sorte maintenir Superman et tout, donc c'est quand même pas un petit joueur. Et puis, je crois qu'à un moment donné, il lui tient tête aussi, c'est juste avant Infinite Crisis dans les comics où Superman est possédé par Eclipso, et on voit que Shazam est dépêché sur place parce que là, pareil, il faut quelqu'un qui physiquement puisse tenir tête. Et je trouve que dans le film, on n'a pas cette impression que le gars, il peut éclater des immeubles, il peut vraiment tout faire, et alors qu'il est censé avoir un avantage quand même par rapport à Eclipsonien. Il fait rien avec ses pouvoirs, et j'ai beau kiffer Zachary Levi, enfin, c'est un acteur que j'aime beaucoup, j'adore Chuck. J'aime bien depuis Chuck, ouais, pareil. Ouais. Je trouve qu'il est très bien. Je pense que c'est pas un bon casting, malheureusement, et j'adore le gars, mais c'est surtout pas un bon casting. Surtout vu le costume qu'ils lui ont donné. Quand tu vois déjà qu'il n'était pas assez stock et qu'ils ont dû rembourrer son costume pour qu'il fasse. Ça se voit que c'est un costume rembourré. Il y a une batterie dans le dos pour alimenter le logo devant. Donc c'est pour ça que c'est encore plus rembourré. C'est teubé. Mettez-moi de ça en CGI. Quoi. Perdez pas votre temps à faire un costume rembourré comme ça, c'est moche.
Après, il y a le petit côté, tu sais, imagine tes gamins, t'as ce pouvoir-là, t'as envie de faire un peu n'importe quoi et tu fais pareil que lui, tu vois, quand il va dans, quand ils font les moments où ils se filment, ouais, ils font des vidéos TikTok. Quand ils feront les vidéos pour tester, t'as vu, quand ils font des vidéos TikTok. Bah non, mais pour moi, ils font ça, ils ont une chaîne YouTube, non, à un moment. Ouais, mais c'est ancré dans notre réalité. Je trouve que c'est pour ça, j'ai pas de problème avec ça. J'ai pas de problème avec ça. J'aurais des super pouvoirs, là, je ferais ça si j'étais un gamin. Tu vois. À partir du moment où tu contrebalances le truc en disant que Billy a vraiment une fibre héroïque à côté, quoi, malgré tout. Mais c'est-à-dire faire des scènes où il déconne, mais en même temps faire des scènes où il sauve des gens, d'accord. Mais en plus, là, tu contrebalances. Mais là, il n'y a pas du tout ça. Quoi. Le mec ne sauve personne. Le problème, c'est qu'il est encore plus gamin quand il est adulte, quand il est enfant. Exactement, c'est ce que j'allais dire. Il est très, très mature quand il est jeune. C'est plus mature que quand il est en Shazam. Quand il est en Shazam, c'est limite pas lui, tu vois. Enfin, L'alchimie fonctionne pas. Tu reconnais pas le personnage, quoi. Et quand il est en Shazam, en fait, il a tellement confiance que il a énormément confiance en lui. Il sait qu'il est invulnérable, invincible, ce que tu veux. Mais il y a la partie Billy Batson et il y a la partie Shazam de base, tu vois. Donc, la partie Billy Batson, ça reste quand même, c'est censé être un gamin assez cool, quoi. C'est pas comme si c'était alors Freddy, que dans le film, c'est un peu un bully, enfin, c'est une victime, quoi, dans le film. C'est pas vraiment un mec hyper cool. Ouais, il est quand même assez cool, là, dans le film. Hein. Il est là, il réussit à piller Freddy. Freddy, franchement, j'ai plus d'empathie pour lui parce que je me dis, bon, lui, il aurait mérité d'avoir le pouvoir. Pour moi, c'est plutôt Freddy quand il est gentil. Il est gentil, il est fan des super-héros. C'est vrai que Billy, dans le film, il passe un peu pour le gars cool, quoi. Le gars cool et un peu con aussi. Hein. Le gars, un peu rebelle. Il se comporte avec sa famille. Sa famille d'accueil. Tu sais, le mec un peu too cool for school, comme on dit. Tu vois, c'est tu sais, quand Billy fait ses petites références de nerd, j'aimerais pas avoir cette discussion, machin, vas-y, c'est bon. Il a ce côté-là, tu sais, j'ai mon bonnet, puis moi j'ai pas le temps, moi je cherche ma mère, t'as vu. Moi je suis un écouté, alors qu'il est dans la même ville que toi. Ouais, voilà, tu sais, il a un petit côté un peu comme ça, puis quand il est Shazam, alors là ça détonne complètement, quoi. Tu dis, ok, ça n'a plus rien à voir. La vie est fun, allez, pss. Sorti nulle part. Quelqu'un veut dire un truc de plus sur Shazam? Ouais, moi je pense que ce film a manqué le coche des méchants. C'est-à-dire que là, le méchant, il a aucune prestance à l'écran, ses enjeux sont tout flingués. Les sept péchés capitaux sont complètement ratés. T'as des espèces de monstres là, des gargouilles en CGI tout pourri. On aurait pu s'amuser beaucoup plus, tu vois. Tu prenais des acteurs, des vrais acteurs physiques, pour incarner chacun un péché, avec toute l'iconographie du péché qui va avec. Tu vois, genre pour la luxure, une meuf un peu délurée. L'avarice, un mec qui est toujours avec un porte-monnaie ou je sais pas quoi. Enfin, tu aurais pu beaucoup plus t'amuser avec l'iconographie des sept péchés capitaux. Et donc déjà, pour moi, il y a un problème, parce que là, c'est des monstres qui se ressemblent tous, tu vois, tu n'y crois pas une seule seconde. Ouais. Et puis, c'est surtout l'absence de Black Adam. Et pourquoi j'aurais voulu voir Black Adam dans ce film? C'est parce qu'en fait, ils partagent les deux la même origin story, entre guillemets, c'est-à-dire qu'ils partagent les mêmes pouvoirs. Voilà, et en fait, il y en a un qui a opté pour la voie sombre et un qui a opté pour la voie lumineuse, quoi, la voie du héros. Et en fait, ça aurait été très intéressant dans le même film de voir justement cette juxtaposition entre les deux personnages que sont Black Adam. Et puis, on aurait eu Dwayne Johnson qui aurait amené un vrai charisme à ce film. Parce que ce film manque de charisme. C'est ça. Le problème, c'est qu'ils veulent donner un film à The Rock, et donc du coup, ils n'ont pas voulu le mettre dans ce film-là. Et ils veulent faire un super vilain. Ils veulent en faire un anti-héros. Donc il est là le problème aussi, c'est que là, en plus, encore un problème qu'ils ont aussi avec leur film d'ici, c'est que si en plus ils vont dans un délire où ils veulent faire passer l'acteur avant le personnage, avant l'intérêt du personnage, là ça devient problématique. C'est ça, au bout d'un moment, c'est à l'acteur de se plier à ce qu'est le personnage. Ou alors sinon, on change, si c'était pas fait pour le rôle, alors on change. Tu vois. C'est aussi simple que ça, mais bon. J'aurais aussi une petite remarque à faire, dernière remarque, en espérant, du coup, parce que d'ailleurs tu parles des méchants, Oz, à la fin on a un méchant qui a introduit, c'est Mr. Mind. Oh, le docteur Chenipan. La petite chenille. Chenipan. Et ça, du coup, j'espère le voir dans la suite. La suite dans laquelle tous les gamins auront 20 ans. Ouais. Il y a bien un Shazam 2, donc du coup, c'est que ça a quand même marché, tu vois. Au niveau critique aux États-Unis, ça a fonctionné.
En France, ça a été beaucoup plus mitigé. Ils ont beaucoup plus apprécié. Mais aux États-Unis, ils ont adoré le film. L'ambiance de Noël, tout ça. Ah oui, une ambiance américaine, américain moyen, forcément, avec des personnages La famille, en plus, c'est la famille comme ça, la famille Juste le seul point positif que je vais accorder à ce film, c'est les parents adoptifs. Je les ai bien appréciés, je me suis dit. Ils sont vachement sympas. L'autre, ils sont pas vraiment comme un con avec eux. C'est bien vraiment crédible. Voilà, c'est vraiment une belle petite famille. C'est des bons parents. Tu vois. Ils sont attachants. Ils sont attachants, c'est vrai. Ils se comportent un peu comme un con, je suis d'accord. Juste un petit conseil de lecture pour terminer. Conseil de lecture, vas-y. Le comics qui a inspiré le film, justement, la différence, c'est que là-dedans, il y a Black Adam. Et du coup, t'as des vrais enjeux, t'as un vrai vilain, voilà. Et ça, pour le coup, c'est cool. Et c'est magnifique, c'est Gary Franco dessin. Donc ceux qui ont aimé le film, vous aimerez encore plus ça, parce que forcément, il y a plus d'enjeux, voilà, il y a un vrai vilain, il y a du charisme. Je vais expliquer ce qui manque au film. Et de l'héroïsme. Ouais. Et de l'héroïsme. Et puis, il y avait un film d'animation d'ici, c'était quoi le titre? En tout cas, c'était Shazam et Superman contre Black Adam. Enfin, c'était pas un film, c'était un truc super fou. Ouais, mais c'était un truc sympa quand même. Tu veux ajouter un truc, Anto, sur une truc comics ou pas? Non, juste qu'ils ont encore manqué de respect à Henry Cavill, mais ça, c'est... c'est vrai. Superman, parlons vite fait de la scène Superman. Oh, le caméo décapitation. Oh non. Le caméo, il n'y a pas la tête de Henry Cavill. Pourquoi faire un caméo s'il n'y a pas sa tête, en fait? Je comprends pas, j'avoue. Bah, tout simplement parce qu'ils ont pas, ils avaient rien de prévu pour l'acteur et ils l'ont pas rappelé. Ouais. Ils ont pas voulu repayer Henry Cavill pour une scène comme ça, alors qu'ils savent même pas ce qu'ils veulent faire du personnage à l'heure actuelle. Enfin, apparemment, il y a eu des dernières petites nouvelles. Voilà, c'est là-dessus. Mais de base, le Superman Henry Cavill, ils savent pas trop quoi en faire. Surtout à l'époque. Donc, bon, autant pas ramener Cavill et faire une scène pourrie comme ça. Surtout quand je les suspecte d'avoir fait un film Shazam pour remplacer dans la Justice League Superman par Shazam. Si Shazam avait eu un succès. Tu vois, si Shazam avait, si Shazam avait vraiment marqué box office, je les suspecte d'avoir eu ça, parce que Shazam, elle est même pour, c'est un Superman bis, quoi. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il est, il est beaucoup plus fun, quoi. Le film est beaucoup plus fun. C'est vrai que le ton. Justement, c'est ce qu'ils cherchaient à faire d'ici. Ils voulaient rendre tout leur univers fun pour se démarquer de Zack Snyder. Et moi, je les suspecte d'avoir intenté ça, tu vois. D'avoir envisagé ça. Ah, ça, je sais pas, parce qu'ils ont quand même conscience que Superman, c'est Superman, tu vois. Effectivement, les histoires de Shazam, elles sont assez limitées, quoi. Ah oui. Je sais pas. De toute façon, mais peut-être, vu comment ils sont limités avec Superman, ça m'étonnerait pas. Alors, on va passer à... Excusez-moi, juste une seconde. Je vous laisse terminer sur Shazam. Une seconde, pardon. Vraiment, balancer un sujet sur Shazam. Excusez-moi, On en reparle à quel point c'était claqué. Non, mais c'est terrible. Hein. C'est terrible parce que quand on demande de la diversité chez DC Films, on nous donne ça, quoi. Et je trouve ça dommage parce qu'on avait enfin un personnage, mais du coup, on ne peut pas vraiment s'attacher à lui. Potentiel gâché. Potentiel gâché, ouais. Tellement mieux à faire avec un personnage comme ça. Non, puis je pense tout simplement aussi Shazam, c'est un personnage sympa que j'aime bien, mais il y avait d'autres personnages à faire avant Shazam. C'est l'heure de quoi? Ah, du sel. C'est l'heure d'un peu de sel. On est vraiment parti chercher du sel. T'aurais dû prendre du gros sel. gros sel. C'est l'heure du sel. On parle maintenant de Bird of Prey. Bird of Prey, j'aimerais que, je sens que t'as vraiment envie d'en parler, tu vois, je vois sur tes yeux, Prince, je sens que t'as vraiment envie d'en parler. Je savais qu'il était pour moi, encore une fois. Ah oui. Le sel est approprié. Le sel est approprié, tu vois. Bah, puis en soi, on l'a vu il n'y a pas si longtemps que ça. C'est vrai que c'est frais, c'est frais. Et puis, attends, juste une chose, qui l'a vu? Tout le monde l'a vu ici? Ah, ce matin, ce matin. Toi, tu l'as vu, donc. J'ai ouvert les veines, j'ai dû mettre un petit tour de table vite fait. T'en as pensé quoi, Anto? Claqué, mais peut-être moins claqué que Suicide Squad à mes yeux, parce qu'au moins, il y a une identité, au moins, il y a quelque chose. Mais en vrai, c'est clairement pas un film qui s'adresse à moi, et j'ai bien senti que je suis pas... Moi, je dirais la même chose que lui, c'est un des films les plus pourris. Mais par contre, le seul point que je vais sauver de ce film, c'est la réal qui est vachement... c'est du sous Tarantino, mais faites pas dire ce que j'ai pas envie de dire. Ouais. Mais il y a une ambition un petit peu à la Tarantino, un truc déluré qui part dans tous les sens. Et la manière de figer l'image pour présenter un personnage en rajoutant une anecdote dessus. Il y a des choses comme ça qui sont vachement sympas. Ça rappelle Borderlands pour ceux qui jouent au jeu Borderlands. C'est cool. C'est vrai que ça fait un peu sous Tarantino, c'est vrai. Ça, c'était sympa, mais c'est le seul truc que je sauverais du film. Je vais être très méchant concernant ce film.
Ah, bah alors. C'est bien, le sel va être éparpillé. Le sel. Alors, je sais pas de quel côté je vais mettre le sel maintenant. Mais Prince, partout, vas-y, Prince. Un peu de sel partout, là. Allez. Alors, que dire de ce film claqué? À part que quand t'en ressors, tu culpabilises d'être un mec, en fait. Tu vois. Exactement. C'est, pour moi, il n'y a pas d'autre message dans le film. Enfin, le seul message, c'est si t'es un mec, tu pues la merde. Voilà, c'est ça. L'émancipation des femmes. Ouais, l'émancipation des femmes. Sauf que ça rend du caricatural. C'est pour ça que c'est encore plus drôle. C'est pas comme Wonder Woman où c'est plutôt intelligent. Il y a pas. C'est très accentué. Et c'est le message. C'est mal, quoi, en fait. C'est bien surtout. Haineux. Évidemment, c'est haineux. Très haineux. Elles ont toutes un problème avec un homme. Quelle qu'elle soit. Tous les hommes du film sont des salopards. C'est ça. Même le petit commerçant là, qui donne une chambre à Harley Quinn à l'étage alors que c'est une criminelle, ou c'est un enfant. Il faut voir le commentaire de la réalisatrice une fois qu'elle a vu que le film était un échec et que mauvaise critique, mauvais retour box-office. C'est à cause des hommes blancs, j'imagine, elle a dû dire un truc. C'est-à-dire que c'est parce que c'est les hommes. On n'a pas apprécié le film, on n'est pas venu voir le film, on l'a pas apprécié, on l'a catalogué. Alors que la vérité, c'est que c'est vrai que c'est bien connu que les comic book movies sont vus que par des hommes. C'est n'importe ça. Quoi. Non, mais il y a plein de femmes qui sont pas venues voir ton film ou qui ont pas aimé aussi. Il y a trois facteurs. Déjà, c'est rated R, donc c'est pas pour tout le monde. Donc les enfants, ils vont pas pouvoir y aller. Deux, la crise du Covid. Bon, excuse-moi, c'est tombé pile avant. C'est pas la faute des hommes s'il y a le Covid. Hein. Je pense pas. Pas que. Et trois, on est tous d'accord pour se dire qu'on se sent insulté dans ce film, on va pas y aller. Je sais pas, moi j'ai vu ce film, je vais pas dire à un autre mec, vas-y, ça va te faire plaisir. Non, c'est vrai, ils sont insultés, je suis d'accord. C'est compliqué. Mais absolument tous sont là, sont dit. Et rajoute le fait qu'il y a des femmes qui n'ont pas aimé. Ah oui, tout simplement aussi. Il y a des femmes qui n'ont pas voulu aller le voir ou qui l'ont vu. Il y a des femmes qui ont aimé, il y a des hommes qui ont aimé, mais il y a aussi beaucoup de femmes qui n'ont pas aimé le message du tout, tu vois, et j'en connais beaucoup. C'est ça, et il faut arrêter. Après, je ne vais pas rentrer dans des trucs trop politiques, on n'est pas là pour ça, mais. Non. Et le petit commentaire de René Montoya en fin de film, quand Black Mask a trouvé la mort, fuck the guy. Elle dit fuck the guy. Pas anodin. C'est pas anodin. C'est fuck the guy. Il y a ça. Et quand le générique commence à tourner, les petites images qui sont montrées, c'est des hommes qu'on envoie à l'abattoir. Qui se tirent. C'est pas du tout un message. Et dans la séquence finale où il y a le gros combat là, dans l'espèce de manège, là, tous les hommes portent un masque parce que du coup, c'est ce qu'on appelle c'est de la déshumanisation en fait. C'est pour enlever une identité aux hommes. Et tu écouteras les mecs, ils ont leur masque, ils sont là, tu vois, ils poussent des grognements comme ça. T'en as un qui se jette la tête la première dans un toboggan tellement il est stupide. L'homme, il est vraiment réduit à ça. Quoi. Man of Gotham, c'est le Black Mask. Black Mask dit à ses hommes, Man of Gotham. D'ailleurs, Gotham City n'existe pas dans le film. Mais même dans le chat, si vous êtes une femme et que vous n'avez pas aimé le film, ou même que vous avez aimé le film, dites-le dans les commentaires que je fasse dans ma tête, que je vois exactement, je sache un peu. Black Mask, parlons-en. Qui s'appelle Black Mask et qui ne le porte pas une seule fois pendant le film, c'est ça? Une heure et demie avant qu'il mette son masque. Moi, j'ai bien aimé. Un côté Heisenberg. Je vais être honnête avec vous. Je vais vraiment être honnête avec vous. J'ai bien aimé juste le côté. J'ai bien aimé l'aspect réalisation, comme j'ai dit. Cathy Yan a bien géré au niveau de la réalisation. Maintenant, j'ai bien aimé également, pour être tout à fait honnête encore une fois. le sandwich à l'œuf. Il m'a donné faim, son sandwich. Voilà, on est d'accord. Il m'a vraiment donné faim. Et surtout, j'ai bien aimé que ce soit rated R. J'ai trouvé que c'était, pour le coup, ça ajoutait quelque chose, tu vois. Pour le coup, enfin, t'as des scènes, t'as une scène où t'as Harley Quinn qui saute sur les jambes d'un mec. J'étais vraiment mal à l'aise, tu vois. Ça rigole pas, tu vois. T'as une scène où t'as des gens qui sont dégoûtés. T'as des gens qui sont découpés le visage au début du film. T'as quand même des scènes un petit peu violentes, tu vois. Et c'est là où DC se démarque. Je vais prendre le concurrent, mais parce que c'est le cas. Hein, c'est là où DC se démarque de Marvel en faisant du rated R. En fait, ils font du rated R, mais pas vraiment assumé, dans le sens où ils font du rated R avec beaucoup de comédie, comme Marvel a fait, ou comme la Fox a fait, avec du rated R, avec Deadpool, avec beaucoup de comédie également. Tu vois, parce que ils veulent de la violence, mais avec de la comédie, parce qu'ils veulent pas juste de la violence pure, quoi. Bah ouais, mais après, Harley Quinn, ça reste quand même une mini-comédie aussi, non, vu comment c'est. Oui, c'est une comédie, quoi. Vu comment c'est avancé. Le principe de base, c'est quand même une jeune fille qui a avalé un diamant et faut qu'elle le chie à la fin du film. Le propos est pas terrible non plus. Pour moi, c'est une comédie. C'est autre chose que Deadpool qui va retrouver sa dulcinée parce qu'il s'est fait,
il s'est fait des figurines. Il y a des gens qui s'inquiètent pour toi, Prince. Ça va, ça fait. Et puis le je sais pas. Pour moi, c'est le Redditor est pas justifié pour ce film-là. Tu sers pas à grand chose. Ils avaient pas besoin de faire du Redditor. Je veux dire, c'est pas Logan, quoi. Ah bah, ils en ont pas fait avec Suicide Squad, quoi. Donc, à partir du moment où ils en font pas avec Suicide Squad, alors que pour le coup, c'est peut-être Suicide Squad qui aurait peut-être dû avoir des Reddit Art par rapport à d'autres frais, quoi. Ouais. On sent la gratuité aussi des grossièretés qui sont vraiment posées, genre juste pour le lol. Parce que on est Reddit Art, regardez comment on s'éclate à dire des gros mots. Ça n'a aucun sens. Ouais, c'est un Reddit Art pipi caca, en fait. On fait du Reddit Art pour faire kiffer les ados qui vont dire « Oh, c'est trash, hein !» Mais ça n'a pas besoin d'être Reddit Art. Je vous dis, il y a une différence entre ça et Logan. Ah, ben ça, oui. Logan, oui, tu dis Reddit Art, c'est justifié. Logan, toutes ces années, on a demandé mais... Reddit Art, c'était justifié. Mais ça m'a quand même réconcilié avec le personnage de Harley Quinn dans le DCU, parce que je trouve que on aime pas, mais je peux comprendre que les filles ou que les mecs ou n'importe qui, des gens aiment le film par rapport au fait que les meufs sont badass, qu'elles sont stylées, qu'elles se battent bien, qu'elles défoncent des gueules, quoi que ce soit, ça peut être hyper cool. Les filles sont dégueulasses. Bah ça dépend, j'ai bien aimé la scène dans le commissariat, moi. Ça va. Ouais, les mecs attaquent les uns après les autres, c'est un peu relou, quoi. Voilà, c'est un peu jeu vidéo quoi. Ils posent des actions. Quand ils jouent Assassin's Creed, les mecs ils font la queue pour venir battre. Ah oui, voilà. T'as dit quoi, Anto ? Surtout que c'est des flics. Non, mais c'est ça, je rejoins les camarades, c'est-à-dire qu'ils posent vraiment chaque mouvement de l'action pour vraiment te montrer le truc, mais le problème c'est que ça n'en devient pas crédible parce que les autres, comme disait Prince et Oz, ils attendent derrière, quoi. Et ça se voit, enfin, je trouve que ça se voit à personne. Oui. Peut-être parce que je bouffe de plus en plus de films d'action et je commence à voir certaines mécaniques, mais là, franchement, ils attendent leur tour à chaque fois, quoi, pour attaquer. Ça me rappelle les trucs genre Chuck Norris, Walker Texas Ranger, où les mecs attendent. T'as pas envie de voir ça en 2020. Puis c'est une Harley Quinn qui veut faire de mal à personne, qui utilise un truc factice avec des paillettes, là. Enfin, j'ai pas envie de voir ça, quoi. Ouais, mais c'est encore la volonté de faire d'Harley Quinn une gentille. C'est ça, exactement. Parce qu'il faut que les gamines s'identifient à elle. Il faut que... Quelle image. Quel message, quoi. Quel message. Harley Quinn, icône féministe. Allez, alors sur le papier, c'est tout ce qu'il faut pas être, quoi, quand t'es une femme. C'est la femme battue, méprisée par son homme et tout. Et puis... c'est ça, en plus, à cause de Suicide Squad, on s'est retrouvé avec plein de filles qui voulaient être Harley Quinn et représenter un amour avec un Joker. Mais quand je voyais ça, je me disais, mais qu'est-ce que vous nous avez fait, quoi. Non, Harley Quinn, c'est clairement pas ça. C'est elle est amoureuse de quelqu'un qui ne l'aime pas, en fait. Elle se fait battre par quelqu'un qui l'aime pas. Une psychopathe, c'est ça, simplement. Ils veulent l'émanciper, c'est une bonne chose, c'est parce qu'en fait, ils veulent émanciper une femme qui se fait battre par son mec. Mais la façon dont ils l'émancipent, ils en font une petite garce, quoi. C'est ça. Merde, faisant quelqu'un de plus intéressant, moins porté sur le. Tu vois, quand elle lèche son poteau dans Suicide Squad, ou alors, tu vois, toutes les références au cul comme ça, t'as pas besoin de voir ça, quoi. Non, je suis d'accord. Donc Harley Quinn attaque un commissariat, explose Ace Chemicals, Black Mask cherche à tuer une gamine et Batman est introuvable à Gotham, gênant. Batman, ils s'en bat les couilles. D'ailleurs, c'est pas Gotham, Batman, j'ai pas vu Gotham City. Non, c'est pas très Gotham. J'ai l'impression d'être dans New York. Voilà, c'est pas non plus les Birds of Prey. Non, il y a pas Barbara Gordon. Black Canary, c'est à peine Black Canary. Oui, c'est pas vraiment Black Canary. Ah oui, c'est Black Canary, ouais, c'est clair. Bah, tu passes de Black Canary de la CW à ça. Petit Cassandra Cain. Pour le coup, je préfère à CW, quoi, pour le coup. Quoi. Ah oui, ouais, bien sûr. Et pourtant, je la trouve ridicule dans la CW aussi, hein, mais comme quoi. Huntress avec son survêt tout pourri, le coq sportif, là. Oh, j'ai de la place. Son église, c'est quoi ce vieil arbalète, là. Mais c'est même pas des costumes, c'est des tenues, quoi. C'est des survettes. C'est des survettes des années 90. Mais pourquoi est-ce qu'ils font ça? C'est pathétique. Il y en a une qui avait vraiment. Ouais, c'était Huntress qui avait vraiment un survêt années 80. Un survêt des années 90 que tu mets le dimanche pour courir en 95, pardon. Elle a parlé, Margot Robbie, de ce film ou pas du tout? Elle en a pas parlé? Je sais plus. Maintenant, depuis que c'est sorti, depuis que ça a fait un four et qu'ils en feront pas de deuxième, je pense. Il est sorti quand, Birds of Prey? En février 2021. Ouais, 2020. Ouais. Ouais. C'est vrai que il est sorti un mois avant le confinement général, quoi. Ouais, c'est ça. Moi, je me rappelle plus trop de la promo. Il est sorti très très rapidement sur toutes les plateformes. Ouais, je me rappelle plus trop de la promo. Mais j'étais en train de penser au fait s'il était sorti avant ou après
Once Upon a Time in Hollywood, là, je me dis. Ah oui, oui, il y a un grand écart entre les deux, la promotion. Il est de 6 mois à peu près. Pareil. Ouais, c'est ça, non, mais j'ai oublié. Il y a bien 6 mois entre les deux, ouais. Ouais, mais je l'ai vu pendant le confinement, ce film-là, c'est pour ça que j'ai oublié. Après, moi, j'ai trouvé le film décevant, mais après, je vous l'ai dit au début du live, c'était il y a longtemps maintenant, peut-être qu'on ne se rappelle pas, mais j'ai dit que j'avais commencé le film et que je ne l'avais pas arrêté, je ne l'avais pas continué, ce qui veut dire que. Déjà, voilà, moi je t'ai dit, j'ai vu 1h15 de film, ça m'a suffi, c'est bon, pas besoin de voir la fin. Il y a une scène pas générique, ça nous tease un truc, il y a un truc. Je me rappelle pas, mais s'il y en a une, ça doit être un gag avec Harley Quinn. Tout, la passoire, non ? Je sais pas. Hein ? J'ai vu ce matin, mais c'est la passoire, non, le truc avec le diamant. Ah non, c'est dans le film. Ah, ça. Oui, ah oui, bah ouais, bah parce que elle passait son temps à faire quoi, à manger du jus de pruneau. Enfin, ouais, ça, du jus de pruneau, ouais, exactement pour les toilettes, quoi, pour lâcher le diamant. Et ça, il y a le logo d'ici au début, les gars. Il y a le logo d'ici quand le film commence. Et moi, je vois ça, mais je suis en pleurs, c'est possible. Mais oui. Par contre, il y a un truc qui est super bien fait que j'adore. C'est le générique de fin. Magnifique. Et c'est le cas de tous les génériques de fin des films d'ici. Vous amuserez à regarder les génériques. Ils sont magnifiques. Tu vois, parce qu'à mon avis, c'est les mêmes qui doivent faire les animés, je pense, les openings sur les dessins animés, parce que c'est vraiment le même genre d'esthétisation et tout de l'univers, le même genre d'animation. Et ça, c'est les génériques de fin sont magnifiques. Hein, comme même Suicide Squad. De toute façon, et en plus, t'es content quand il arrive. On est tous d'accord avec ça. Ou je pense que au niveau de la réalisation, on est tous à dire que c'est plutôt bien fait, que c'est plutôt cool. Enfin, à part Prince. Mais c'est juste que bah c'est non mais c'est le délire à parler Nakama en fait non mais après c'est vrai que le film est joli, ouais. Non, je suis d'accord, il y a des belles couleurs, c'est bien filmé j'aime bien le côté narrateur, ce genre de choses, le fait que bah c'est tellement déstructuré qu'elle fait ce qu'elle veut en mode elle commence par la fin, puis après elle revient une semaine plus tôt, puis après elle repart un mois plus tôt, puis 4 ans plus tôt, enfin je sais pas ce que tu veux. J'aime bien le délire de faire un peu ce que tu veux, vu que bah c'est accentué par le fait qu'elle soit totalement tarée dans sa tête et qu'elle réfléchit à 2000 à l'heure et qu'elle pense à plein de trucs dans sa tête en même temps, et que bah le narrateur, pour le coup, vu que c'est elle, eh bien elle fait ce qu'elle veut par rapport au scénario, tu vois. Que ce soit son histoire qu'elle raconte, le fait que là elle parte à 100 à l'heure dans d'autres histoires dont elle est pas au courant, tu vois. Mais, hein, ouais. Elle commence à interroger. Parce que elle se rencontre tous. L'histoire de Black Canary, par exemple. Et en plus, elle passe par son histoire, elle revient à la sienne, elle embranche avec l'histoire de Brody Montoya. Mais, bon, montrez-moi tout chronologiquement. Moi, pour moi, c'est tout simplement, c'est un film qui essaye vraiment de nous faire bouffer du Harley Quinn une nouvelle fois, encore du Harley Quinn. Il y a un 2 qui est ou pas ? Non. On la reverra. Heureusement. Je vous rappelle qu'il ne devait pas y avoir Suicide Squad 2, les gars. Pourtant, il y en a un deuxième. Donc, Ah, mais c'est pas le 2. Ouais, puis Suicide Squad, quoi qu'on en dise, il avait marché au box-office. Hein. Elle est dedans ou pas, Margot Robbie, dans le Suicide Squad 2 ? Bien sûr. Ouais. Ouais, elle sera peut-être moins mise en avant, moins exposée, ce sera bien. Ouais, sera moins exposée. La vidéo qu'ils avaient fait sur le film, elle n'était pas du tout exposée, ouais. Tu vois. Bah, bizarrement, après Birds of Prey, tu vois. Ils se sont dit vraiment. Ouais, bon, crois-moi que si Birds of Prey avait fonctionné, ils auraient foutu Harley Quinn en avant pour vendre le film et tout, mais Mais je suis content que Birds of Prey ait vu le jour, parce qu'à la base, ça devait être un film Gotham City Sirens, et vu le traitement qu'ils ont réservé à Huntress et compagnie, j'aurais pas voulu voir Catwoman, qui est mon perso préféré, là-dedans, quoi. Tu vois. Ouais, dis non. Ouais, non. Non, mais clairement, ce film-là, c'est 12 sur 20, quoi. Je n'en attends derrière, je suis quand même déçu. Ouais, bah écoutez, et vous avez le temps de parler de Justice League un petit peu ou pas ? Ouais, allez. Pas du tout. On parle rapidement de Justice League. Et comme, parce que je trouve ça drôle, j'aimerais qu'Anto nous parle de Justice League. Oh non. Ah, t'as voulu esquiver tout à l'heure. T'aurais pas dû le dire, mec. T'aurais pas dû me dire, ouais, j'ai esquivé, quoi. Non, mais très rapidement, t'inquiète pas. Et bah, très rapidement, Batman veut monter une équipe après la mort de Superman. Moins rapidement, quand même. Waouh! Together! Les bandes annonces étaient très bien. Hein. La bande annonce où ils réutilisent le thème de Man of Steel était très bien, au passage. Mais arrivé dans le film, t'arrives dans un moment où Batman a repris espoir en l'humanité. Il contacte tous les membres évoqués dans le film précédent. Et ils doivent contrecarrer une invasion alien menée par Steppenwolf, le disciple de Darkseid,
qui décide de faire la mainmise sur les Motherbox, des appareils cosmiques aux pouvoirs infinis. LOL. Et du coup, on arrive dans un film où le combat final se déroule dans un endroit paumé, où il n'y a personne qui est en danger, à part une famille de trois pélos sauvés par Flash, qui, comme l'a dit Prince tout à l'heure, ne peut rien faire de mieux que de parler de Dostoïevski, hein, encore une fois, petit cliché. Et puis, tout ça dans une ambiance un peu bon enfant, où Superman, que j'adore pourtant, hein, est traité de manière beaucoup trop en virage par rapport à ce qu'on avait vu avant. Et on est dans un produit Frankenstein, tu l'as dit tout à l'heure, Prince, mais c'est exactement ça. Un croisement entre Zack Snyder et Joss Whedon. Hein, donc, c'est un peu comme si on mélangeait, je sais pas quoi, une comédie américaine avec un film sur, je sais pas, sur le terrorisme. Et forcément, ça donne des choses qui n'ont aucun sens entre elles et ça donne une impression de mais, quoi. Donc, bon. Moi, je trouve que les gens sont un petit peu pas durs. Alors, c'est pas ça que je veux dire, si je peux me permettre une... Vas-y, on te termine, parce que je... Non, bah, je vais terminer. À part le fait que le seul point positif de Justice League, pour moi, c'est que ça nous a donné un très bon Henry Cavill dans Mission Impossible Fallout, mais ça, après, c'est un autre débat. Moustache Gate. Moi, je suis assez... En fait, ce que je trouve un peu abusé, c'est les gens qui pensent que Joss Whedon a massacré le film délibérément. Non. Ouais. En mode du genre, il a été viré de Marvel parce qu'Avenger 2 a pas marché. Ils l'ont pris. Tout le monde crachait dessus. Tout le monde se foutait de sa gueule, ce genre de choses. Et forcément, bah, il a délibérément détruit Justice League pour montrer aux autres que bah, nique sa mère. Enfin, clairement quoi. Je sais qu'il y en a certains qui le pensent ici, hein. Peut-être. Hein. C'est une foirade collective. C'est important de le dire. Faut pas mettre la pièce sur telle ou telle personne. Ils se sont foirés, mais pour le coup, ensemble. Hein. C'est vraiment Justice League, mais avec les toujours de la faute du type de Marvel. T'as dit quoi? Je dis toujours de la faute des mêmes. Les CGIA et compagnie, ils étaient de pensants. Voilà, c'est ça. Après tu prends deux réalisateurs qui n'ont pas du tout la même vision. Ils ont fait, et encore une fois, c'est pas la première fois que Warner fait ça, hein. C'est-à-dire qu'en fait, Warner a fait ça avec Joss Whedon parce que Avengers, pour rattraper le travail de Zack Snyder, enfin, le travail, il avait perdu sa fille en même temps qu'il s'était suicidé, donc forcément qu'il a arrêté. Je crois qu'il a été viré en plus dans mes souvenirs où il est parti, mais différents artistiques. Bah, tout, on a eu des petites infos supplémentaires ces dernières semaines là-dessus d'ailleurs. Apparemment, quand il était encore sur le tournage, Tsujihara, donc le PDG de Warner Bros à l'époque, avait demandé à Geoff Jones et à un autre producteur de chez WB de surveiller Zack Snyder en fait pendant le tournage de Justice League. En fait, il avait deux personnes qui étaient tout le temps surveillé pour pas qu'il fasse n'importe quoi au scénario, ouais. Dans sa tête comment il était. Il était fliqué, et puis il avait le suicide de sa fille à gérer. Il a dit vas-y, je me barre de ce bordel. Il a bien eu raison, quoi. Voilà. Il a lâché le truc, quoi. Ouais. Et puis bah après ils ont pris Joss Whedon. Alors c'est vrai que ça a rien à voir, mais justement c'est ce qu'ils voulaient, quoi. Ils se sont dit le mec il vient de chez Marvel, il a fait Avengers, c'est ce qu'on veut, quoi. On veut que notre Justice League il fonctionne, ou à défaut de fonctionner, qu'il se crache le moins possible, quoi. Alors après le truc c'est que bon bah c'est ce que je dis, Warner aime bien prendre des réalisateurs de chez Marvel qui ont cartonné, tu vois, avec dernier exemple en date, James Gunn, quoi. Donc voilà, quoi, Justice League, c'est le film qu'on connaît, quoi. C'est voilà, quoi. alors moi, bizarrement, alors encore une fois, que je suis un fan de DC, que j'attendais un film Justice League, je m'en fous complètement de ce film. J'en suis ressorti, ouais. Beaucoup. On n'est pas allé le voir au cinéma. Encore, mais je veux dire, quand je l'ai vu, j'ai été beaucoup moins déçu qu'un BVS, par exemple. Parce que le mal était déjà fait pour toi. C'est ça, le mal était déjà fait, j'ai vu ça, j'ai dit oui, bon. Plus, voilà. Pertinemment, ça n'a rien donné. Donc... Voilà, comme dit Anto, c'était le suicide, quoi. C'était l'erreur collective, c'était l'erreur de trop. C'est un peu le prix de toutes les erreurs qu'ils ont fait depuis le début, depuis qu'ils ont commencé. Et puis voilà, quoi. Écoutez. Ouais, moi, j'ai envie de balancer un truc. Je sais que Host attend beaucoup la Justice League. Je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler de la Justice League, mais de la Snyder Cut, pardon. Mais est-ce que c'est pas le problème de l'histoire, le problème au final, pas le film en lui-même, c'est peut-être l'histoire qui a un problème aussi, non? Pourquoi le film a été si tu la vois
comme un what if, comme on disait au début du live. Moi, le Snyder Cut, je vais le voir comme ça. Je vais le voir comme un. Il n'y aura rien derrière, je le sais. C'est une histoire de la Justice League, voilà, qui se bat. D'ailleurs, elle se bat contre Darkseid, qui est censé être l'ennemi qui devrait arriver à la fin, tu vois, après 10 ans. Il arrive à la fin, ouais. Ouais, voilà. Et là, c'est dès le premier film. Donc, du coup, je vais le voir comme une histoire unique, comme le Justice League aux origines que je voulais présenter, du coup, voilà. Je vais le voir comme ce que j'ai lu là-dedans, le Justice League 52, sans rien d'autre. Un what if, parce que du coup, Batman et Superman n'ont pas du tout les mêmes âges. Enfin, il y a plein de trucs qui m'emmerdent. Il n'y a pas Green Lantern, j'aime pas ce Barry Allen. Il y a plein de trucs qui me font chier. Mais j'ai envie de voir ce qu'avait prévu de faire Snyder, parce que je sais que je vais m'y retrouver niveau iconisation du personnage. Je sais que je vais avoir ma dose de Superman. Tu vois, je sais que je vais avoir un Superman qui, pour le coup, sera bien représenté à l'écran, quoi. Dans des magnifiques plans. Un commentaire intéressant, mais c'est vrai, quand est-ce que vous complimentez DC, les gars? Quand ils arrêteront, bah, quand fait, ils... Non, en vrai, on l'a fait, ça va, en vrai. On l'a fait sur Aquaman, on a dit des bons trucs sur Bird of Prey, on a des bons trucs sur Man of Steel, sur BVS aussi. C'est vrai qu'au final, on a été en plus assez... On a donné notre avis, mais on a été juste dans le sens où on a donné... On l'a fait, bien sûr. On a dit des bons trucs. Justice League, tu le trouves comment, toi, Anto? Moi, je trouve que c'est un acte manqué. On l'a dit, ils ont pas réussi à performer à ce niveau-là. C'était pas possible de performer. Tu peux pas condenser un film, enfin deux ou trois films en un seul de 2 heures, parce qu'il y avait ça aussi, hein, le fait qu'ils étaient limités niveau temps à l'écran. Je trouve que c'est pas le pire film qui existe. Attention, il y a bien pire que ça. Voilà, il y a des choses qui sont beaucoup moins. Il faut relativiser, quoi. Faut pas trop s'emporter là-dessus. Par contre, moi, c'est vrai que si la Snyder Cut n'avait pas eu lieu, j'aurais pas été contre le fait de passer à autre chose. Hein. Moi, voilà, personnellement, je suis pas non plus un fanatique de Snyder. Attention, je trouve qu'il a fait très bien, mais je passe à autre chose. Hein. Mais pour le coup, vu qu'on m'annonce qu'en effet, il va peut-être pouvoir entre guillemets conclure son travail, je suis très intrigué et j'ai quand même envie de voir ce que ça va donner. Maintenant, le film qu'on a eu nous au cinéma. C'était vu, c'était oublié. Moi je suis allé au cinéma parce que j'y croyais peut-être un peu, et puis Henri Cavill, tout ça, voilà, je l'ai déjà expliqué tout au long de ce live. C'est pas à la hauteur de l'ambition, on va dire, qu'avait apporté l'équipe de production jusqu'à présent, quoi. Et clairement, c'est presque un peu honteux pour eux, mais c'est pas le pire. Voilà, c'est pas le pire. C'est pas le pire, mais pour beaucoup, c'est quand même le pire, quand même. Bah, c'est juste parce que c'est les héros iconiques, c'est les héros principaux. Ouais. C'est pour ça, ils les massacrent. Ça fait moins chier quand on massacre la Suicide Squad, tu vois. Là, quand on s'en prend à Superman, tout de suite, c'est plus compliqué, quoi. C'est pour ça, je pense que pour beaucoup, c'est le pire. Après, en termes cinématographiques, c'est pas le pire, non, ça c'est clair. Hein. Enfin, je pense pas. Il y a même des bons trucs, hein, tu vois. La scène à Themyscira, elle est assez cool. J'aime bien la grosse bataille qui malheureusement a été chuté au montage dans le film de Joss Whedon, parce que du coup, t'as une belle bataille épique façon Seigneur des Anneaux, et on te la cut avec des vieux plans sur Diana au bord du lac avec Ben qui lui raconte le truc, tu vois. On n'a rien à foutre, quoi, de ça, tu vois. J'aurais voulu voir la scène dans son entier. Et puis la scène de Batman, la scène d'intro, je la trouve bien foutue, et c'est une belle scène comic book pour Batman. Tu vois, c'est un côté un peu comic book Batman que je trouve, tu vois, pour le coup, c'est plus le Batman que j'ai envie de voir au cinéma, ce qu'il a fait Whedon dans sa scène d'intro de Batman. Là, ça me parlerait, tu vois. Ça me parle, ouais. Mais c'est tout, quoi. Après le film, c'est raté, quoi. Je voulais dire que je trouvais que DC assumait son côté multivers, enfin, univers partagé, pour le coup, avec Crisis on Infinity Earth, qui regroupe tous les films du DC Universe et de toutes les séries CW, Arrowverse, tout ce que tu veux, alors que Marvel, eux, l'assument pas trop. Donc déjà, voilà. Et j'aimerais vous demander, parce que effectivement, Justice League, il n'y a pas grand chose à dire. Je pense que tout le monde a beaucoup parlé sur ce film et au final, on attend tous la Snyder Cut. Si, j'aimerais bien avoir votre avis juste un petit peu global pour terminer ce live mais vas-y, prenez ça tranquille. Hein. On attend tous la Snyder Cut. Non, on attend pas tous. Non, mais on n'attend pas dans le sens où on attend pour voir ce qui va se passer, on s'en fout. Moi, perso, je m'en fous. Ouais, oui, je vois ce que tu veux dire. On attend tous pour savoir si on va faire le comparatif. Gens, que l'honneur soit lavé, en fait. Le déshonneur qui a été jeté sur la Justice League soit lavé, je pense qu'il le sera, parce que le film sera un peu mieux, quoi. Moi, je pense que le film sera... Voilà. Mais après, c'est mon avis, bien sûr. J'ai du mal. J'ai vu les bandes annonces encore une fois et j'ai vraiment l'impression de regarder un jeu PS3, donc je comprends pas, quoi. Surtout qu'il y a eu 100 millions de budget en plus
au niveau des 70 millions au niveau des effets spéciaux et 30 millions pour refaire des reshoots, je crois. Ou le contraire, 30 millions au niveau des effets spéciaux et 70 millions pour des reshoots. Ouais, ouais. Ouais, tu vois, c'est pas mal, tu vois. Il y a eu pas mal de budget pour le refaire. Techniquement, ils refont le film, hein, avec 100 millions. Après, il faut passer à autre chose, quoi. Faut passer à autre chose. Release de James Wan Cut, la release de Patty Jenkins Cut, peut-être. Ils ont déjà commencé avec David Ayer, là. Flemme. Ouais, David Ayer. Moi, je suis plus intéressé par ça changera pas son Joker. Je suis plus intéressé par un Suicide Squad Cut que Zack Snyder. Moi, mon avis sur la Snyder Cut, c'est que je pense que ce sera meilleur que la version ciné, parce que ça va pas être compliqué, je pense. J'espère bien, parce que manquerait plus qu'on regarde et qu'on dise putain la version ciné. C'était pas mal, hein. Parce que putain, 4 heures de film, tu fais pas mieux. Attends, il y a deux versions, non ? Il y a la version Warner, enfin la version normale, et il y a la version Director's Cut aussi, je crois. Je crois qu'il y a une version de 4h30, une version de 6h, je crois, non ? Je me trompe ? Hein ? Il n'y a pas deux versions ? Ça, c'était des versions préparatoires, après, avant qu'ils fassent vraiment un truc. C'est sûr, il n'y a pas deux versions. On n'est pas sûr qu'ils vont nous sortir un Blu-ray. J'ai jamais entendu ça. Une version de 6h, donc encore... Non. Déjà, 4h30, c'est long. Mais voilà, mais moi, je pense que c'est un film qui, encore une fois, va... Je pense que la majorité des gens vont s'accorder à dire que ça va être mieux que la version ciné. Ouais. Mais je pense que ça restera malgré tout un film qui va diviser. C'est-à-dire que ceux qui ont tel ou tel problème avec la vision de Snyder auront tel ou tel problème avec le film. Et ceux qui adorent et qui sont trop fans de Snyder et qui attendaient le truc comme le Messi, adoreront. Et puis voilà. Et puis, du coup, il y aura encore la guéguerre dans les commentaires. Ouais, non, tu dis que c'était pas bien, mais c'est pas vrai. Et puis, t'es pas objectif. Et puis, ceux qui ont pas aimé, qui vont dire, non, on a le droit. Enfin, voilà. Et puis, c'est tout. Et après, il sera en 4 tiers. Enfin, il sera en 1-1. Techniquement, il sera pas en 4 tiers. Il sera en 1-1. En carré, quoi. En fait, le film. Après, je sais pas si vous avez vu la vidéo où il explique pourquoi il fait en 1-1. Je trouve ça très intéressant, parce qu'il dit qu'en 1-1, en fait, c'est un carré, et c'est pas en 16-9, du coup, on voit beaucoup plus de choses. Il fait rentrer les personnages dans leur hauteur, en fait. Exactement. Mmh. Du coup, c'est pas cuté, quoi, au final. C'est vraiment l'image brute, quoi. Ça veut dire qu'il a un réel intérêt pour la représentation des personnages, donc ça, c'est quand même bon signe. Voilà. Après, il y a aussi certains qui le shootent en IMAX, et au final, on voit tous les personnages dedans aussi, quoi, mais bon. Aussi. Peut-être pas la même chose. Du coup, écoutez, merci. J'ai juste envie de vous poser une dernière question, mais c'est juste pour terminer comme ça le truc. Juste pour terminer sur une note plus futuriste par rapport aux attentes ou ce genre de choses. Pas forcément sur la Snyder Cut, mais sur le DCU, sur l'avenir des comics par rapport à DC Comics ou ce genre de choses, ou l'avenir de juste des films. Comment vous la voyez et surtout, qu'est-ce que vous aimeriez, quoi, en mode genre, est-ce que vous voudriez qu'on arrête maintenant, qu'on passe à autre chose, qu'on reboot tout? Ou que juste que on fasse autre chose peut-être. Bon. Ouais. Forcément. Moi ça fait depuis 2016 que je dis reboot. Tu vois. Maintenant je suis content que Batman ça arrive. Ça nous aurait évité beaucoup de problèmes. C'est ça. Franchement. Bon. Maintenant parce qu'on n'est pas tellement plus avancé depuis ces années-là en fait. Mais maintenant on va avoir un nouveau Batman. Avec Matt Reeves. Qui j'espère sera bien. Je l'attends mais. Mais qui sera dans le même. Vraiment. Ça veut dire qu'il y aura deux films, il y aura deux Batman techniquement en même temps. Il n'y a plus de Batflex, c'est fini là. Il n'y aura plus jamais. C'est la Snyder Cut. Snyder Cut, c'est tout. Si la Snyder Cut marche, ils voudront. Non mais de toute façon, Ben Affleck, on va le revoir dans The Flash. Il était casté. Oui, donc en fait, c'est ce que je dis, ça n'a aucun sens parce qu'il est casté dans The Flash. C'est-à-dire qu'il y aura un Batman dans The Flash. Il y aura aussi le Batman de Matt Reeves, mais qui appartient. Il appartient pas au DCU. Hein. C'est comme Joker d'ailleurs lui. Ce sera un autre truc. Les gens ils commencent à comprendre. Voilà, ils savent qu'il y a plusieurs tentatives, donc plusieurs versions. Donc voilà, c'est pas en soi c'est pas un problème. Je pense pas. Ça m'étonnerait. Hein. En plus, le Batman de Matt Reeves est vraiment très différent du Batfleck. Donc ça permettra vraiment. Irwan, c'est ça non? On ne sait pas exactement encore, plutôt une IR2, j'ai l'impression. Ouais, je crois que c'est IR2 quand même. Voilà, en mieux. Mais du coup, j'ai quand même l'impression qu'ils partent dans cette direction-là. Après, on ne sait pas encore exactement. Mais en tout cas, ça a l'air très prometteur, ça c'est sûr. Ouais. Donc ça, j'attends. Et sinon, il reste des projets d'ici. Rien à battre. Franchement, le projet de reboot de Superman, alors là... À voir ce qu'ils vont dire. À voir, hein, mais... Le truc avec Michael B. Jordan.
Pas ouf. Non, mais... on sait pas. On verra. Ah, surtout que verra, ça fait 6 ans qu'ils en parlent, quoi, en fait. Donc, 5 ans qu'ils en parlent. Pas... Si on part vraiment dans cette piste, bon, c'est bon. Peut-être un Superman savoir. Avec Nicolas Cage, enfin, peut-être. Il y en a un qui est parti, du coup. Ça l'a gamé, genre, ça me saoule. C'est bon, allez. Bon bah écoutez, non, quelqu'un d'autre dans la ligue de Nakama, ils ont dit ça, ouais, NCK pareil j'imagine, Anto et Oz. Moi je rajouterais juste un truc, l'avenir des adaptations de comics pour moi il est pas chez Marvel ou DC, il est là. Et là je pense que ces messieurs seront d'accord. Ah. Ah. Il n'y a pas regardé. Ah, excuse-moi, ah oui, la propagande. Voilà. La propagande, la propagande. C'est voilà, invincible. C'est bien, c'est... D'ici, c'était bien et j'espère que ce sera bien, mais on a vraiment voilà, la richesse, voilà. Je pense, la nouveauté, il y a autre chose, quand même. L'avenir de tout ça. Quoi. Et toi, Oz? Moi, vraiment, ce qui m'a épuré, ce serait une trilogie Green Lantern, là, clairement. Ouais. Ouais, mais alors mieux. Oui. Non, mieux. Moi, je... Ouais, non, j'attends, en fait, j'attends qu'on rase tout. Qu'on rase tout et qu'on recommence. Alors, qu'on rase les locaux. Ah oui, mais quand je parlais d'une trilogie Green Lantern, c'est en dehors de ce qui a été fait. Hein, on rase tout et on recommence. Ouais, ouais, ouais. Il faut quelqu'un à la tête aussi qui décrit bien le truc. Quoi, qui... Ouais. Pour l'instant, ça n'a même pas l'air d'être dans les ébauches de quoi que ce soit. Donc, qu'on reparte sur un terreau sain. Ah oui, c'est vrai, il y a aussi lui, non? Il y a Keaton là, qui revient en Batman, non? Il n'y a pas ça, c'est ça. Oublié. Il revient dans quoi, là? Dans le cadre de Flash. Dans Flash, parce qu'il y a le... Je sais pas si les Nakama ont vu les concept art pour le costume, il sera beaucoup mieux que celui de Justice League. Ah, j'ai pas vu. C'est un costume qui épouse la forme du costume traditionnel de Barry, quoi, les couleurs. C'est juste que l'éclair, en fait, c'est pas juste un petit logo central, c'est un éclair qui fait tout le torse. Il est assez cool. Juste une question par rapport à ça, parce que moi je sais pas, dans les films, le Flash qu'il va y avoir, enfin par rapport, il va y avoir le Flash de la CW aussi. Ils n'ont pas casté même Arrow, là, Stéphane Hamel ou tout ça pour, Non. Ça n'a rien à voir, ça, c'est vraiment l'univers. Ah, ouais, mais vu qu'ils avec Infinity Crisis. Oui, il y avait eu le caméo. C'était du caméo, c'était pas. Ils ont fait Smallville aussi, maintenant ils ont assumé leur multi-truc, univers partagé, donc je me suis peut-être. Il y a différents termes, mais ils ne vont rien partager du tout pour moi. Bah écoutez, merci les gars, merci beaucoup, vraiment, merci à toi. Merci. De rien. Merci à toi. 40, vraiment, 3h40, c'était fou. On était presque sur la Snyder Cut, hein, vraiment. Genre, ouais. Vous voyez là, maintenant ça a duré, la Snyder Cut, c'est une heure de plus, les gars. Ouais. Donc, il va falloir mater ça. Si vous êtes chaud, un de ces quatre, au pire, pour parler de la Snyder Cut, ça pourrait être sympa, ou pas, je sais pas. Très cool et très, très content d'avoir fait ça avec Mr. Prince, Anto et Oz. NCK, c'était pas la première fois, donc c'est pour ça que je cite pas NCK à ce moment-là, mais j'étais très content avec la ligne de caméra au grand complet, on va dire. Anto, merci d'être venu. Anto, qui n'a pas de chaîne YouTube, mais abonnez-vous quand même, parce qu'à 500 abonnés, il fait une vidéo sur sa collection. Anto, merci beaucoup d'être venu. Oz, Oz qui a fêté pendant ce live, au tout début c'est arrivé, qui est passé à 1000 abonnés, donc félicitations à Oz. Voyez. Félicitations Oz, voilà, ça y est. Applaudissements. Il était temps. Moment, je vais pouvoir te taguer avec un @ maintenant, tu vois, sur les titres. C'est à partir de 1000 abonnés qu'on peut faire ça, donc les gens peuvent cliquer directement dessus. Donc allez voir dans la description, si vous avez un truc, une petite actu, un truc, une vidéo qui arrive prochainement, dites-le. La Ligue de Nakama, il y a un truc qui arrive là bientôt. Truc cool, croustillant, sympa. Les contenus habituels, en fait. Les contenus habituels. Ah non, puis je dois encore sortir une vidéo sur Superman. C'est... Ah oui, c'est vrai. Une vidéo en fait, je suis un... solo, ça. Tu m'as... T'as dit ? Ça, c'est les vidéos en solo, ça, non ? Ouais, les vidéos de Superman. C'est ça. En fait, je fais un top 10 des méchants Superman, justement. Tu vois, donc... Et j'ai vu que vous aviez sorti votre réaction dans WandaVision aussi, hein. Ah oui, enfin, là, il y a le dernier épisode qu'on a tourné hier. Après, vous êtes partout en ce moment, du coup, enfin, vous, enfin, t'es partout, NCK. du coup, merci beaucoup, les gars. Je sais que c'était en plus à cette heure-là et tout. Merci Prince et tout. Franchement, t'as géré. Je suis désolé. J'espère que t'as pas foutu dans la merde à cause de moi. Non, mais je le dirai en rentrant. Si j'ai une amende, je te l'enverrai, t'inquiète. Je pourrais la payer grâce à Romain. Merci Romain, d'ailleurs. Ah, pas mal.
Merci Romain pour pour tous tes dons, mec. En vrai, tu me régales, ça fait hyper plaisir. C'est la première fois qu'on me donne autant d'argent en live et surtout de la même personne. Donc du coup, ça me fait extrêmement plaisir. T'étais vraiment pas obligé, hein. Tu pouvais me poser des questions directement, j'aurais répondu comme tout le monde, mais c'est hyper gentil. Pour ceux qui ont envie de le faire, je le dis, mais c'est comme vous voulez. J'ai mis le bouton rejoindre. Donc pour ceux que ça intéresse, il y a des trucs hyper cool, dont un espèce de petit jeu concours pour ceux qui prennent un abonnement deuxième niveau. Ça permet d'avoir des jeux concours tous les mois. C'est histoire de vous remercier. Moi, en même temps, ça me remercie. En même temps, ça vous remercie, vous. Enfin, un espèce de bon truc, un bon délire. Donc, s'il y en a qui veulent participer, allez-y. Moi, ça me soutient. Et merci à Oz. Oz, prochaine vidéo, prochain truc bientôt. Non, bah, je fais en fonction de ce que je lis. Et je sais pas vraiment. Enfin, je prévois jamais mes lectures d'avance. Je prends en fonction de ce que je trouve en magasin. Donc, voilà. Donc, il n'y a rien de prédéfini. YouTube également de jeux vidéo, du coup allez mater ça. Je veux bien que tu me l'envoies, au pire où je retrouverai le truc et je la mettrai dans la description. Donc si vous avez envie d'aller voir ça, franchement c'est bien détendu. Bah, elle est un peu morte cette chaîne, donc une vidéo il y a une semaine. Ouais c'est vrai, ouais. du coup voilà. Et Anto, bah encore une fois merci beaucoup et allez retrouver Anto sur sa chaîne. Écoutez, je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Merci beaucoup le chat. Bonne soirée à tous. Kiffez le DCU et on se retrouve à partir du mois de avril. On se retrouve en avril, donc on se retrouve dans 2 semaines pour parler de James Wan normalement. Sur la carrière du réalisateur. On se retrouve dans un mois pour parler de la première partie de X-Men, de tous les films X-Men, pour 2 parties qui seront à la suite, donc X-Men partie 1 et partie 2. Et on se retrouve d'ici le mois de juin pour la partie 3 sur Marvel. Je vous souhaite à tous une très très bonne soirée, amusez-vous bien, kiffez bien et vive notre passion des comics et des films de super-héros. Ciao. Ouais. Salut.